Dr. Willie and Space Records present Club Sinatra Remix. Et voilà, donc vous pouvez toujours nous contacter au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 05. Oh merde. Bonsoir. Bonsoir à tous, t'appelles d'où? J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Ouais, vas-y, espèce de trablo. T'appelles de Paris. Oh, putain, mais merde. Je sais où le voiture se trouve. Hop, carrière, je me tire. Christophe, le site internet, s'il te plaît, là, on y va, là. Christophe, on n'a pas que ça à foutre, hein. Moi, je t'allais faire pissouille. Avez-vous lu le livre de Madame Chirac? Alors, moi, Marcelino, je ne l'ai pas lu, mais Gérard, je te conseille un livre, La guerre des boutons. Ouais, ça, ouais. Ça non, mais La guerre des boutons, je m'en bats les cacahuètes. Oh, c'est lui qui a sa musique derrière, arrête! Mais s'il prend une pute et qu'il roule pas. Ah, bah ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Salut, Gérard, c'est Monsieur Johnny. 109. Exact. Oh. Mais sinon, Gérard, t'as pas de nouvelles de cette vieille poufiasse de samedi? Mouna! Oui. Au revoir. Oui, je m'interroge. De quelle manière se traduit la bonhomie? Tu réponds correctement à la question. Non, mais explique-la, Gégé. De quelle manière se... On n'a pas dit répète, on a dit explique, du con. Alors, du coup, il t'emmerde, pousse-toi de là, la boule. Ouais, mais qu'il évite de parler de l'arrière-carte, ça me fera bien plaisir. Hey, qui c'est qui nous reste là? Bah Maurice, il est toujours là. Non. J'ai dit au revoir à Maurice là. Moi, pour conclure, c'est qui toi? C'est Jean-Michel. T'es encore là, toi? Bah oui, je suis revenu. Je voulais proposer. Attends. Ah bah non, on t'a dit au revoir, toi. Ah bah alors, pourquoi tu m'engueules parce que je suis pas là, Blaireau? Oh! Blaireau, il t'emmerde, alors au revoir. Ça te dérange pas de dire bonsoir que de dire des conneries? Ouais, fils de pédiatre, fils de. Du doc. C'est Jeanne. Oh, mais c'est quoi ce bordel là? C'est Spitz, il déconne. Ouais, bon, allez, Manu, tu lui dis au revoir à lui et c'est terminé. Allez hop. Okay. Bonne nuit. Donc. Est-ce que je peux répondre? Qui? Monsieur Spiff. Mais je viens de te dire au revoir. Mais pourquoi vous me dites au revoir? Je te dis au revoir, c'est tout. Pourquoi? Écoutez, au revoir. Je peux pas sentir, peut me faire aller sur Skype. Non, allez, au revoir. Je réponds à votre débat. Non. Bipudus, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. D'accord. Ouais, donc je disais que dans ces cas-là, tu gonfles. Et donc voilà, donc forcément, il y a un moment où c'est un peu comme une cocotte minute, quoi. Faut que ça sorte. Bipudus, tu arrêtes, s'il te plaît. Girardo. Alors Lolo, c'est toi qui viens de dire en culo. Alors je viens pas encore, au revoir. Ah mais non. Terminé. Dans les banques ou autres services. Je sais pas. Donc pourra-t-on encore échanger des francs dans les banques ou autres services? Je sais pas. Donc pourra-t-on encore échanger les francs dans les banques ou autres services? C'est la dernière fois que je répète la question. C'est quoi le mot? Alors. Écoutez, moi je vous répondrai l'équivalent de 4 ports. C'est-à-dire? Eh bien, 1, 2, 3, 4 ports. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Pareil. Je pense qu'alors, pour l'instant, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Pareil. Alors, on s'écoute, Jean Biffon. Il n'y a que de la maille dans mon portefeuille doré. Et voilà, donc, en fin de compte, c'était pas ce qu'on venait de ce que j'ai annoncé. Et c'était donc les Bee Gees avec Stenoline. Moi, j'ai eu un petit problème avec le grec, c'est que j'ai séché les cours pour aller coucher avec des femmes plus vieilles que moi. Putain, mais alors, moi, j'ai regardé, c'est abréviation de famille Bac égale Bachot. C'est tout ce que je peux vous dire. Les gens, c'est vraiment des connards. C'est tous des cons à trois. Ça arrive, Gérard, d'avoir un ami artificiel, c'est pas grave. On va terminer. Ça y est, c'est terminé. Dans les petits trucs, j'ai pris ton vieux chapeau rascalin en otage. Monsieur Gérard. Oui, monsieur Mazur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, moi aussi, monsieur Gérard. Je suis ravi d'être de retour. On ne sait pas ce qui s'était passé. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir. Ça y est, les bonsoirs, Jean-Luc et puis Michel Panini, là. Joyeux Noël. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un disque? À quoi
est-ce qu'on qu'est-ce un dictateur? Un dictateur. Un dictateur. Mais t'es pressé. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre parce que j'ai voté contre personne. Je sens que ce soir, vous avez envie de me casser les couilles. Et que vous avez pas envie de faire le débat. De casser la couille. Mr. Cousin. Y'a de la musique. Dégage. Hop. Allez hop. Y'a de la musique. Dégage. Merde. Y'a de la musique. Dégage. Hop. Allez hop. Y'a de la musique. Dégage. Ta gueule. Y'a de la musique. Dégage. Hop. Allez hop. Y'a de la musique. Dégage. Bonne nuit. Y'a de la musique. Dégage. Hop. Allez hop. Y'a de la musique. Dégage. Oh, allez, crasse-toi, hein. Clair, net et précis. Clair, net et précis. Eh, je vais vous dire une chose, si vous aimez pas les routiers, dans ces cas-là, allez vous faire foutre. Le mec qui s'amuse à rôter comme un porc, il faut mieux de se calmer. Parce que tout à l'heure, tu as dégagé dans ta niche et tu vas voir. Et celui qui a un portable, arrête dans... Arrête, hein. Alors, pourquoi les dictateurs sont-ils si méchants? Alors, 23% des gens répondent en buvant de l'orangina rouge. 36% répondent la réponse B. C'est leur dernier mot, Jean-Pierre. Mon dernier mot ou... Oui, c'est mon dernier mot. Non, les gars, il y a un truc qu'il va falloir vous mettre dans la tête. Ouais, vous faites les moyens avec les moyens du bord. Mr. Cousin. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Hop. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Hop. Ouais, non, allez, hop. Okay. Ce coup-là, je dis amen, au revoir. Allez vous faire enculer. Ah, vous allez pas me casser les couilles. Bah alors c'est quoi, dictateur? Ah non, mais c'est bon, c'est pas la peine de lire les messages sur l'internet. Ouais, ben te fous pas de ma gueule, d'accord? Et quand t'auras fini tes conneries, tu me feras signe. Terminé. Point final à la ligne. Y'a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Y'a de la musique, dégage. Merde. Y'a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Y'a de la musique, dégage. Ta gueule. Y'a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Y'a de la musique, dégage. Bonne nuit. Y'a de la musique, dégage. Hop, allez hop. Y'a de la musique, dégage. Oh, et crasse-toi, hein. Clair, net et précis. Clair, net et précis. C'est des habituels. Y'a des gens qui répondent très sérieusement à ta question. Ah, non, c'est des habituels. Ils sont sensibles déjà. Non. Je ne suis pas d'accord, c'est des habituels. T'as non, compris mais... Ah, c'est les habituels, j'en veux pas. Je te respecte. Ah, l'agenda qu'il avait, il est hors de question qu'il se veille entre tes mains. Non, bah non, je suis désolé. C'est Europe terminée. C'est les habituels, j'en veux pas. C'est dégueulasse. J'en veux pas, c'est les habituels. Et ta sœur, comment qu'elle fait pour enculer un âne? Non. Elle faut pas prendre les gens pour des cons, ni pour les gens, enfin les canards sauvages. Non, c'était pas moi. Non, c'était la même ma sœur pour enculer l'autre d'un soir. Ouais. Alors, non, mais... ça parle de quoi le Big Bill, enfin, s'il fallait résumer le Big Bill? Non, grosso modo, c'est un jeu, bon ben, il y a des... Grosso modo. C'est un jeu, bon ben, t'as des candidats qui viennent, ils repartent avec une voiture ou ils repartent avec du fric. C'est le Big Bill, ça? Mais c'est quoi le but du jeu? C'est pas le cool, but du jeu, ben, c'est... Parle devant ton micro. C'est de non, mais gagner... remonte-le, mais crie pas dedans, parce que je te jure, ça tord dans tous c'est les... C'est de gagner, de répondre aux questions que la gaffe, il pose, ou que si t'as un fil rouge, par exemple, là, comme ce soir, il y avait un fil rouge, le mec il a gagné 13 000 francs en écrivant je sais plus quoi comme mot, et puis après t'as des chansons, t'as... C'est Big Bill, ça? Bah oui, c'est ça, ouais. Oh, t'as qu'à le regarder, toi, à 19h, espèce de cave. Ouais. Ah, tu devras regarder le Big Bill. Et puis après t'as le jeu, là, avec... Ça a l'air que quand il y a la voiture, ça peut t'écrire un mot sur un bout de papier, tu gagnes une bagnole? Ça dépend si la personne veut garder ses 13 000 francs, oui, ou l'échanger contre le rideau, ça peut très bien arriver. Ça à la place des 13 000 francs. Échanger contre le rideau, il y a un rideau. Ah oui, ils ouvrent un rideau. J'ai jamais vu, moi. C'est quoi le rideau? Ça veut dire quoi, le rideau? Bah, c'est un rideau comme si tu faisais une pièce de théâtre, t'as un rideau et puis là t'as la voiture. Comme ce soir, là, le mec, il a pas voulu échanger contre le rideau, je sais plus c'était sur quoi. Mais attends, le mec, il a perdu une voiture à 56 000 balles. D'accord. Mais il était au théâtre, le mec. Non, mais c'est en direct, en fin de compte, hein. T'as le public qui est là et c'est en direct. Dans le Big Bill, il y a un rideau comme au théâtre. Bah oui, t'as le rideau et t'as l'écran. T'as deux trucs. Je comprends pas, attends. C'est avec la gaffe, ça, c'est à 19h, le Big Bill. Bah oui. J'ai jamais entendu parler de ça. Et bah attends, c'est l'heure à l'appel, moi.
Mais non, non, c'est fini, c'est fini ça. Oh là là, t'as déjà demandé à Françoise qu'elle appelle TF1. Non, non, mais pour le Big Bill, donc il y a un rideau comme au théâtre. Ouais, et non, ils sont au théâtre, ça se passe au théâtre. Non, non, c'est en direct sur TF1. Oui, mais au théâtre. Non, c'est pas dans un théâtre, c'est sur une scène avec tout. Pourquoi tout tu dis un écran? Pourquoi tu dis qu'il y a un rideau de théâtre? Je comprends pas. Ah oui, mais comme tu t'arrives pas à comprendre que le rideau il s'ouvre. Ah, il y a un rideau qui s'ouvre. Oh, mais comme un rideau de douche. Voilà. Ah, rideau de douche alors. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, là, derrière un rideau de douche, c'est transparent, on arrive à voir ce qu'il y a derrière le rideau. Ben non. Qui le sait qu'il y a derrière le rideau? En principe, c'est la gaffe et puis bien sûr Big Bill, parce que c'est celui qui peut gagner les cadeaux. Alors, lui, une fois, il s'est retrouvé avec 35 000 balles dehors. Non, qui? Il a pour qui, mettre... Qui? Ben Big Bill, 35 000 balles. Ouais, ouais, le mec, il a pas voulu échanger et derrière, il avait une boîte de bonbons à lui. Et Big Bill, il a fait un chèque de 35 000 balles. À la fin de l'émission, ouais. Alors, c'est qui? C'est la GAF. Ben c'est la GAF, c'est la direction de TF1 qui prend un chèque carrément à la personne. Hein. En euros? Attends. Non, en euros, attends, l'euro c'est pas pour maintenant, arrête tes conneries toi. Attends, mais arrête. Ça veut dire que la direction de TF1 s'appelle Big Bill? Non, c'est l'émission qui s'appelle comme ça. Ouais. Le jeu ça s'appelle le Big Bill. Ouais. Donc c'est l'autre là dans sa soucoupe volante. Et qui ça, je l'ai jamais vu, dans sa soucoupe volante, c'est qui? C'est un espèce de... De personnage. Qui s'appelle Big Bill. Voilà. Et après, bon ben, t'as tous les jeux qui suivent. Mais il est où, lui? Il est dans l'espace? Ouais, non, mais il est dans un grand écran, comme tu prendrais là RTL9, et dedans, tu le vois en train de faire ses conneries. Non, mais c'est pas grave, il a raison, il est obligé, là. Hein. C'est-à-dire que lui, le mec, le Big Bill, il est dans RTL9. Ah, il est là, dans l'écran, et puis... Mais RTL9? Ben non, pas RTL9, sur TF1, bien sûr. Pourquoi tu dis RTL9? J'ai pas compris. Parce que je vois marqué RTL9. Alors pas voilà. TF1, il n'y a pas marqué TF1 sur l'écran de télé. Bah non. Faut pas, attends. Non, j'aimerais bien voir 19h, attends, j'ai jamais vu, merde, c'est à 19h ça, sur France 2. Non, sur TF1. Mais non, c'est Alerte à Malibu. Non, à 19h non, c'est le Big Bill. J'ai encore regardé aujourd'hui, c'était Alerte à Malibu. Bon travail les gars, bon travail. Moi je te dis que non, parce que tu vois, je vais regarder là tout de suite et c'est bien marqué. J'ai le truc là, le journal, le bouquin. Voilà, alors, 19h05, le Big, jeu animé par la GAF. Oui, mais d'accord, mais ça je veux bien te croire qu'il y a le Big Bill à 19h. Mais un truc que je comprends pas, c'est que tu parles d'RTL9. La preuve? Tu l'as déjà vu dans la rue, non? Mais non. Attends, mais ça c'est un scoop. Parce qu'il y a quand même des mecs qui s'appellent les frères Bogdanov. Temps X dans les années 80 qui se cassait le cul à savoir si les extraterrestres existent. Mais ça existe vraiment ou c'est un truc créé, Big Bill? Non, c'est un truc qui a été créé parce que... Mais la bestiole, la bête, elle parle? Bah oui, il a une voix comme nous. Attends, tu veux dire que les extraterrestres parlent comme nous? S'il te plaît, écoutez. Non mais sérieusement, c'est-à-dire que l'extraterrestre parle en français? Bah oui. Donc les extraterrestres, c'est français? Bah oui. Ah mais attends, parce qu'on nous a toujours fait croire les Américains, alors c'est français, Big Bill. Je vais prendre un passage et puis je t'amènerai une cassette. Non mais ça m'intéresse, est-ce que ça voudrait dire que les ovnis, les extraterrestres, c'est français, ça vient de France? Ça peut être français, comme ça peut être étranger. Hein. Alors c'est pas sur TF1 alors? Mais si, c'est sur TF1. Non mais j'essaie de comprendre, en plus ça m'intéresse, parce que c'est fou cette émission, c'est dingue. Non mais c'est bien comme émission. Ouais, c'est bien foutu. C'est amusant, n'empêche. Non, ça a l'air bien foutu. Qu'est-ce qui est drôle? C'est l'extraterrestre, il fait de l'humour français. Et puis le mieux, c'est de quand il arrive vers le milieu de l'émission, que bon bah la personne a fait avec Bill a trouvé un. Par exemple, une chose aujourd'hui, je sais plus ce que c'était qui était à trouver. Et après, ils ont une personne au téléphone. Putain. Ils lui donnent un mot pour que la personne doit rechercher dans le dico de savoir ce que ça veut dire. Et la personne peut remporter 5000 balles. Ou l'échanger contre le rideau ou contre l'écran. Soit, alors attends, ça veut dire que t'es muni d'un dictionnaire et avec un mot, tu trouves le mot, la définition du mot, tu gagnes 5000 francs. Mmh. Et que le dictionnaire, tu l'échanges contre un rideau? Non, tu peux échanger tes 5000 balles, soit contre le rideau ou contre l'écran. Souvent dans le rideau, t'as c'est des rideaux. Attends, mais c'est des rideaux brodés en or, parce que pour un rideau à une valeur de 5000 francs. T'achètes le rideau? Non, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière le rideau. Ah, mais t'achètes pas de rideau? Mais non. Ah, je te demande si vous gardez les 5000 balles ou vous les échangez. Contre le rideau. Voilà. Donc tu prends ce qu'il y a derrière le rideau. Par exemple, ça peut être très bien 3 t-shirts du Big Bill, une boîte de bonbons, une bagnole, un passeport comme il fait souvent. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un scooter, une chaîne vidéo, deux téléphones portables et autres. Sans déconner. Gérard, sur IRC, on me demande quand est-ce que tu passes au Big Bill.
Jamais. Non mais attends, je reviens un peu là, c'est un peu chiant, mais parce qu'il y a un truc qui m'intrigue là quand même. Le Big Bill, donc c'est le nom de l'extraterrestre, oui, qui parle français. Voilà. C'est lui qui met le cadeau derrière les rideaux ou c'est non, la gaffe? C'est l'équipe en général. Ils mettent ce qu'ils veulent derrière. Mais qui décide de ça? C'est Big Bill? Ben c'est la direction de TF1 en accord avec la gaffe. Mais qui paye? Enfin c'est qui paye? On prend un portable. Téléphone portable. C'est de tes portables. Ben, c'est le sponsor en fin de compte parce que c'est dirigé. C'est sponsorisé. Ben oui, c'est les marques de portables, ils les donnent pas. Ah oui d'accord. Alors par donc, exemple comme la bagnole là, bon. Ce soir, je sais que c'était une Ford Kassa. Oh là là, la marque. Les petites poubelles de naze, là. Ouais. Et avant, il y avait une Renault. Sans marque. Une Renault Clio. Une Renault, mais on ne cite pas la marque. Hein. Voilà. Bon, et donc l'argent, là, en fin de compte, par exemple, si... Bah, si la personne veut. Non, mais par exemple, je reviens sur l'extraterrestre, parce que là, c'est un scoop, mine de rien, parce que c'est français. C'est quand même beau, c'est une marque française. Mmh. Hein, Big Bill, quoi, mais il est dans une soucoupe, mais qui fait la révision? Comment ça? Non mais je voulais savoir. Attends, je comprends pas parce que par exemple, quand t'as une voiture, quand tu fais les 5 ou 10 000 km, tu fais une révision. Moi j'ai ma caisse, je l'ai révisée à 40 000. Mmh. Donc quand la soucoupe volante vole pendant toute l'émission, à un moment donné, il y a le compteur 40 000. Mais elle vole pas la soucoupe, l'autre, il est dedans, il s'amuse à faire le con avec ses grosses oreilles bleues là. Ah, parce que les extraterrestres ont les oreilles bleues. Bah lui, c'est comme ça qu'il est, avec un chapeau d'avocat, tout ça, je t'explique pas. Ah, parce qu'il bouffe sur place. Ouais, il s'amuse souvent. Dès que par exemple, si la personne prend le... Ça, c'est la gaffe. Donc, c'est la gaffe qui se fait passer pour Big Bill. Non, c'est un mec Et la gaffe, il fait quoi? C'est le producteur de l'émission? C'est l'animateur, lui, carrément du jeu. Ah, je crois que c'était Big Bill, moi, qui présentait. Mais qui présente cette émission? La gaffe. Ah, d'accord. On a mis la gaffe, là. Celui qui chante... Les beaux, le lavabo. Mais alors, voilà. Ou la Zoubida. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il introduit... c'est lui qui fait Big gagner... Bill les, Big Bill, c'est lui qui fait gagner les cadeaux aux gens. Et qui pose des questions? Bah, c'est la gaffe. Et Big Bill, il a à voir quoi, là-dedans? Lui, Big Bill, c'est qu'à un moment donné, dans l'émission, il présente un jeu. Donc, il a les gaffettes. Il y a deux présentateurs. Il y a Big Bill. Lui, Big Bill, donc, c'est lui qui fait le juge-arbitre. Dans le jeu. Comme au tennis, il pourrait y avoir un juge arbitre, voilà. Un juge de ligne, c'est lui qui décide si la balle est faute ou pas. C'est lui qui décide si la. Par exemple, ce soir c'était assez, un Gigi. Comme Rigo il aime bien là, les Gigi, bah ouais, les Gigi c'est ceux qui sont derrière les platines, les Gigi. Voilà. Les Gigi, ouais. Et je veux dire une chose, que c'était pas évident à trouver ce soir, et la nana, bon bah elle a gagné 9300 balles et elle a échangé, puis en fin de compte elle a gagné quoi? Elle a gagné 9300 francs en passant derrière les patines, c'est-à-dire qu'elle faisait le DJ? Non. DJ? Non, elle a retrouvé les trois chansons qui lui proposaient. Mais sur trois, elle en a retrouvé que deux. Donc au moment de la finale, ah, ouais, elle a échangé, puis en fin de compte elle a gagné. Parce que c'est un tournoi, il y a des finales. Bah oui, chaque personne qui gagne. Ah, c'est un tournoi. Après, ils se retrouvent tous à la fin. Mais le tournoi, quand tu dis ça se passe où? À Paris, à Bercy? Non, c'est sur TF1. Oui, d'accord, ça peut être en direct sur TF1, mais c'est à Bercy. Stade de France. Non, c'est. Je sais plus où qui sont. Roland Garros. Non, mais sérieux, c'est où? Mais non, c'est dans les studios. C'est dans les studios de TF1. Ah, à Bagatelle. C'est comme ici, si on veut faire un défi, comme on a fait l'autre fois avec Françoise. Mais, ouais. Ah, on marque pas, ouais. Mais donc, c'est tous les jours. Ouais, tous les soirs. Ah, bah, ce week-end. Non, pas le week-end. Ah merde. C'est du lundi au vendredi. Ah zut. Ah. Voilà. Parce que moi, à 19h, malheureusement, j'ai pas le temps de regarder la télé. Ah, c'est, non mais c'est non mais si tu veux je pourrais t'enregistrer une émission. On pourrait l'enregistrer, puis comme on a un magnétoscope on peut diffuser en direct à la radio, et puis tu le passes là et tu vois, et puis comme ça on a le son pour les auditeurs, et puis là tu peux nous décrire ce qui se passe. Voilà, tu peux l'enregistrer pour jeudi prochain. Ouais, pour jeudi, ouais. T'en enregistres les plusieurs, puis tu gardes la meilleure, puis tu nous amènes la meilleure des émissions. De toute manière, j'enregistre toutes les émissions du lundi au jeudi, hein. Bah, garde la meilleure, toi, tu ramèneras la meilleure. Tu nous caleras sur la meilleure. Faudra que je trouve sur la... Le meilleur, c'est le truc des... Canal 19. Les chansons, là... Ah ouais. Non, mais je veux dire, tu enregistres toutes les émissions tous les soirs, et puis après, quand on en enregistrerait 4 ou 5, tu nous diras laquelle il faudra absolument passer à la radio, la meilleure des 5. Oui. Comme on fera un décortiquage. Si t'as Sandy au téléphone, pas toi, c'est pas toi que je m'adresse, parce que toi, tu vas aller à l'aria. Ça, Manu, si t'as...
Non, non, c'est... non, lui, il va à l'arrière. Non, après, ah non, t'as dit qu'il faisait le standard. T'arrêtes pas de changer, t'es pas non, cool. Non, 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 non. T'as dit tout à l'heure au téléphone, attends, on en a discuté hors antenne, on en a discuté dans les bureaux, t'as dit qu'il faisait le standard pour le premier, parce qu'après, il se barre. Non, bah alors, qui se barre? Non, non, donc, mais après, mais bon, pour terminer là-dessus, revenons. C'est pas grave. On fera donc un petit décortiquage de l'émission, parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue. Tu sais que je suis intrigué, là. Hein. Non mais c'est bien comme émission à voir. Non mais ce que là on est dans l'intrigue, c'est un petit peu que c'est un peu du. Non, mais par contre, Jean-François, j'ai un truc. C'est Schilderic là. Schilderic. Bah l'inspecteur allemand là. Schilderic. Schilderic. Ouais, non mais c'est un peu une intrigue comme à la Derrick. Non mais c'est, moi je trouve que c'est pas mal comme jeu. C'est vachement mieux, on se marre mieux en plus. C'est plus salé, ça a meilleur goût peut-être. Il fait caca, Big Bill ou pas? Con, bah, tiens je te répondrai pas, ça t'apprendra. Mais alors donc lui il est toujours sur écran quoi. Ouais. Mais carrément dans. Non mais par exemple, là on pousse le bouchon si tu peux me permettre par rapport à ce qu'a dit Fildar, c'est pas très fin, mais par exemple, il chie synthétique. Ah bah ça je sais pas, hein, faudrait que tu lui demandes. Parce que. On peut appeler Big Bill. Non, on verra ça la dernière fois, parce que peut-être qu'il chie spatial. Bah ça je sais pas moi. Hein. Parce que parce qu'il faut faire attention, parce que dans une émission comme ça, c'est là où il y a la censure. C'est pour ça que le CSA c'est important, parce que si le Big Bill il se met à chier en plein milieu de l'émission, ouais, comme il a un apesanteur, la crotte flotte. Ouais, c'est la merde. C'est la merde, non mais imagine-le qu'il a, je sais pas, la diarrhée. Oh là là. Eh ouais. Imagine qu'il ait fait caca derrière le rideau. Ah, la meuf, elle gagne le caca. Un rideau de merde. Le caca de Bill. Bah, oui, Big d'accord. Bill. Oui, mais c'est de la crotte spatiale quand même. Ouais. Bah, ça... Quelque part, c'est comme de la météorite. Là, on est à combien, Rigo, sans déconner? Oh, on est à chier, là. Sans déconner, on doit bien être 1700 au moins. Oh ah, mais ça, le Big Bill, les gens connaissaient, non hein? Jamais entendu parler, Rigo. 1723. Comment? Jamais entendu parler sur l'internet. Big Bill, non. Mais non. C'est non, pas moi, parce que... moi, je pensais qu'il y avait Alerte à Malibu. Mais ça marche bien, ça. Mais ça marche bien cette émission. Bon, la preuve, c'est qu'il la garde, c'est qu'il continue. Alors, là, continue encore. Hein, ils sont pas prêts de l'arrêter cette émission-là. Hein. Et Big Bill, il a son passeport pour rester en France ou pas? Ah bah ça, je sais pas. Hein, faudra que tu demandes à la GAF. Tu lui demanderas, il te dira. C'est par rapport au t-shirt que t'avais reçu de la Gigi World. Oui. Tu sais là, avec Big Bill. Avec Big Bill, alors derrière. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il y avait derrière le t-shirt, on rappelle? Moi je sais pas, j'ai laissé simplement mon prénom. Bipez-moi à sec, en fait, parce que je veux pas dire le mot. Et... Enculez-moi à sec, c'était. Ouais, voilà. Et en fait, t'as été plus intelligent qu'eux, c'est que t'as mis du Tipex. Comme ça, moi, bon, vas-y, dis ça. Donc la société Gigi World a découvert les origines de la haine qui existe entre Apolline et les deux déchiens surénois. En effet, Gérard et Sandy n'ont pu se marier en juin dernier car Gérard l'était avec votre standardiste. Cependant, le divorce venant d'être prononcé, Sandy va enfin pouvoir devenir Madame Cou... vous adressant pour preuve l'acte de divorce. Et en fait, ils ont bien envoyé en fait le contrat de divorce qui en fait résulte de votre mariage avec, avec Apolline, Gérard. Oui, ça t'a donc, raison. En application de la loi... Maquet 1884, les époux Bip, Gérard et Apolline, que rien ne peut réconcilier, n'ayant toutefois pas obtenu reconnaissance de la nullité de leur mariage religieux, se sont engagés dans la procédure de divorce le 17 octobre 97. Donc en fait, ça fait longtemps que tu le connais, Gérard Apolline. Ouais, quand même, mais je l'avais pas dit avant. Donc conformément au texte de loi de justice, les époux Bip ont choisi d'être représentés par Maître Founias, huissier et avocat au barreau de Paris. Donc voilà, donc il y a les raisons pourquoi vous êtes séparés. Il y a donc les obligations pour la divorcer, donc une période de 300 jours correspondant au délai de viduité sera observée. Donc je sais pas ce que c'est la viduité. Ça veut dire quoi, Gérard? J'en sais rien, il a qu'à regarder dans le dictionnaire comme c'est un intello. Bah ouais, exactement. Il a qu'à faire comme Gérard quand il prépare ses débats, il regarde dans le dico, il fait pareil le mec, c'est tout. Et donc, bien sûr, étant donné que vous êtes divorcé, tu dois lui verser une pension alimentaire. À qui? Mais à Apolline. À Apolline, oui. Ah ouais, carrément. Ça, donc, de 4537 francs. Ouais, c'est ça, bah, garde les papiers, Fildar, parce que on madame, c'est comme bon. Je suis un peu à la dèche. À madame ex-Bip Apolline. Toutefois, monsieur Bip cousin, monsieur Bip Gérard, pardon. Conseil que je savais donner. Un conseil à un homme averti en vaut deux, alors fais gaffe. Je suis d'accord. Donc ne dis bien un train peut t'en cacher un autre, ouais, fais gaffe. Attends que la barrière s'enlève. Monsieur Gérard, ne disposant pas d'une telle somme, il a été convenu par le biais de la société Gigi World et son PDG monsieur Delanus qu'un contrat sera signé avec madame ex Bip Apolline et Fun Radio. En conséquence, le contrat devant lier mademoiselle... il y a carrément le nom, c'est la classe. Et Sandy est nul, c'est-à-dire que Sandy ne peut pas avoir de contrat à Fun Radio. Et voilà, donc c'est signé. Donc voilà, les preuves, Apolline, tu les laisses dans un coin. Ouais, mais attends, tu me fais voir ça. C'est Apolline.
Ouais, ouais, ben ça, t'inquiète pas, laisse ça tranquille. Parce que ça, pour l'instant, il va bien, ça, il s'amuse bien à faire les conneries comme voir, ça. Fais voir. C'est encore le gueule d'amour, il recommence. Ah, si on avait parlé d'une fête qui était chez lui, en fait, il y avait une erreur d'impression parce qu'on s'était gouré dans la date. Ouais, non, mais attends, justement, donc, c'est que je l'ai reçu encore ce matin, ça. Mm. Et ça, c'est de côté pour les flics aussi. Alors qu'il fasse bien gaffe à sa gueule, le gueule d'amour. Donc, parce rectificatif. Hier, il envoyait Danière. Et mardi, je l'ai reçu dernière. Et comme par hasard, ce matin, je reçois une de plus tôt. Donc, qu'il passe gap ou qu'il envoie le courrier parce que les enveloppes, on les garde. Donc, ça a lieu le 31 mai. C'est un grand bal costumé à la Cité Carnot. Dîner spectacle, soirée sodo. Donc, il y a des tarifs. GG vous tripote la nouille pour 10 balles. Oh, mais... Non, mais t'as raison. Mais dis ça. Non, mais dis ça devant des millions d'auditeurs, espèce de con. Demi-tarif pour les routiers. T'es minable, hein. Branlette avec gants de toilette, 200 balles. Pipe plus toast au caviar, 2000. Glaçon dans le slip, 100 balles. Bite au cirage, 50 balles. GG Sodo plus assiette anglaise, 500 balles. GG la nuit plus une part de tarte aux pommes, 12 000 balles. Putain, sont fous les mecs. Non, mais... Sodo avec bouteille de champagne plus compote pomme banane pour 5000 balles. Et pour le gagnant du grand concours, kiss fucking avec tonton Bip. Donc voilà, donc il y a tous les tarifs. Et donc il faut venir costumer, bien sûr. Donc vous connaissez l'adresse, hein, j'ai pas besoin de la rappeler. Ah si t'as raison toi, parce que le jour que j'ai la tienne, je la balance à l'antenne. Alors fais bien gaffe aussi toi là-bas. Je voulais passer moi. Ouais ben tu vas voir, tu vas passer avec un coup de bombe lacrymogène. Bien joué Gérard. Voilà. Là, toujours dans la délicatesse. T'inquiète pas, lui gueule d'amour, de toute manière, qu'il fasse gaffe à ce qu'il fait, parce qu'il va être mal barré lui aussi. Voilà. Il va se retrouver comme les autres là. Mais ça se trouve, gueule d'amour, fesse de bobin, tout ça, c'est tes copains, ils viennent chez toi, tu t'en rends même pas compte. Je l'avais déjà dit ça. Déjà, en plus, ils s'amusent à poster des courriers les mêmes que tu reçois. Alors, un coup, c'est posté de Paris, un coup, c'est posté d'Anières, plutôt. Ça se faut savoir où il habite, le mec. Hein. En plus, c'est moi, gueule d'amour. Il y en a un qui se fait passer pour Christian de la Selle-Saint-Cloud aussi. Ah, oui, carrément. Alors, il paraît que c'est moi qui aurais interdit le Christian de la Selle-Saint-Cloud de passer sur l'antenne maintenant. C'est nouveau, c'est signé gueule d'amour aussi. On m'a dit approche aussi. Ton micro que tu recules à chaque fois. C'est signé gueule d'amour aussi. Il paraît que c'est moi qui lui aurais interdit de passer à l'antenne. Ah, oui, carrément. Bah écoute, on est très surpris. Bon, on va attaquer quand même les deux débats. C'est fini pour le courrier pour ce soir. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc on va attaquer l'internet. On est combien, Rigo, là déjà, du fait que Gérard est arrivé? On est 5742. Ouh, pas terrible. Ah bah quand même. Quoi, c'est pas terrible. C'est le début. Hein. C'est le début, c'est déjà pas mal. Il voulait savoir où est-ce qu'on pouvait réserver pour le caviar à 2000 balles, hein, ce demi-caviar. Nulle part. Voilà, exactement. Tu vas au relais, c'est bon. Ouais, ou tu vas directement chez Fauchon. Je crois qu'il y a un truc. Ouais, non, mais vous allez chez Fildar. Vous écrivez à Pen Radio, vous demandez l'adresse à Fildar. Fildar vous donnera le caviar gratuit. Voilà, exactement. Alors, on va attaquer les deux débats. Le premier débat portera sur quoi, Gérard? L'espace. Pardon, ouais. L'espace, comme tu m'avais la conquête demandé. De l'espace. Ouais. Et l'équitation après. D'accord, Comète, ouais. 26 ans du Havre, qu'on peut écouter Fun Radio sur 106.9. Allô? Allô? Bonsoir, Comète. Non, c'est pas... Non, Comète, j'ai encore au standard, excuse-moi, ah bon. Gérard. Alors, gros Spoutnik, 23 ans de Verdun, 93.9. Oui, tout à fait, 93.9. Bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Petit Omni, 24 ans Paris, 101.9. Bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir. Et Petit Gus, de 25 ans de Lille, 96.8. Oui, bonsoir, GG, bonsoir. Et Comète, on l'a ou on l'a pas? Ouais. Commencez pas, là, tous les deux, là-bas. Non, on l'a, c'est bon, j'ai dit, bonsoir. Et Comète, 26 ans du Havre, 106.9. Salut Gérard, salut l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, Comète. Bonsoir. Bon, allez, on attaque la première question. Aimeriez-vous aller dans l'espace, si oui ou non, pourquoi? Donc, on va demander à Petit Omni. Ouais, moi j'aimerais bien aller dans l'espace parce que je voudrais bien découvrir en fait ce qui se passe là-bas. Mmh. Connaître un peu de monde, tout ça quoi. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, je vais te dire, ouais. Mmh. Gros Spoutnik. Ouais, bah écoute, moi pas trop parce qu'en fait j'ai un peu le vertige. Donc déjà j'ai le mal de l'air, j'ai la trouille en avion. Mmh. Donc je pense que tu vois, navette spatiale, je risque d'être malade. Donc a priori, je pense que je vais éviter les voyages interstellaires pour l'instant quoi. D'accord. Comète.
Bah moi en fait, j'ai vu pas mal de fusées qui ont explosé à la télé et ça me le fait. Bah il y, y en a qu'une qui a explosé et je sais plus quand est-ce que. Il y en a plusieurs. Hein. Non. Non. Plusieurs, quand même. Deux. En plus, c'était lesquels ? Une bonne vingtaine. Non, 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 attendez, attendez, attendez les auditeurs, s'il vous plaît. T'avais Challenger. Ouais. Et l'autre, c'était laquelle ? C'est Supo 3, je crois. Ouais. Non, Spoutnik. Supo 3 dans tes fesses, il a explosé. C'est ça, t'as raison. Commence, commence à dire des conneries. Il a foutu des éclats partout, c'est dégueulasse. Donc, qui c'est qui. C'est Comet qui me disait ça. Ouais, donc je te disais que ça me faisait flipper de monter dans une fusée parce que j'ai peur qu'elle explose, donc je suis très bien sur Terre, en fait. D'accord. Petit Gus, pour terminer. Ouais, bah non, moi, je compte pas du tout aller dans l'espace puisque je suis claustrophobe. Et donc, De quoi donc aller dans l'espace, ça me tente pas du tout. Mm-hmm. Parce que j'aime pas les petits espaces. Mm-hmm. D'accord. Pour Red. Donc, pour en finir, moi j'aime pas trop l'espace, donc je vais vous dire ce qui s'était produit là en 69 exactement. Le premier homme à marcher sur la Lune, c'est Neil Armstrong, suivi de Dewin Aldrin. C'est, je sais même pas si, si c'est bien prononcé, si, mais si, c'est, ça. Putain, c'est pas grave. Ça fait 3 ans qu'on attend l'info. Debout les mecs, tout le monde debout, merde. Vous la connaissiez hein, déjà l'info de Neil Armstrong. Gérard, faut que tu mettes quelques points sur les i avant de. Tu m'écoutes ? Ouais. Avant de continuer le débat, parce que tu parles de l'espace et faudrait que tu précises qu'on va pas parler du monospace. Ah non, 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 on parle pas des voitures, hein, on parle que de l'espace. Et il y a beaucoup de gens sur l'IRC, ils te demandent qu'est-ce qu'il y a dans l'espace ? C'est quoi l'espace ? Ben l'espace, c'est des. T'as l'airbag, t'as. Non, 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 la clim, non. La direction assistée. On parle pas des voitures, Fuldar, s'il te plaît, tu commences pas à foutre ta merde. Merci. Donc. Donc, ce qu'il y a dans l'espace, c'est des étoiles, et puis tout ça, ils réparent des satellites qui sont déjà là-haut depuis longtemps. Mais il y a quoi c'est, ça se touche l'espace, c'est quoi? Non, c'est dans l'air. C'est de l'air? Ben ouais. Ah, ok. Voilà. Alors, un petit sondage. Où peut-on conquérir l'espace? Non, c'est pas sur cette question-là. Bon, bah, c'est pas grave. Dès que je trouverai ça, je pourrai vous le dire. Non, mais commence par le premier. Le premier, je crois qu'il est sympa. Êtes-vous pour ou contre la conquête de l'espace? Bah, ouais, mais vois, ça, parce que, est-ce que vous voulez aller dans l'espace et la conquête de l'espace? C'est pareil. Hein. Alors, donc, 62% préfèrent la conquête des cons. Ça, c'est bien de pas mettre ça. Non, alors la conquête des cons. Ouais, mais c'est pour ça qu'on avait bien précisé d'arrêter de mettre des gros mots comme ça. Donc, c'est pas un gros mot, Kékette, ça va. Ouais, mais con, si, quand même. C'est champion olympique de natation, enfin bref. 34% pensent que ça coûte trop cher, ça c'est vrai. Et je pense que je vais sûrement parler. Non, on l'a retiré la question. Ouais. Dommage. 21% sont restés à l'époque de la conquête de l'Amérique. Ouais. Et 17% des gens me demandent si je suis un des frères Bodanov. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as pas de frère, toi, de toute façon? Non. T'es unique, un peu? Ouais. Ouais, bah bon. Alors, combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? On va demander à Conquête. Et en précisant qu'ils l'ont dit à midi, c'est pour ceux qui ont écouté les informations. Donc, Tu dormais pas à cette heure-là, toi? Non. Eh ben. Non, il était pas couché encore. Non, je me suis pas couché de la journée, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, donc c'est alors, Conquête. Comète, pardon. Bah, ça peut durer de 10 minutes à toute ta vie, quoi. Ça dépend si tu te perds dans l'espace avec tes compagnons. Tu peux errer indéfiniment pour retrouver le chemin de la Terre, quoi, c'est tout. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense. 2 minutes, je pense pas. Ouais, si tu veux dire 2 minutes dès que ça va, dès que la fusée vole et puis qu'elle explose comme il s'est produit il y a un peu de temps là. Bah, un bout de temps. Dès que t'es dans le pesanteur, en fait, c'est dans l'espace, quoi. D'accord. Gros Spoutnik. Ouais, bah écoute, moi je sais que Ulysse 31, il a erré pendant des années et des années avant de rentrer chez lui dans l'espace. Tu vois, c'est ce que je disais. Ouais, et je sais que les frères Igor et Grisha Bogdanov, ils ont bien galéré aussi. Ouais, ils sont pas redescendus. Ouais, il y en a un qui est pas redescendu, ouais, des deux. Bon, ça suffit, gros Spoutnik, de préciser des noms comme ça. Hein. Non, mais il s'appelait Igor et Grisha, tu vois. C'est ouais, ouais, mais c'est bon, on n'a pas besoin de préciser. Le nom de Clébar, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, Rigo. Oui, donc, il y a Yankee NASA qui te demande si c'est toi qui as écrit on a marché sur ma lune. Non. Non, on a marché dans ma lune. Ouais. Non, non, non. J'ai rien écrit du tout. Ça, on le sait. Ça, c'est clair. Petit ovni. Petit... Ouais, ovni, pardon. Ouais, ben, en fait, c'est assez compliqué puisqu'il y a un décalage horaire, tout ça, donc on n'a plus la même notion du temps.
Je pourrais pas répondre. Non mais ça c'est vrai c'est que c'est pas la même chose. Ah ouais mais ça, si tu peux quand même répondre. Combien de temps dure peut durer je sais pas, je un voyage pas la notion dans du temps dans l'espace en fait. Bah donc t'as pas suivi les infos à une heure. Je suis en cours. Gérard, est-ce que le temps est plus long ou moins long qu'en France? Justement, il est plus long dans l'espace. On a une année-lumière là-bas. Ah ouais. C'est un peu plus long qu'en France. Hein. Et comment ça se fait? Est-ce que tu peux te faire cryogéniser pour durer plus longtemps? Comment ça? On t'enferme dans la glace, comme ça tu peux durer des siècles. Non, n'importe quoi là. Tu me dis n'importe quoi, je sais pas qui c'est, mais t'es en train de me dire n'importe quoi. Non, mais c'est un système. Ah, GG, c'est vrai que chez toi, le parasite d'Alien, il sait plus, donc il est resté depuis 38 ans. C'est qui vient de dire ça? C'est vrai qu'il s'est planqué dans ton cou, parce que, bon, voilà quoi. Alors, petit Omni, au revoir. Mais il va sortir, hein, t'inquiète. Petit Omni, au revoir. Petit Omni, tu lui dis au revoir. C'est pas petit Omni. Alors, c'est grosse. Ah ouais. Alors, c'est grosse Spoutnik. Non. Si, c'est grosse Postnik, tu lui dis au revoir. J'ai reconnu la voix de pédale de Rodrigo. Hein. attention, parce que celle qui s'amuse à insulter Rigo, ça va être pareil. Mais non, elle a dit Rodrigo, rien à voir. Et sinon, vite fait, sur IRC, il y a un certain fesse de babouin, je sais pas si c'est le vrai, il fait remarquer aux auditeurs que s'il y a un sujet dans lequel tu es incollable, c'est bien celui des conquêtes spéciales. C'est-à-dire Conquêtes spéciales. Tu peux préciser? Il précise sur le Minitel, en fait, ils disent que t'attrapes tout et n'importe quoi. Moi, ça m'étonnerait. Donc, petit Gus pour... Il précise, il dit Carole, Christine, Sandy. Ouais, ben, il arrête, lui. C'est le même. Alors, lui, il se calme. Ok. Mais vous arrêtez, là, tous les deux, au standard, là, ou quoi? Oh, il se caresse la bite. Non, mais ce qu'elle fait, elle est en train de parler aux auditeurs en leur disant au revoir. Non, je lui dis au revoir, je le jure. Ouais, et puis toi, t'as pas besoin de te machiner les pompes pour que ça pue après. Okay. Ouais, ben ça, c'est clair, ouais. Alors, Cotigus, pour terminer la question. Ouais, ben, voyage dans l'espace, déjà, tout dépend ce que tu vas faire. Ça peut durer une journée, comme ça peut durer 3 semaines. Si tu vas explorer des grands trous noirs, comme par exemple, toi, t'as l'habitude de faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, Cotigus aussi, au revoir. Non, mais Gérard, sérieusement, tu sais ce que c'est un trou noir? Non, mais je lui dis au revoir parce que je sais ce qu'il a voulu dire. Gérard, non, mais ça existe, les trous noirs. C'est pas ce que c'est? C'est pas ce que c'est un trou noir dans l'espace. Alors dis. C'est un trou... Allez hop, tu lui dis au revoir aussi. Non, c'est un endroit dans l'espace où en fait il n'y a rien. Non, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir, c'est pas la peine de le soutenir, on lui dit au revoir, terminé. Gérard, à la place de Gros Spoutnik, on accueille Captain Kirk, 32 ans de Amiens. Ouais. Salut Captain Kirk. Ah mais je suis encore à l'antenne, c'est mortel. Bonjour. Ouais, non mais tu le vires toi, petit Gus. Ah c'est bon. Kirk, ouais, d'où Damien, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît? 98.2. Ok. Alors donc, pour toi, la question, tu l'as entendue, non? Ah non, désolé. Alors, c'est combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Je connais pas très bien les chiffres, mais il me semble que ça dépend où tu veux aller, en fait. Si c'est la Lune... j'ai vu un documentaire sur ça à Arte. Il me semble que c'est environ 2 heures. Non, je vais te couper parce que je vais te dire tout de suite que non. Parce que là, j'ai vu un décollage d'une fusée, je sais plus dans quel... Décalcage, on dit. Hein. Il y a eu un décollage d'une fusée là aujourd'hui à 13h et je sais plus sur quelle station qu'elle a décollé, si c'est Kourou ou autre. J'allais sur Mir Express. Et donc eux ils partent là pour à peu près une dizaine de jours, voire 15 jours à la rigueur, même 3 semaines ou des mois. Je vois, il y en a qui sont partis pour 6 mois. Il y en a encore là qui sont sur une station Mir, que ça peut être déjà plus de 3 mois plus de 6 mois qu'ils y sont. Ils vont pas rentrer peut-être avant la fin de l'année, s'ils arrivent à réussir à remettre les pesos, à mettre les pesos horaires que la station Mir a cassé. Ah d'accord. Les pesos, ouais, pour les pesos, ouais. Les pesos. Donc normalement, ça peut durer. Ça dépend des réparations qu'ils ont à faire sur les stations Mir. La station Mir, c'est une poubelle, hein. Ça là-haut sur là où je te parle où qu'il y a les pesos horaires à réparer. Donc il y a 3 Américains, il y a un Canadien, un Belge. Non, il y a pas de Belge. Et je crois qu'il y a un Français, je crois, dedans. Ah ouais, je connais cette histoire. Donc voilà, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule aussi, toi, Comète. GG, à la place de petit gosse, on accueille Monsieur Splotch, 28 ans de Laval. Monsieur Splotch. Oui.
Bonsoir, c'est Monsieur Salut, Plotch. Monsieur Spot. Monsieur Plotch, Laval 98.1. Tu l'avales bien? Je l'avale entière. Est-ce que tu connais Star Turk? Oui, tout à fait. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je salue le capitaine kurde, d'ailleurs. Spot, là, tu veux répondre à la question? J'ai pas tout à fait saisi dans la mêlée, en fait, le sens de la question. Combien de temps peut durer un voyage dans l'espace? Moi, je dirais à peu près le temps d'une révolution terrestre, à peu près, hein. A priori, 365 jours. Mm-hmm. Ouais, c'est bien en ce moyenne, que... En moyenne, c'est une moyenne. Hein, ouais, c'est bien ce que j'ai dit juste avant. On peut extrapoler les chiffres. Hein, ouais, mais c'est bien ce que je dis, Jésus. C'est bien ce que j'ai dit juste avant que tu viennes à l'antenne. Donc, Et tu marches sur l'eau aussi? Non. Okay. Rigo, une question IRC avant de poser la troisième. Oui, à Babar El Barbe, il te demande si c'est vrai que t'as été refusé pour le casting de E.T. parce que t'étais trop laid et que tu faisais peur aux enfants. Non, pas du tout. Alors lui, si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est pas la peine du tout. Voilà. Alors, troisième question. Avez-vous assisté à un décalage d'une fusée? Donc on parlait de... Un décalage De la station... Du cachiche. On a parlé de la station Kourou, mais l'autre, je sais pas où qu'elle se situe. Bon, vous arrêtez, s'il vous plaît, les auditeurs, parce que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais tous vous virer. Non, mais là, on se pose une question, là, sur... Oui, Tony, t'as raison. On se pose une question, Tony. Vrai. Non, c'est pas Tony, presque pas. Vas-y, Trace, c'est pas lui, vas-y, continue de juger. Donc, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? On va demander à Comet. La télé, ouais. Plein de fois, mais en vrai, non, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à Cap Canaveral, quoi. Voilà, c'est Kourou et Cap Canaveral, c'est ça? À Kourou, ouais. Non, mais ça, pour aller là-bas, de toute manière, c'est des pays... Développés? Non, c'est des pays en... oui. En voie de disparition. Attendez, s'il vous plaît. Je voulais savoir, justement, pourquoi ils avaient choisi ces pays-là pour les faire partir de là, les fusées. Ben, parce que c'est le là où il y a le plus de place pour qu'ils puissent décoller, parce que tu peux pas les faire décoller sur des petites régions, Paris ou autre. Hein. Et c'est quel pays alors? Je crois que c'est des... Antilles. Guyane. Ouais, la Guyane. Et GG, qu'est-ce que tu penses de la destruction de la forêt amazonienne pour faire décoller des fusées? Tu trouves pas ça dégueulasse? C'est vrai que c'est... Quelque part? Ouais. Non mais attends, c'est pas le thème du débat. On parle pas de l'aide humanitaire, arrêtez les mecs. Regarde Papou, après comment il fait pour vivre dans la jungle si il coupe tout pour faire décoller des fusées, tu comprends? C'est pas des Papous, c'est des Raoni qui chantent avec Sting. Bon Tony, ça suffit s'il te plaît. Alors maintenant tu vas répondre. On pourrait parler des Esquimaux et du peuple Inuit aussi, hein. Tony, tu vas répondre. Tony, il te répond pas. Hein, c'est le capitaine turc, c'est Tony. Alors je suis désolé, j'ai bien reconnu sa voix. Non, presque pas. Tu te trompes, là. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, alors pour te répondre à ta question, je dirais que tu parlais des lieux, en fait. En fait, ça dépend des. Je crois que les États-Unis, ils envoient depuis Cap Canaveral. Mm-hmm. Les Français, ouais, c'est Kourou. Et les Russes, c'est Baïkonour. Non, c'est pas du tout ça, ils viennent tous sur le même pas de tir. Je peux vous dire que non. Non. Pour une fois qu'il a deux structures... Fais ton standard et tais-toi. Non, mais c'est ça, je me suis renseigné, c'est ça, c'est Baïkonour, hein, les Russes. Ouais. C'est ça. Il a raison. Mais oui, allez. Petit OVNI. Moi, je déconseille fortement d'assister à un décollage de fusée. Tu peux préciser alors? Parce qu'une fois j'ai assisté à ça et je me suis fait cramer direct. Fallu me rendre à l'hôpital, tout ça. Non, alors déjà Attends, excuse-moi, petit Omni. Déjà une. Tu n'as pas le droit d'être au moment vers le point sur le point de tir. T'es vachement loin. Vachement loin, mais j'ai quand même été crâné. Non. De toute manière, quand et après hôpital. Fil d'art, tu dégages. Allez hop. Quoi? Dehors. On a besoin de lui, Gérard. Gérard, sur IRC, il y a Ammonia qui te demande si tu connais la nouvelle station Sandmir. Non. C'est une fusion entre un tas de tôles pourries et une boule de graisse. Non, lui il va se faire foutre. Il va se faire mettre. Petit Omni, je viens de te dire que de toute manière c'est pas possible que ce que tu me dis parce que. Ça m'est arrivé, donc c'est possible. Moi je te dis que non. Non mais c'est possible. Imaginons, tu vois, elle a des. Je vais être un peu vulgaire, mais pas trop. Elle a des tresses, elle a des longues mèches. Bon, alors hop, au revoir petit capitaine turc, au revoir. Des croûtes.
Au revoir. Fais gaffe à toi, petit Omni, parce que tu risques de faire comme lui. Monsieur Smotch. Ouais, monsieur Smotch. Bah, écoute, je déconseille les décollages. Moi, je pense que le risque principal, c'est les radiations. Mmh. À moins d'être muni d'un compteur GG pour détecter les radiations. Sinon, je conseille plutôt aux gens de se faire décoller la tranche. C'est vachement plus agréable que faire décoller des fusées, quoi, quand même. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, alors, j'ai récupéré deux, trois trucs, là, justement, comme on parlait de l'espace et tout ça. Donc, alors, depuis quand qu'existent les conquêtes de l'espace? Donc, j'ai vu ça dans le dictionnaire et je me suis fait chier avec. À trouver des trucs comme ça, parce que c'était pas évident. Donc, alors, la conquête de l'espace, elle existe depuis le 4 octobre 1957. Mais on s'en... Et toi, si t'es pas contente, petit ovni ou comète, on s'en fout. Mais moi, je donne ce qu'on me demande de dire, d'accord? Alors, si ça te plaît pas, tu raccroches ton téléphone, ça nous prend des lignes de libre. C'est ok. Et depuis quand existe la conquête de la Lune? De la Lune, pardon. C'est en 68, mais lequel mois et tout ça, je ne sais pas. Non, c'est pas un Draknar de Manu, comme tu dis si bien, toi. C'est la première sodo, ça, non? Donc, alors, d'après vous, à quoi servent les conquêtes spatiales? Alors, 57% des gens pensent que je suis le seul qui taille. Ouais, ben ça, je m'en fous. 26% pensent que je dis que ça s'en faille. Ça, je sais pas ce que... Qui c'est qui... 21% préfèrent rester cool bébé, sinon ils te diront bye bye. Ouais, c'est bien ça, c'est pas mal. Et 5% me serrent la main et me suceront après. Bah ça, j'en ai rien à foutre. Mais ça fait rire les bandes de... Les deux connards. Ça fait chanter les sabres. Mais non, ça fait pas de la nuage et de couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Bon, GG, pour les calmer, on va accueillir un nouvel auditeur. C'est Ariane, il a 30 ans, il appelle de Cherbourg. Merci Pildar. Alors tu as hâte de faire ton bordel. Ouais. Tu vas faire ton boulot correctement, d'accord, maintenant? En plus, il pue des pieds. Ouais. Bah ouais, il a retiré ses pompes, ça se sent d'ici. Aïe aïe aïe. Hardcore. Alors, Ariane, ta fréquence, s'il te plaît. J'écoute sur internet, moi, en fait. Ouais. Ta fréquence. Il écoute sur internet. Non mais c'est possible, Gérard, regarde comme avec Rigaud, les gens avec qui il communique, c'est internet. Bah alors donc, pour toi, donc, avez-vous déjà assisté à un décollage d'une fusée? Non, jamais, parce que bon, j'ai pas trop que ça à foutre d'aller décoller, enfin voir une fusée. Mais par contre, j'ai déjà regardé à la téloche et ouais, c'est assez sympa quoi. Mais bon, aller jusqu'à Cap Canaveral, ça doit coûter très cher quand même. Bah, de toute manière, c'est Cap Canaveral ou Kourou, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai pas de manière, encore. Donc, t'as pu assez voir le journal de 13h et puis t'as pu voir celle qui a décollé alors? Pas aujourd'hui. Ah bah si, il y en a une qui a décollé à 1h. Aujourd'hui, je l'ai pas vu aujourd'hui, mais j'ai déjà vu des décollages de fusées, ça c'est clair. Mmh. T'as vu quand elles explosent? Ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. Mmh. Non, mais ça oui, c'est vrai que là, ça fait mal quand ça a explosé. Ouais, c'est clair. Ouais. Excusez-moi. Bon, ça y est, s'il vous plaît, on se calme derrière, merci. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans l'espace à midi? À midi, c'est pour mettre des satellites sur orbite. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour les moyens de communication. Ça sert à quoi, les satellites? Ah ouais, c'est pour communiquer, pour avoir le téléphone, tout ça? Voilà, non, pour mieux capter... Pour avoir TPS? Non, pour les télés, puis les téléphones, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est quoi mettre sur orbite? Sur orbite, c'est des satellites qui vont mettre sur orbite dans l'espace. Oui, mais tu redis le mot sur orbite. Moi, je sais pas ce que c'est et j'aimerais bien que tu m'expliques orbite, quoi, ce que c'est. Tu prends un dictionnaire, tu vas regarder. Bah, c'est ton débat, c'est ton job. Mais non, mais moi, c'était pas prévu qu'on en parle. Donc, pensez-vous que la... Comet, petit Omni, vous vous calmez, s'il vous plaît. Ouais. Ça commence à bien faire déjà, toutes les deux. Bon, j'en connais une tout à l'heure, elle va virer. Hein. Pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons vivre sur toutes les planètes, système solaire ou autre? On va demander à Comet, comme elle s'y connaît bien. Bah, c'est pas que je m'y connais bien, mais il faut déjà que la planète soit viable. Et si on peut pas y vivre, s'il n'y a pas d'oxygène ou s'il fait trop chaud, c'est chaud, quoi. Bah, de toute manière, dans l'espace, en principe, il fait pas... Il doit faire chaud, hein. Ouais, bah dans l'espace, il y a des machines, ouais. Non, mais Pildar, ça te dérange pas qu'on fasse... ça te dérange si je fais mon boulot sans sentir tes pompes, là, qui puent à 15 mètres? Ça va, Gérard. Gérard, je te signale que je suis beaucoup plus près de lui et que je me plains pas.
Ouais, bah, dis donc, c'est parce que l'odeur est couverte par autre chose. Vas-y. Ouais, ben, faudrait peut-être avoir de la propreté dans les studios. Ça, c'est vrai. En tout cas, je voulais dire aux auditeurs que ça fouette de partout, c'est une horreur. Alors, petite comète. Comète. Ouais, comète. Je te disais qu'il faut que la planète soit viable. Mais sinon, dans l'espace, il y a des machines et il paraît que la Terre est sublime. Non, la guerre est sublime. Non, la Terre aussi, quand même. Donc, Gérard, il n'a pas écouté. Non, petit ovni. Qu'est-ce que j'ai dit, Gérard? Petit ovni. Oh là. Je pense qu'on peut vivre dans les autres planètes. Si on prend par exemple un masque à oxygène, tout ça, pour répondre à l'autre, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une comète. Petite comète, voilà. S'il te plaît. Et je sais pas si on s'habille en tenue de plongée sous-marine là avec la grosse bouteille d'oxygène dans le dos. Ça va le faire, c'est bon. Faut pas sur le soleil, hein, parce que c'est trop chaud. Non, ça m'étonnerait. On peut nager aussi dans le soleil, c'est bien. Monsieur Smotch. Smotch. Bonsoir. Bah écoute, moi je pense que les planètes, il faut qu'elles soient habitables. Parce que sinon ça peut pas le faire. Mmh. Donc, moi je prône la couche d'ozone avant tout. Parce que c'est quand même un peu le patrimoine galactique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais bon. Mmh. Non, t'es pas d'accord? Si, Ariane. Tu peux préciser, attends, Gégé, tu peux préciser ce que tu penses du patrimoine galactique? Non, mais attends, on va finir les... On revient dessus après, alors. Ariane. J'oublierai pas, là. Non, ouais, alors, bah déjà, avant d'habiter sur toutes les planètes, faudra déjà toutes les avoir explorées. Mmh. Et déjà d'accord, Gérard? Il y en a beaucoup à explorer. Il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Pluton, il y a... Pluton à côté de la planète Uranus. Ouais, c'est ça, t'as raison, continue. Est-ce que tu crois justement que c'est les seuls ou qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres, mais... Très bonne question, Manu. Il y en a pas mal. Merci, Fildar. Il y en a pas mal. Gérard, quelle est la planète la plus éloignée de... Je n'en sais rien. Et quelle est la planète la plus grosse? Non plus, j'en sais pas. Non. Oh non. Alors, au hasard, on va virer comète. Allez, là. Ah, c'est bon. Déjà qu'elle avait pas envie de répondre aux questions, elle attendait que les auditeurs répondent pour répondre. Alors donc, comme ça, elle pourra répondre chez elle. Bon, GG, alors tu me réponds à ma question. Mais attends, Ariane n'a pas fini. Alors, bah, donc, si, moi, j'ai fini, moi. Si. Donc, alors, moi, je peux vous dire une chose. Que pensez-vous de l'avenir? Nous pourrons... Il arrive. Il se promène. Non, mais ça y est. C'est pas très bien géré, hein, ton débat. Alors, pensez-vous qu'à l'avenir, nous pourrons vivre sur toutes les planètes système solaire ou autre? Ben, moi, je peux vous dire que non, parce que déjà, le système solaire, c'est des trucs qui sont assez compliqués à gérer dans l'avenir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui sont maintenant qui se fait beaucoup par système solaire, des immeubles, tout ça qui se font par système solaire, et c'est avec le soleil que ça chauffe. Voilà. Donc, cinquième question. Aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc.? Et on va s'écouter les explorateurs d'Anus avec ma gueule, c'est pire qu'un caractère. Ma gueule, tu me le refais là, depuis le début. Ouais, hein. Depuis le début là. Les explorateurs d'Anus avec ma gueule, c'est pire qu'un cratère. Et on se retrouve tout de suite après. Ouais, alors on a Ariane. Non, ça y est, on l'a. Bonsoir. Bah oui, moi j'étais. Ah ouais, pardon. Bishop, 38 ans de Poitiers. Oh, oui. Bishop. Bishop. T'as déconné, Bishop. Hein. Il manque plus que Ripley, sérieux. Putain, tu m'étonnes. Bonsoir, la touche. Ouais. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. Caporal X. 101.7. Hudson, tu déconnes aussi. Combien? 101.7. Ok. Apone, fais gaffe derrière. Toi, tu te tais, s'il te plaît, Ariane. S'il te plaît. Ah non, c'était pas moi qui ai dit ça. Alors, la question, c'est, aimeriez-vous avoir un job sur une autre planète, boulanger, etc. Alors, Bishop. Bah, écoute, moi, je suis homme de ménage, sur la Terre. Et j'aimerais bien faire homme de ménage sur Mars ou sur l'autre planète, le Neptune ou le Pluton ou autre planète, quoi. Mm-hmm. Parce que ici, Paris, c'est pollué, il y a plein de fumée. Ah bah ça, il y a du bruit. Le bruit est bon. Ouais, puis chapeau. Voilà, chapeau un petit peu, quoi. Mm-hmm. C'est un toxique. Je suis sur Mars avec une atmosphère, tout ça, ça serait bien. Gérard, sur Minitel, il y a Max le Belge qui me dit qu'en fait, il y a une tradition sur les autres planètes, c'est de prouter à la tête du sexe opposé.
Je sais pas si en ce moment ils ont. Je sais qu'ils ont fait partir des femmes à un moment donné dans l'espace, mais je sais pas. Pour prouter justement, je crois. Ouais, mais on sait pas encore. Et Gérard, dans Apollo 13, là, que t'as vu le film, il va sur quelle planète? Il va sur. Sur Apollo, je crois. Non, je sais même plus sur laquelle planète. Tu l'as pas regardé, si, 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 je l'ai regardé, super, mais je me souviens plus sur quelle planète. Bon. Ah ouais, bah t'as bien dû voir le film. Petit OVNI. Il regarde même pas les films qu'on lui prête, c'est vraiment inutile. C'est abusé, quoi. Ouais. Je l'ai regardé, mais je me souviens pas de la planète. Et c'est même tout. Pas la location, en plus. Petit OVNI. Je pense que ce que je ferais sur une planète, je sais pas, boulangère, pourquoi pas. Prendrait des croissants de lune. Grosse miche. Sinon, magasin de souvenirs, pourquoi pas. Ouais. Et je sais pas. Éboueur, peut-être il y aura des égouts plus tard, je sais pas. Ouais, non mais je pense pas. Mon. C'est fini là, tous les deux, ce temps-là. Ah, il se touche la bite. Boueur, je veux dire, petit OVNI avant que je revienne à Monsieur Smotch et Ariane. Éboueur, ça m'étonnerait parce que ce qu'ils ont à manger, c'est des trucs qui sont sous vide. Et ils mettent ça, et après, dès qu'ils atterrissent sur Terre, la navette est lavée. Je veux pas être genre trop scato, mais comment ils font caca dans l'espace? Justement, c'est. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé aussi sur. Ouais, mais justement, c'est. Tu peux nous parler de la diarrhée en apesanteur. Ouais, mais ça, justement, c'est ce que je me demande aussi. C'est. Et moi, il y en a plein au standard qui me disent que c'est comme chez toi. C'est moucheté au plafond. Attends. Au standard, ils disent ça alors que t'en prends pas un seul. D'accord. Si. Prends. Si. Gérard. Les filles, elles ont leurs règles. Comment elles font, elles? Ouais, c'est dur. Ouais. Il y a le. Non, mais ça, je peux pas te dire, petit OVNI. Ça, il y a le fil qui. Monsieur Smotch, pardon. Excuse-moi, monsieur Splotch, je vais revenir sur un truc. Est-ce que t'as vu le film Total Recall, Gérard, avec Schwarzenegger? Mais c'est pas le thème du débat, alors arrête tes conneries. Si, ça rejoint un peu. Si, c'est la conquête de l'espace, parce qu'il habite sur Mars. Ouais. Et en fait, sur Mars, il n'y a pas d'oxygène. Et donc, ils sont obligés de vivre dans des cahutes à oxygène. Je pèse de beaux bungalows. Ouais. Des paillotes. Et est-ce que tu penses que ça va être comme ça sur toutes les planètes dans la... Non, c'est rien. Est-ce que Elephant Man, c'est une histoire vraie ou pas? Non, ça, je sais pas, je peux pas te dire. T'avais qu'à regarder le film quand il est passé. Monsieur Splotch. Monsieur Splotch, oui, bah écoute, moi, je suis foreur, je suis spécialisé dans le forage. Donc, moi, je serais partant pour faire foreur sur Uranus, quoi. Donc, pour rester dans la branche, quoi. D'accord. Voilà. Ariane. Oui, bah alors moi, aller bosser sur une autre planète, carrément pas, parce que pour l'instant, il n'y a personne sur les autres planètes, donc je vois pas trop l'utilité, en fait. C'est faux. Déjà que sur Terre, t'as du mal. Ouais. Ok, alors, à quel âge peut-on conquérir? Oui, très bien. À quel âge peut-on conquérir? C'est géré. À quel âge peut-on conquérir l'espace? Alors, 49% des gens le faisaient à 3 ans. 16% le feront après s'être dépucelé avec moi, ça m'étonnerait. 15,9% répondent mais je n'ai pas honte de réveiller les gens à 7h. Ah ben ça, c'est pas moi qui les réveille, c'est au standard. Et 12% sont à l'étranger. Donc voilà ce que je pouvais dire de plus. GG, tu parles de l'étranger. Est-ce qu'il y a des pays étrangers sur les autres planètes? Bah oui, parce qu'il y a des astronautes qui viennent de l'Amérique, tout ça. Et donc ça fait des pays étrangers? Dans l'espace, oui. Ah d'accord, il y a des continents aussi, tout ça? Non, je pense pas. Je crois qu'il y a eu deux Français qui ont été dans l'espace. Ok, t'as tout capté. Okay. Et ils parlent quelle langue sur les autres planètes? Ah là, je pourrais pas te dire. Martien et tout, comme ça. Non, avec les Américains, je sais pas comment qu'ils arrivent à communiquer entre eux, parce que c'est pas évident quand ils sont dans le truc pour communiquer. Hein. Mm-hmm. Ils parlent peut-être par geste. Engagent des chings. Hein. Ils font des. Non. Pourtant, ils ont des micros. Ouais, ils ont des genres de micros, mais je sais pas comment qu'ils arrivent à se communiquer entre eux dans le vaisseau. Ouais, dans le vaisseau. Dans le Cosbis. Rigo. Alors il y a plein de questions. Déjà il y a je sais plus qui voulait savoir si les nains de quelle planète venaient les nains de jardin. Alors les nains de jardin viennent pas d'une planète, donc c'est pas la peine. Les débats c'est pas les nains de jardin, c'est l'espace. Ils viennent de la forêt d'Endor. Donc après. Mm-hmm.
Ah bah c'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas de planète pour les nains, c'est pour les nains de jardin. Ok, ils viennent de rayer d'hydro. Sinon... D'accord, Bishop. Ça y est, on a compris. Il y en a pas d'autres ? Ah Minute. si, il y en a plein. Hein. Vas-y, on va... Oh putain, mais il faut que je les retrouve à chaque fois parce que ça défile trop vite. Bah c'est pas grave, tant pis. Bon. Sur le Minitel, non ? Sur Minitel, si, mais je peux pas les dire. Ouais, si c'est pour... c'est parce que si ça parle de 110, c'est pas la peine. Ouais. Donc c'est bon. Alors, on en était... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la question, Gérard ? Personne. Okay. Non mais moi je voudrais bien avoir un petit job sur notre planète. Et tu ferais quoi toi justement? Moi je serais charcutier. T'as de la bonne barbaque en plus, hein, ouais. C'est bon. Hein. Moi aussi je t'aurais bien vu fourreur, tu me diras. T'as non, charcutier ça suffit. On t'aurait plus vu fourré. Ouais. Le roi du boudin. Ouais ben j'ai répondu. Donc seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Ok. Alors petit ovni. Ça va plus con comme question, non? Donc. Attends, Ariane. Non, attends, c'est vrai que. Ariane. Oui, j'écoute. Tu te calmes ou sinon tu vires. Moi, je sais pas, pas de problème. Hein. Ok. Ouais, donc c'est pas pour t'embrouiller, mais géologiquement parlant, le tour du monde, il est fait sur Terre. Donc, par rapport aux planètes, je serais pas prête à le faire parce que il se peut qu'il y ait des martiens qui m'empêchent sur mon chemin. Je pense aussi que si je passe par la Lune, je verrai des cratères. Bon, voilà quoi. Ouais, mais ça, des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Sur la gueule, ouais. Des cratères dans l'espace, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi c'est où les cratères? C'est sur Terre. Hein. Du côté de... De quel côté, ouais. Clermont-Ferrand. Ouais, justement, Clermont-Ferrand. De manière, il y a une auditrice qui est de Clermont-Ferrand, donc il y a des... Attends, tu dis ça parce que Bébé Rose, elle est de Clermont-Ferrand, c'est ça, Gérard? Non, pas du tout. Là. Ok, c'est Gérard. Alors, Ariane. Non, c'était pas Ariane. C'était qui? C'était pas moi. Non. Merci mon pote Diderot. De rien. C'est qui? Je sais pas, c'est pas grave, vas-y. Juste demander à Bishop, tu pourras m'apprendre le truc avec le couteau? Pas de problème. Private. Pas de problème. Gérard, tu vas un peu là? Juste, tu reparlais de la Terre, il y a Turpentine, elle te demande si t'as déjà vu une équiste de soleil. Non. Une éclipse, pas une éclipse. Mais ouais. C'est une éclipse. Toi, t'as deux équistes de lune, non? Ariane, au revoir. Allez. Par contre, en parlant de l'éclipse, là, va pas voir un truc là avec le soleil, Gérard, le 11 août bientôt, là, t'as pas vu ça aux infos? Non, j'en ai pas encore pris connaissance. Mais je sais que ce que tu veux me dire, c'est ça va être une nuit carrément. Une nuit en plein jour. Ouais. Non, qui sera diffusée sur une chaîne de télé et qui vont voir les éclipses et tout ça. Oui, il me semble, mais je me souviens, je sais que c'est au mois d'août, mais j'ai pas les dates. C'est le 11. Donc, Monsieur Schlop. Tu l'as viré, Gérard. Donc, à la place, on accueille Yuri Margarine. Il a 27 ans, il est de... T'es de quelle ville, Yuri? Je suis d'Amiens. Voilà, Amiens. Chaloux. Salut. Chaloux. Amiens, c'est quelle fréquence? Amiens, c'est 102.8. Ok. Tu me vires... Non. Oui. Au standard, vous me virez Ariane hein, aussi. Ah, c'est fait, Gérard, c'est fait. Alors, donc, Yuri, je vais te répéter la question. Oui. Donc, seriez-vous prêt à faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Donc, à toi. Alors, un tour du monde dans l'espace, oui, je serais prêt avec un ballon, mais un ballon de rouge plutôt, parce que tout seul dans l'espace, on s'ennuie, donc il faut avoir de quoi un peu boire un petit coup, quoi, parce que dans l'espace, on est seul, hein, et c'est le vide intégral, donc en ballon avec un ballon de rouge, ouais, je ferais bien le tour de l'espace. Ouais, tu veux dire une montgolfière. Voilà, montgolfière, je t'en prie. Non, non, mais montgolfière. Ah, pardon. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. En plus, on appelle ça des montgolfières, mais normalement, c'est des ballons dirigeables. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Gérard, et merci de me l'avoir appris, je ne sais pas. Eh ben ouais, et donc, Bishop. Moi, je préférais faire avec une fusée, hein, c'est plus facile. Mm-hmm. Et j'irai sur la Lune, j'irai un petit peu partout pour voyager, parce que je suis un grand immigrant. J'irai bien aussi sur Saturne là, pour voir l'anneau, je trouve ça très magnifique. Ouais, mais ça c'est sûr que, ceux qui partent là pour réparer des satellites, tout ça, bah, ils font quand même le tour de la Terre. Hein. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils vont même sur la station Mir. Hein.
Bah oui, ben c'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. Justement, ils sont en train. Ouais, mais ils sont en train de réparer les faisceaux qui sont pétés. Non, mais il peut pas réparer, c'est de la merde. Ça, attends, Bishop. C'est la DAC qui fait ça. Attends, Bishop. Il y a une question que je me pose et que, à mon avis, tout le monde se pose. Oui, je la pose aussi. Ouais, c'est comment font les objets dans l'espace pour tenir en l'air sans tomber? Ah. Ben c'est qu'ils ils sont toujours maintenus avec de l'air. Un petit fil. Non, ils ont de l'air toujours avec eux. Ça tient toujours avec de l'air. On me dit sur Minitel dans un petit sac à dos. Ouais, non. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Moi, faire un tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Ben, comme je disais à Yuri Margarine, donc c'est avec un ballon dirigeable, c'est deux fois mieux. Oui, mais tu pourras pas y aller avec Sandy. Ah bah si, tu peux. Il la gonfle. Il l'a déjà fait. Il met au-dessus. Alors, petit Gérard, ovni. Attends, juste avant ta question, il y a Snus qui a une très bonne question. Il te demande combien mesure l'espace. Bon, là, je sais pas du tout. Oh la vache, la question de merde. En mètres. Non. En mètres. Là, j'ai dit une chose que je peux pas y répondre parce que je sais même pas combien il y a que ça mesure. Alors. Non. GG, on a un nouvel auditeur, c'est Joanne, 24 ans de Dinan. Salut Gérard, c'est Joanne, 24 ans de Dinan. Joanne. Oui. Joanne. Chalou, Joanne. Salut, la fréquence. C'est le 108.3. Ok. Donc, tu as entendu la question? Non, Gérard, je suis désolée. Donc, alors, seriez-vous prêt à faire le tour du monde dans l'espace avec quel moyen de transport? Je vais préférer la fusée au 4x4. Mmh. Et puis, le tour du monde en espace, ouais, je veux bien. Ouais. Si c'est, s'il y a la clim, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Bon, alors, donc, j'ai répondu, moi, de toute manière, c'est ce que j'avais dit à Yuri, c'est avec un ballon dirigeable, c'est aussi bien. Comment se déroule une journée dans l'espace? Ouais. Alors, tu demandes à qui? Joanne. Oh, t'accélères, là. Ouais, oh. Eh ben, Gérard, ce qu'il faut que tu saches, c'est que... Tu fais ton standard, parce que pour l'instant, tu ne prends personne. Ok. Et de prendre un peu, là. Alors, Joanne. Je disais, Gérard, que dans l'espace, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Non, mais comment se déroule une journée dans l'espace, c'est-à-dire quand ils sont dans leur fusée? Bon, d'accord. Donc, le matin, ils se lèvent. Mmh. Enfin, ils se détachent, en fait, pour pas tomber de leur lit, parce que, tu sais, ils dorment en apesanteur. Ouais. Ils ont la gaule, toujours. Ouais, toujours la gaule, le matin. Ah, c'est bon, ça. Hein. Et après, ils prennent une petite douche. Comment ils peuvent se laver dans la fusée? Bonne question, Gérard. Ouais, bah justement, moi aussi, je voudrais bien que tu m'expliques. Comment on se lave? Tu prends un gant avec de l'eau, tu mets du savon et tu frottes, quoi. Voilà. Dans l'espace, ça doit être à peu près pareil. Mais l'eau, ça mouille pas dans l'espace, elle tient pas sur la peau. Ils ont des lingettes. Ouais, je pense. Comme Gérard, des couches. Fildar, tes réflexions, tu te les carreaux que je pense, s'il te plaît, merci, et t'éteins ton micro. Je crois d'ailleurs qu'il en a pas ce soir. Yuri Margarine. Dans l'espace, ça se passe un petit peu comme sur Terre. Le matin, quand le soleil vient de se lever, il y a la Miricorée qui frappe à la porte. Il arrive avec sa combinaison spatiale. Il leur sert un petit café. Un café lyophilisé, bien sûr, hein, parce que tout est en poudre hein, là-bas. Donc les toasts sont en poudre, le beurre est en poudre. Mmh. La confiture est en poudre, ils mettent ça dans un verre, ils mélangent au shaker, et voilà, petit déjeuner enfilé, et puis après, la journée se déroule, normal, quoi. Tu craches dans la tasse et c'est parti. Non, mais faut se dire une chose, petit ovni, je répondrai après. Petit ovni. Ouais, je sais pas quoi dire, ils ont tout dit, ils ont totalement raison. Ouais, donc, surtout. Ouais, on se lève le matin, ils se lèvent le matin, ils s'étirent bien, et je sais pas, après, voilà, ça se passe, la journée, cool. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais c'est pas grave, c'est Fildar qui fait des conneries. Vas-y, alors, GG. Il va dégager des studios, ça va aller plus vite. Bishop. Ah oui, l'espace, c'est un petit peu la merde, hein. Il n'y a rien à faire, c'est tout noir, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas le câble, ils passent leur temps à faire des cabrioles, c'est le langage des signes, il y en a à moitié qui sont homosexuels, qui veulent toucher l'habitat d'un autre, l'autre lui fait des doigtés, je fais non, il n'y a pas de ça ici. Après, non, Bishop, quand même pas à ce point-là. Ah si, des fois mais c'est de manière, attention, il faut bien se dire une chose. C'est pour ça qu'ils emmènent des hamsters dans l'espace. Hein. Tout à fait. Ouais, mais ça, c'est maintenant, je crois c'est interdit, que... C'est maintenant, c'est terminé, ils n'emmènent plus d'animaux avec eux. Ça, c'était tout au début qu'ils en avaient amené, mais maintenant, c'est terminé. Hein.
PD. Oh, ils emmènent des limaces, hein, je crois, pour l'étude de limaces en apesanteur, parce que je crois que l'avenir de l'humanité dépend de ça, de savoir comment les limaces réagissent dans l'espace. Non, non, non. Parce que comment se déroule une journée dans l'espace, bon, ils sont toujours aussi... parler normalement. Pour les Français, c'est pas évident, mais ils arrivent quand même à comprendre parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que normalement, je pense qu'ils doivent communiquer aussi avec sur Terre avec des systèmes spéciaux. C'est-à-dire c'est pas genre Takiwalki, mais je crois qu'ils ont des systèmes de communication pas comme nous. Des portables ? Non, je crois que c'est MyFirst Sony. Non, je sais plus ce que... Faudrait que je me renseigne. Gérard ? Abéchat. Je me posais une question avec la Dream Tees. Comment font les mecs qui partent dans l'espace ? Ils ont un entraînement ou c'est inné ? Mais justement, alors quand je te demande si je peux laisser cette question-là, justement, c'est ce que je voulais poser. Attends. Mais quand ? Bah attends, tu m'as viré une question, donc je la mettrai. Et c'est tout, ça t'apprendra à vouloir faire ce... À la place de peut-on attraper des maladies dans l'espace, je vais mettre... Faut-il passer des examens pour aller dans l'espace ? Non, mais un entraînement, c'est pas un examen. Attention. Non. Les examens médicaux, ils sont des entraînements, donc ils sont obligés de passer une visite médicale, je suis désolé. Mais oui, mais je te parle des entraînements, pas des examens médicaux. Oui, ils ont des entraînements. Entraînements de quoi ? C'est ça qu'on veut savoir. Oui. On s'en fout des examens, nous. Ils font des pompes, ils font. Ils font des gants. Ils sont dans un genre de secoupe et ça tourne. Pour savoir s'ils tiennent ou pas. S'ils tiennent le vomi ou pas. Ouais, arrête de dire des conneries parce que toi, tu commences à me les gonfler avec tes pieds qui puent, d'accord ? Alors tu vas remettre tes pompes maintenant et tu vas arrêter. Ok ? Ou sinon t'es viré. Gérard, pour calmer le truc sur Minitel, on me demande si tu penses que la Valstar elle a le même goût en haut que sur la Terre. Non, pas du tout. Alors à propos d'astronautes, il y a Davy One sur l'IRC. Il te demande si c'est vrai que quand un astronaute se pose sur le soleil pendant la nuit, combien de temps il dispose pour pas être brûlé avant que le jour revienne ? Bah non, parce qu'ils ont des combinaisons spéciales. Pour aller sur le soleil. Ils ont des combinaisons qui sont épaisses à peu près de combien ? Je crois que ça doit être une trentaine, 30 à 50 cm d'épaisseur. À peu près, mais je suis pas sûr. Pas mal. Sur quelle planète pensez-vous que la vie est le plus facile ? On va demander à Bishop. Ouais, moi je crois que c'est quand même sur la Terre où l'air est le plus respirable. Ça dépend où, hein. Ah mais non, mais je trouve que sur la Terre c'est bien. Il n'y a pas à se plaindre. Vas-y, si t'es pas content d'aller à Saturne, tu ramènes ton bébé rose, tu ramènes tout le monde là. Dreamcast, à Saturne. Ah oui, Saturne, oui. Il y a l'Uranus, c'est chez la merde aussi. Jupiter, je t'en parle pas, avec les pluies acides qui brûlent au troisième degré. Donc c'est même pas la peine, on est bien sur la Terre, restons là. Même s'il y a des soucis, si tout n'est pas réglé, là, je regardais encore les informations tout à l'heure, et il parlait du Kosovo. Mais ça, de toute manière, on n'y peut rien. T'as vu ce qui est arrivé à Manchester hier ? Ouais, mais ça, moi, des matchs de foot comme ça, ça me plaît pas ce foot, là, alors. Ah, d'accord. Et Yvan Colonna, rends-toi la police, si c'est possible. Ouais, ben ça, on s'en fout. Si t'as suivi les informations, donc t'as bien vu à 13h le décalage de la fusée. Oui, tout à fait. Il y a eu un petit peu, parce qu'il déviait de 3 mètres. Il voulait l'envoyer sur la Lune et il est parti. Dès qu'il décolle, il décolle normalement et après il dévie sur la droite pour partir plus loin. Oui, mais c'est la merde, ça, les ingénieurs français, là, c'est la merde. C'est ça courou, hein. Je sais même pas si ça courou que ça s'était produit, je sais même pas. C'est pas où je cours, mais c'est la merde. Ouais, j'en tire à Maubeuge, ce coup-là, parce que c'est complet à courou. C'est ça, t'as raison, ils vont aller à Maubeuge aussi, toi. Non, mais il y a des lanceurs à Maubeuge, attends, là-haut. C'est toi qui vas aller à Maubeuge tout à l'heure. C'est nous qui payons tout ça. Pour un clair de lune à Maubeuge, c'est pour ça qu'ils tirent là-bas. Ouais, mais ça, c'est vrai que de toute manière, c'est nous qui payons avec les impôts, hein. Mais avec les impôts, c'est en fin de compte, tout ce qui se passe là, les décollages de fusées, tout ça, c'est nous qui payons avec les impôts. Hein. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est normal, ça, toute cette merde là ? Ah non, mais moi je préfère qu'ils envoient un percepteur dans l'espace. Hein. On va débarrasser comme ça. Putain, moi je suis un pauvre émigré, mon fils il se drogue, il fume du cachiche. Et moi je cautionne pas de toute cette merde là. Moi j'essaie de mettre de l'argent de côté pour travailler, tout ça, je travaille dur.
Donc, moi, je comprends pas. Tout mon pognon, il va au courroux, là. Courroux pour bon, la fusée qui soit déviée. Ça y est, c'est bon, c'est la merde, là. J'ai une bonne question d'Aisty. Il te demande l'espace, ça a quelle forme? C'est rond, carré, c'est rectangulaire ou alors ça en forme de tête de bite comme toi? C'est rond et c'est tout. C'est rond? Ouais. L'espace, c'est rond? Je sais même pas. Et moi, j'ai une question, Minitel, pour revenir. Tu sais, tu parlais un peu de l'entraînement tout à l'heure. On me dit que toi, en fait, t'aurais pas pu partir dans l'espace parce que, tu sais, ça fait comme les pilotes de chasse quand ça accélère trop. En fait, tu te prends des jets dans la gueule et ça fait exploser les dents pourries et les kystes. Alors, celui qui t'a dit ça, tu lui dis que c'est un petit con. Ok, t'es un petit con, Max le Belge. Ah bah, ça m'étonne pas de lui. Max le Belge. Voilà. Alors, ouais, Rigo, un petit sondage. Bah ouais, quand même. Sondage, là, plutôt, ouais. Bah, c'est le dernier, donc ça va aller vite. Pensez-vous que... Ah bah, justement, là, pensez-vous que la vie est plus facile dans l'espace? Alors, 83% des gens répondent... Pour aller aux toilettes, ça sera dur, ça c'est vrai. 55% disent que l'espace, c'est plus pratique que la Clio. Alors ça, c'est pas mal. 36% des gens pensent que c'est pas facile d'être un gros cochon. Ouais, ben, ils pensent à dur d'être un bébé. Et 12% des gens pensent que c'est à nous d'inventer la vie qui va avec, ouais, si on veut. C'est ça l'espace. Voilà. Donc dernière question. Oh là là. Non. Il est fou. Non, Gégé, elle est partie se coucher parce qu'elle était un peu malade. Alors, ouais. Comme il nous reste un peu de temps, je vais profiter de ce temps qui m'est imparti pour poser une question de Dan Naza. Il te demande, quand t'es perdu dans l'espace, comment on sait si on avance, si on recule, si on monte, si on descend ou si on t'encule? Ça, je réponds pas sur des questions bidons. Faut faire des bulles. Moi, je sais, moi. Ouais. À la place, Gégé, on accueille Captain Flotte, 30 ans de Nancy. Oui, bonsoir. Salut, Captain. Bonsoir, c'est le Captain Flotte, Nancy 97.5. Bonsoir, Gégé. Captain Flotte. Bonsoir. Bonsoir. Pour répondre à la question là, de Rigo, là, ouais. Je voulais dire qu'il y avait un film là, qui était passé sur Canal Plus où il y avait un astronaute qui sodomisait un extraterrestre. Mm-hmm. Et en fait, le titre du truc, c'est Vous entendrez pas crier dans l'espace, hein, c'est même sodomisé. Hein. D'accord. Voilà. Ok, donc, ouais. Capitaine Flotte. Bah oui, est-ce que tu peux me répéter la question, GG? Alors au standard, ça fait 5 points. On peut pas tout faire en même temps, c'est pour ça. Mais au standard, ils savent les questions, donc ils ont qu'à vous les dire au fur et à mesure, parce que j'en ai marre de les répéter, parce que c'est une perte de temps. Mais comme on est un peu en avance, tu l'aurais déjà répété si t'arrêtais d'en parler, tu vois. Alors sur quelle planète pensez-vous que la vie est plus facile? Et plus agréable? Non, et plus facile. Ah, plus facile. Bon, ben moi je dirais que plus facile, c'est quand même, comme disait un auditeur tout à l'heure, les conditions terrestres. Hein. Moi je crois qu'il n'y a pas d'équivoque. Equinox. Ah, Equinox, pardon, Equinox. Donc tu veux réagir sur ce que Bishop disait? On peut parler du solstice d'hiver, tout ça, le sacrifice de poulet, tout ça, on peut. On peut, et ça, c'est sur la Terre que ça marche le mieux quand même. D'accord. Nouveau douche spatiale aussi. Yuri Magarin. Moi je suis pas trop d'accord avec les auditeurs, je pense que l'endroit le plus sympathique pour nous dans l'espace, c'est les trous noirs, hein. Les trous noirs sur Terre, les trous noirs dans l'espace, hein, ça reste vrai. Mm-hmm. Je fais gober la bite, là c'est bon ça. Bah, ouais. Donc pour toi c'est ça donc? Ah ben moi c'est finir dans un trou noir, c'est un peu un aboutissement, hein. Mm-hmm. Un bon gros trou noir, quoi. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais y venir, en revenir, y retourner, en retour, en repartir. Ah, on l'avait déjà fait tout à l'heure celle-là, je trouve. Et Joanne, pour terminer. Je suis d'accord avec mes camarades pour dire que c'est sur la Terre que c'est le mieux, quoi. Ah. Je sais pas si sur Mercure les conditions pour, tu vois, faire des câlins, machin, c'est aussi bien, mais bon, sur la Terre c'est parfait, quoi. Ouais, je vous l'ai dit, je suis pas tout camarade, mais mes camarades, c'est les mecs du chantier. Ah, d'accord. Du chantier. D'accord. Donc dernière. Et toi? Moi personnellement, est-ce que la vie est plus facile dans l'espace? Je crois qu'elle allait nous niquer. Donc on est oublié. Vas-y. Ça lui aurait peut-être fait plaisir. Hein. Ça dans l'espace, Gérard. Non, ça je peux pas te dire parce que je ne sais pas combien que ça coûte exactement. Et puis je sais pas combien coûte pour faire décoller des fusées. Je sais pas. Ça coûte du pognon. Ouais, c'est clair. Normalement, c'est pas donné. Hein. Est-ce qu'il y a des écoles de l'espace?
Justement, je pense. Si l'académie du professeur Procyon. Non, mais est-ce qu'il y a des écoles dans l'espace? Ça, je peux pas te répondre à ta question. Mais la NASA, c'est ça. Mmh. Non, mais. Des écoles de l'aéro de l'espace, je pense pas. Hein. Rigaud, ouais. Non, c'est que les conclusions là, parce qu'ils en ont marre de ton débat pourri, ils me disent. Dans ce cas-là, ils attendront les conclusions parce que c'est pas fini. Ouais. Ah, non, par contre, je suis désolé, il y avait une question de Totor que j'avais pas vue. Il reparle des trous noirs et demande comment on fait pour boucher les trous noirs. Celui de S.. par exemple. Lui, hop, j'y répondrai pas, comme ça, sa question, elle est vite réglée à lui. À quel moment de la journée peut-il jour ou nuit dans l'espace? Donc, Johan. À quel moment de la journée peut-il jour ou nuit? Bonne question. Ils vont peut-être réfléchir, hein, parce que là, c'est dur comme question, on va mettre un disque. Ouais, j'ai joué à fond. On met un scud. Réfléchissez à cette question et on va s'écouter. Répète-la encore une fois, parce que... À quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? Et on va s'écouter les cosmonautes bilingues avec... j'ai un gros scaphandre à tresser à la maison. Alors là, celui qui s'amuse à mettre des disques pourris comme ça... C'est un vrai disque, hein. Ouais, c'est une nouveauté fun. Combien sur l'IRC? Donc, on est pas mal monté, on est 7479. Wow. Bon, ça va. Et c'est tout. Oh non, putain, ça craint. Bon, bah, c'est pas la peine. Donc, on récupère Bishop, toujours là. Salut. Capitaine Flop. Oui, tout à fait. Yuri Margarine. À tes ordres. Et Johan. Ouais, je suis douce amie Johan. Et voilà, donc, Bishop, tu peux répondre à la question. Profond comme une sodo. Oui, mais le problème, c'est je suis parti... J'avais répété juste avant de mettre le disque. Hein. Ah, excuse-moi, je te peux répéter une autre fois, je te prie. Alors, à quel moment de la journée fait-il jour ou nuit dans l'espace? On m'a dit que c'était un piège, et qu'en fait, il fait ni jour ni nuit, c'est où le soleil brille, et en fait, il n'y a pas de jour ni de nuit. Le jour et la nuit, c'est sur la Terre. Eh ouais, tout à fait. Et voilà. Mais Capitaine Flotte... Bon, c'est bon, il a déjà gagné les 10 points, donc je vais pas donner la même réponse, hein. Tu peux essayer de... Le cycle immuable de la nature, on peut pas être contrarié comme ça, ça se fait pas comme ça, c'est des milliers d'années de travail. Moi je croyais qu'en fait ça dépendait si tu ouvrais tes volets ou pas. Mais non Manu. Mais non mais justement, il y a pas de jour ou de nuit dans l'espace. Hein, alors il fait quoi s'il y a pas de jour ou de nuit? Il fait que jour. Il y a du jour, tu dis il y a pas de jour, il y a pas de nuit. Il fait que jour dans l'espace. Yuri Margarine pour terminer. Ça dépend aussi s'il y a une éclipse. Mm-hmm. Je voudrais pas foutre la merde dans le débat là, en relançant un truc un peu de physique, mais quand il y a des éclipses, il fait ni jour ni nuit, c'est la merde. Ok. Et il y en a une au mois d'août là, hein, Gérard. Ouais, mais quand? Au mois d'août, le 21 août. Ah, donc c'est pas le 11 août comme tu disais, Manu. Non, parce qu'en fait, elle a été décalée parce que le 11 août, il y avait déjà un concert de Lara Fabian, donc ils se sont dit deux trucs le même jour, c'est beaucoup. C'est pas la peine, ça sert à rien. Ouais, et Joanne, pour finir. Si t'es devant ou derrière le soleil. Derrière, il fait nuit. Bah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. On se pas des masses, non. Ok, de toute manière, fait-il jour ou nuit dans l'espace, à mon avis, je pense pas. Hein. Non, à mon avis, j'y pense pas non plus. C'est fini. Hein. Si, Davy One, il dit qu'il fait nuit quand il ferme les yeux. Ouais, c'est sûr. Conclusion. Conclusion du débat, Bishop. Oh, c'était un bon débat, hein. C'était un bon débat, bien, j'ai pas tout compris, parce qu'il y a des mots, je comprends pas toujours le sens. Mm-hmm. Mais c'était un bon débat, oui. T'as bien travaillé, on sent que tu as des acquis, et j'espère que tu continueras comme ça, toujours. J'espère. Et que tu créeras un petit peu moins, quand même. On verra par la suite, hein, on verra sur le deuxième débat comment que ça va se passer. Pas de problème, je t'embrasse. Ok, moi aussi, ciao. Capitaine Flotte. Ouais, écoute, excellent débat. Je pense que si la NASA a écouté, je pense que tu vas avoir des propositions de job hein, direct, parce que tu maîtrises le sujet. Et d'ailleurs, il paraît que tu as une théorie, c'est-à-dire il paraîtrait que le sperme en apesanteur retombe toujours dans ta bouche ou dans ton cul. Donc si tu pouvais un petit peu approfondir le sujet et publier quelque chose, ça pourrait aider, quoi. Ouais, on verra. Ok. Allez, bon week-end à toi. À toi aussi. Yuri Margarine.
Très bon débat, Gérard, mais c'est normal, t'es tellement space que ça m'étonne pas que tu maîtrises l'espace comme sujet. Et je pense que tu es prêt pour aller bosser à la NASA, mais sans un. D'accord. Ok, bah, je te remercie. Donc, bah, bon week-end à toi. Eh bah, toi aussi. Bah, je te remercie. Joanne. Eh ben, c'était un très bon débat, Gérard. Seulement, je suis super déçue, c'est que tu ne m'as pas traité de salope et ça, ça m'a super manqué. Donc, si tu pouvais me faire plaisir. Ben, tu vois, je vais te souhaiter bon week-end et puis j'ai au revoir. Voilà. Donc. Okay, salope. Ça y est. Attends, je vais kiffer. Laisse-la kiffer. Ouais. Non, mais je. Il y a des conclusions. Ah, il y en a un paquet. Un chien. Alors, il y a Davy One, il dit que l'espace, c'est rond toute la journée. Comme toi. Ouais, si on veut. Après. Bah ouais, c'est clair. Est-ce que GG, tu dilates plus? Non, mais ça y est. Oh non, il a une question à te poser. Tu peux les écouter. C'est quand qui même. Je veux savoir, on parle toujours de l'espace en expansion. C'est qui là qui parle? C'est le capitaine Flotte, grand spécialiste. Tu te dilates plus que l'espace ou pas? Non. Est-ce que tu penses que l'univers se contracte? Non, je me dilate pas. Je me dilate pas plus. C'est ça. Non, pourtant, t'en fais rentrer des trucs. Hein. T'as une bonne dilatation quand même. Mmh. Ok. Bah, alors. Donc, d'autres conclusions, conclusion de Fesse de Babouin. Il dit que ton débat ce soir a été intersidérant. À défaut de parler des astres, on a vécu un vrai désastre. En s'intéressant à ton cas, on a pu vérifier la loi de la gravité. Les questions cons ont fusé. Ton débat s'est satellisé sur une orbite pitoyable. De grâce, Gérard, téléporte-toi une fois pour toutes sur ta planète et ne viens plus nous faire chier le jeudi soir. Bah moi, je l'emmerde. Et c'est oh tout. Ouais, on a dit, hein. On a dit, Gérard. Ouais, mais je lui dis merde, c'est tout, je l'emmerde, c'est tout, c'est pas plus. Ok, ouais, alors ouais. Écrase, fais ton boulot pour le deuxième. Il y a aussi Jet Apollo 13, il dit encore un débat nul à chier. GG devrait aller dans l'espace emmerder les aliens au lieu de nous faire chier sur Terre. Bon, n'importe quoi celui-là. Et Yankee, il dit ce soir on dépasse les limites de l'inculte et du ridicule. Viva Fun, GG retourne sucer des bites sur Saturne. N'importe quoi. Alors des conclusions comme ça, tu vois, le prochain coup, tu les gardes et tu les lis pas. Bah j'en cherche d'autres. Ouais, ben moi je vais faire la mienne. Donc très bon débat. Il n'y a pas eu trop d'embrouilles sur le premier. J'espère que le deuxième va se passer pareil. Parce que s'il se passe mal, et ben on fera plus qu'un débat par semaine au lieu de deux. Oh, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Alors, tu t'écrases, tu fais ton standard. Et Manu, des conclusions sur l'IRS Minitel? Il y en avait pas, parce que ça rejoignait à peu près celle de l'IRC, en fait. Eh ben, c'est bien, donc tu peux balancer les deux disques. Ah, mais il n'y a pas de deux disques, là, on en a mis un, il y a 5 secondes, quoi. Donc, attends, je vais pas attaquer les 10 questions de l'équitation tout de suite. Hein. Ah, bah si, hein. On remet pas de disque, là, Gérard, hein, c'est clair.
face des feignasses là. Tu vois pas que les autres s'amusent là. Allez, debout. Viens avec nous. Car c'est la fête. Non, c'est pour tenter ma chance, et là je suis ravie de t'avoir. Ah là là, attendez, 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 parce que là il y a la foudre qui vient d'arriver. Chou. Aïe. Chou, chou. Excuse-nous, il y a un contretemps. Il y a Gérard qui vient d'arriver comme une furée près de la vitre du studio parce qu'apparemment il y a au moins 200 tracts qui ont été mis un peu partout, jusque dans le métro. Oh merde. Des affiches partout, donc ça commence. Merde, putain. Ah. Ah là. Oui, Isabelle. Vous pouvez vous mon corps. Non, j'ai fait tomber mon appareil photo. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, donc je disais, pour les auditeurs qui nous écoutent, Gérard est dégoûté puisqu'il y a quelques tracts, une centaine hein, sur les vitres. 200 sur les voitures, également dans le métro, des affiches un peu partout qui ont été distribuées une fois de plus. On avait dit qu'il fallait que ça cesse et malheureusement ça n'a pas cessé. Donc Gérard est très énervé. Ça va les filles, on vous dérange pas, c'est pas sa volonté. Si on vous le rappelle, vous avez quand même les micros allumés. Hein, oui. Excuse-moi, qu'est-ce que c'est que ces tracts? Bah écoute, je ne sais pas parce qu'il vient de me l'apporter, je ne sais pas du tout de quoi il en est. Je veux dire, si je l'avais vu, mais pour l'instant il l'a récupéré. Par contre, on n'a pas vu de tract. Vous n'en avez pas vu vous personnellement à Bercy, au Maria Carré? Non. Ah bon, ça va, bah, ça nous rassure alors. Bon, Isabelle, comment faire? Bon, alors Gérard est un peu énervé ce soir, normal. Je viens d'apprendre quelque chose qui me fait pas plaisir du tout. On avait demandé à ce que ça se calme. Ça s'était calmé pendant une période, il faut quand même l'avouer. Hein, c'était plutôt... Bon esprit, mais là, si ça recommence, ben c'est un peu con pour le mec en plus. Ah oui, parce que là, le mec, il va verrouiller. Il va pas verrouiller, il va dérouiller. Excuse-moi. Il va dérouiller sévère grave. On va vous expliquer tout de suite ce qui arrive. Alors, écoute, Gérard, d'abord, bonsoir quand même. Bonsoir. Bonsoir à Sandy également qui est venue nous rejoindre dans les studios. Bonsoir tout le monde. Ça change de Samantha et Jennifer, mais bon, on va faire avec, quoi, quand même. Hein. Non, je veux dire, tout à l'heure, j'avais deux charmantes demoiselles. Maintenant, j'ai deux amis. C'est différent. Ouais, c'est, c'est pas pareil. Ah, ton micro marche plus, t'as éteint ton micro, c'est bien. C'est différent, c'est sûr. Ouais. C'est différent, c'est pas la même chose. Bon, Gérard, trêve de plaisanterie parce que là, ça commence à repartir en couille. C'est pour ça tout à l'heure qu'on a des auditeurs qui nous ont dit que ce dont tu vas nous parler, il y a carrément des affiches dans le métro.
Dans le métro, on n'en a pas vu. D'accord, il paraît qu'il y en a quand même qui traînent. Hein. Ah. Donc, ça craint un maximum. Gérard va donc vous expliquer ce qui se passe. Et là, ça fait pas plaisir. Ben, celui qui s'amusait ça à partir de la boutique du PSG, de manière on peut citer. Donc sur les Champs-Élysées. Donc, sur les Champs-Élysées jusqu'à la hauteur du rond-point, là. D'accord, donc près de la radio. Près de la radio. Donc, le mec qui s'amusait à mettre... Donkin et Homo Mag présente donc, ça recommence, le combat du millénium, samedi 26 février à 22h, place du 3 Cadéro. Donc, Gérard contre soi-disant un dénommé Fesse de Babouin. Donc celui-là, il va commencer par se calmer parce qu'il commence à m'énerver. En plus, avec ta photo dessus, et bien sûr un singe en guise de Fesse de Babouin. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Parce que j'ai pas lu, moi. Alors, Gérard de Suresnes dit le petit furet sodomie. Alors 69 victoires par puant excessive, 3 défaites par combat éthylique. Éthylique, c'est l'alcool. Ouais, ben d'accord. Arbitré par Perfouras de l'IRC, donc apparemment il parle de Rigaud pour faire ça. Mais non, ouais. Perfouras, c'est pas l'IRC, c'est pas Rigaud, c'est un. Perfouras de l'IRC, ça veut dire qui? Ah oui, à ton avis. Pas brouti, tête de pioche. Et alors? Et encore, je suis poli. Fesse de Babouin, donc, dit le pote de GG, c'est pas du tout mon pote, c'est un connard. D'accord. Donc, 13 victoires par entartrage et dépôt de merde sur le palier au zéro défaite. Donc, bien sûr, avec le logo de Fun Radio. Bah alors, en plus, alors bravo. Alors, c'est marqué, retransmis en direct sur l'Internet. Alors, HTTP... de tirer FD de Babouin 6GB net info bon après c'est un numéro de téléphone que je citerai pas d'antenne parce qu'il est plus bon. D'accord. Et puis sur les voitures encore devant la radio. Alors ça c'est un tract, celui qui vient d'être lu est un tract qui a été retrouvé par terre sur les Champs-Élysées jusque quasiment à la hauteur de la radio. Et là l'autre tract qui va être lu par Gérard était sur les voitures, donc qui va être lu pour Sandy par Sandy parce non, que non, ça serait que tu le lises parce que c'est quand même ton truc. Hmm. Et Sandy est là et témoigne. Hein. Donc alors c'est marqué Sandy dans la Sodo Tour. Alors pour le troisième millénaire, elle savoure à tous. Depuis que Sandy connaît GG, elle a le cul comme le tunnel du Mont Blanc. Même va-et-vient, même des gars, même diamètre. Ainsi de suite. Après l'échec du One Man Show de Gérard de Suresnes, Sandy doit vendre son cul à qui voudra. Alors routier, clodo. Clodo, culte de Jatte, Kudjak, Kosovar, donc je sais pas, Kosovar, bon enfin bref. Donc tous les premiers jeudis du mois, Bibi met à votre disposition sa turbine au chocolat grâce au sperme, au sponsor la Brigitte, la Big Beat. Non mais toi tu rigoles mais ça te concerne hein, ma petite hein. Vous pouvez y présenter seul à deux ou en famille en groupe ou en groupe car scolaire voyage organisé colonie de vacances tout ça pendant 5 heures non-stop défoncer lui l'anus à coups de bite légumes barreau de chaise god à trois glands Oh, un de rire! Et boulot de bouteille! Mais c'est nerveux! Ta gueule, toi! Toi, je vais te dire une chose ce soir, t'as pas intérêt de me laisser chauffer parce que ça commence. Tu me donnes ça là, qu'est-ce que c'est que ça encore? On a reçu des trucs! Justement! Ouais, non, mais ça commence à bien faire! Mais j'y peux rien! Alors ça commence à bien faire encore. Hein. Tiens, c'est bizarre! Mais on a récupéré un aussi, c'est Noémie qui vient de me le donner! Ouais, c'est Noémie qui vient de lui donner! Il va nous donner ça, Noémie! Ouais! Bon, c'est quoi ce tract là? Donc le tract que tu viens de lire là, tu l'as lu en entier? Donc ça, c'était sur les voitures. Sur les voitures, devant la radio, comme la semaine dernière, avec le numéro de téléphone. Là, il n'y a pas de numéro de téléphone, mais c'est à peu près pareil. Alors peut-être qu'on va s'adresser directement aux salopards qui ont écrit ces choses-là. Que ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est manière, tout. Toi, j'ai une copie, je vais garder une copie, et ça va directement dans le dossier. Là, par contre, je suis pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du courrier, on en parle dans un instant, mais en deux mots, c'est... Bah, c'est encore, j'ai un micro pour, je suis désolé, c'est, on a reçu des trucs de cassettes vidéo te concernant, et on a reçu un nouveau magazine. Ouais, alors tu vas prendre un autre micro, là, si t'as, ce serait peut-être plus intéressant. Ouais, voilà. On a reçu un nouveau magazine. D'accord. Voilà. On en parle dans un instant, Gérard va en parler. En tous les cas, dans un quart d'heure, Gérard va quand même faire son petit débat sur
la vie extraterrestre et les ovnis. Sandy, peut-être un mot par rapport à tout ce qui vient d'être dit et les tracts qui ont été mis sur les pare-brises de voitures te concernant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bah déjà, ce que j'ai à leur dire, c'est allez vous faire foutre, parce que moi je vous emmerde tous. Vous faites des tracts comme ça et franchement c'est pas bien, parce que en fin de compte ça vous sert à rien de faire ça, donc vous pouvez continuer si ça vous amuse. Mais moi personnellement je vous emmerde tous, c'est tout. Westmaneur, ce qui va se produire, c'est que ça, j'en envoyais un à son père. Et là ça va faire mal aussi. Parce que je sais qu'il écoute ton père, donc on va y envoyer. On va rigoler là. On va voir comment ils vont faire les Lascar. Donc voilà, alors si t'as autre chose à dire, toi. Après, ok. D'accord, ne bougez pas dans un instant. La suite de ce courrier de Gérard qui me fait pas plaisir, croyez-moi, c'est Max qui vous le dit, je ne suis vraiment pas content de vous. Avant d'attaquer les débats de Métardis qui est attaqué très sérieusement le débat, il y a du courrier. Ouais. Donc on a reçu ça ce matin dans le courrier. Oui, c'est Noémie qui l'a. Bah oui, bon. Enfin bref, elle m'a mis ça de côté. Donc c'est en fait une espèce de feuille où en fait il y a des promotions sur des cassettes vidéo qui te concernent, GG. Ah bon. Donc minuit, 2 heures. Si je suis précis, je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Bonsoir à tous, bonsoir Hugo, bonsoir Manu et bonsoir Pildar. Donc, bonsoir. On va attaquer les débats. Bonsoir. On va attaquer les débats en espérant que ce coup-là, ça fonctionnera un petit peu mieux que les autres durant l'année dernière qu'on avait fait. Bon, je fais qu'une fois par mois pour l'instant, donc on va essayer de faire quelque chose de potable. Si ça veut bien. Écoutez ce qu'on dit. Alors, pour ça, on accueille Téléscrotte, 25 ans de Paris. On écoute Fun Radio 100.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Petite Orbite, 24 ans de Toulouse, 96.8. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Suceuse, 27 ans, Dijon, 103.4. Bonsoir à toi. Salut GG, salut Manu, salut Filda, salut Rigaud, salut les auditeurs. Bonsoir Suceuse. Roosevelt, 23 ans, Bordeaux, 95 FM. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Salut, je viens de te dire bonsoir. Bon. Alors, débat sur les ovnis et les extraterrestres. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. L'IRC www.funradio, c'est Rigo qui vous y accueille. Donc, sur l'IRC, je préviens tout de suite que les questions, j'y répondrai petit à petit. Mais si ça concerne Sandy, ce n'est pas la peine de me les annoncer. D'accord, Rigo ? Ouais, bien. Il y a le Minitel aussi, non ? Non, le Minitel, il fonctionne pas. Ils en ont remis un en dessous, là, je le vois. Tout neuf. Il y en a un en dessous. Ah, vas-y. Donc, 3615 Code Fun Radio, rubrique direct, et voilà. Donc, alors, première question. Pensez-vous que les ovnis ou les extraterrestres existent-ils? Oui, bien sûr. Si oui, où? Alors, pour ça, on va demander à Téléscrotte. Moi, pour l'instant, dans l'avenir, dans le présent, je veux dire, j'y crois pas trop. Mm-hmm. Mais je pense que dans un avenir proche, ça pourrait arriver. T'sais, les extraterrestres, c'est plutôt un truc du futur. Ouais, mais les ovnis et les extraterrestres, hein, j'ai bien précisé les deux. Hein. Les ovnis et les extraterrestres, c'est pareil, c'est les trucs du futur. Donc il faut laisser le temps que ça vienne. Ouais. Faut pas trop devancer les choses, quand même. Hein, bah non, mais toi, pour toi, donc. Pour l'instant, non, c'est pas crédible. Pour l'instant, c'est pas crédible. Mais d'ici quelques années, pourquoi pas, hein. Moi, mm-hmm. Je suis ouvert, hein, y a pas de problème. D'accord. Petite Orbite. Oui, alors moi, personnellement, j'y crois complètement. Mm-hmm. À mon avis, et on a même qui ont envahi la Terre, tu vois. Je suis sûre qu'on peut en rencontrer dans les environs de Paris. Je pense pas, non. Je sais pas. En tout cas, je suis sûre d'en avoir déjà entendu ou rencontré, quoi. Bon, ok. Suceuse. Ouais, moi je crois au contraire qu'ils existent, mais pas sur Terre.
Et qu'en fait, ils nous observent, mais qu'ils pensent qu'on n'est pas... Non, mais comment... Attends, mais comment tu veux qu'ils puissent nous observer s'ils ne nous voient pas? C'est ça, c'est ça le problème. J'ai pas dit qu'ils ne nous voyaient pas, j'ai dit qu'ils n'étaient pas sur Terre. T'es des scrotes et des petites orbites, hein, si vous voulez des fois réagir dessus aussi sur la question quand je demande aux auditeurs, vous pouvez, hein. Okay, sans que ça fasse trop le bordel entre vous, hein, d'accord? Ok, pas de problème. C'est bon, je peux continuer? Ouais. Je pense qu'en fait ils nous observent, mais qu'ils nous croient pas assez développé en fait pour les accueillir, donc on est encore un peu primaire pour eux. Mmh. Ouais, mais dans quel sens que tu vois ça, qu'ils nous ont... Dans quel sens tu vois ça sur ça? Ben, c'est vertical, je veux dire, ils nous regardent de l'espace sur la Terre, donc... Mais ils nous regardent avec des télescopes ou des trucs comme ça? Ouais, des gros télescopes. D'accord. Roosevelt? Ouais, alors moi je pense que ça existe carrément pas. Parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'ils seraient venus le voir. Mmh. Faire un petit coucou, un petit coup de pouce. Et voilà. Mmh. Ouais, non, mais réveille-toi quand même, Roosevelt, quand je pose des questions. Parce que pas de problème. Non, bon. Parce que si tu t'endors déjà sur la première, qu'est-ce que ça va être par la suite, hein? Ok, on fait donc, ça. Essaye d'avoir un peu plus la patate, parce que sinon, ça, on va s'endormir avec toi et ça va pas coller, on va pas pouvoir continuer comme ça, hein, je te le dis gentiment. Hein. Oh là là. Ok. D'accord, pas de problème. Bon, moi je peux vous dire que personnellement, moi j'en ai... Pour l'instant, tout le monde dit que ça existe, je pense que vous connaissez Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Bon, lui, justement, j'avais demandé à ce qu'il participe au débat, on ne l'a pas, c'est dommage. Ah, non, mais c'est dommage. Il sera là tout à l'heure, parce que là, en fait, il avait un truc à faire, il terminait une chanson, donc on l'aura dans un quart d'heure, 20 minutes. Parce que d'après lui, pour lui, les extraterrestres et les ovnis, ça existe, hein, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Ouais. Bah oui, on va voir. On l'aura tout à l'heure, oui. Mais moi, je peux vous certifier par A plus B que ça n'existe pas et j'en ai pas encore vu. Mais tu nous avais dit que Bill, c'était un extraterrestre. Ouais, non, mais attention. Faut pas, parce que je dis si Big Bill est un extraterrestre, en fin de compte, ce qui est faux. Parce qu'en fin de compte, c'est un personnage, c'est un être humain qui se met dans la peau d'un extraterrestre qui est déguisé. Ah, t'as quand même mis 6 mois avant de le découvrir, quoi. Non, mais moi, je le savais bien avant, parce que... T'as gardé le secret, alors. Bah ouais, mais j'ai gardé... Big Bill, en fait, le mec qu'on voit dans la télé, enfin, dans la télé, qui est dans la télé, c'est en fait un mec qui est déguisé. Ouais, c'est un mec qui est déguisé, qui s'est déguisé en Big Bill. Non, si. Non, je peux vous le dire, parce que je l'ai lu dans un article, et ça, je peux vous garantir que c'est vrai. Il est bien fait, le costume. Ah bah ouais, mais ça, de toute manière, c'est la production qu'ils l'ont fait comme ça. Ils ont dublé. C'est un mec dans un costume, quoi. C'est du costume. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Il a bien gaulé, le mec, pour rentrer dans le costume. Mm-hmm. Toute sa famille, c'est pareil, Gérard. Ah, ça, je peux pas te dire, parce que moi, j'ai lu que l'article sur celui qu'on voit qui parle avec la gaffe, c'est tout. Et le mec qui rentre dans le costume, c'est pas un lien de parenté avec toi? Non, pas du tout, tu vois. Okay. Qui c'est qui vient de dire ça? Roosevelt. Non, c'était pas du tout méchant, mais vu que... Ouais, non, mais tu commences pas à vouloir parler de ma famille, sinon tu vas dehors. Ouais, parce que t'avais l'air très au courant de ça, t'as l'air renseigné. Ouais, c'est parce que t'as l'air renseigné sur ça. Non, parce que moi, j'ai lu ça dans un article, c'est pour ça que je peux vous le dire. Donc c'est un acteur, en fait. Voilà, c'est un être humain comme nous qui a été mis dans la peau de Big Bill. Voilà, c'est la honte, quand même. Que c'est un peu tromper les gens, quand même, quelque part, de leur faire croire aux extraterrestres, alors que c'est faux, c'est un peu de la tromperie de la part de TF1. Bah disons, c'est pour essayer d'avoir un peu plus de limites sur... c'est qui a raccroché? Je sais pas, sur Téléscrotte. Ah. Non, c'est bon. Ah bah c'était Roosevelt. C'était Roosevelt, là-bas. Donc, à propos de Roosevelt, Gérard, sur l'IRC, il y a Noix de Coco qui voulait savoir, puisque tu vis avec, depuis combien de temps Chewbacca s'est pas épilé? Donc, lui, j'y répondrai pas, parce qu'apparemment, il veut faire allusion à quelqu'un. Bon, alors, vous arrêtez, s'il vous plaît, là, les deux nanas. Ah non, j'ai rien fait. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, non, mais vous arrêtez de soupirer comme ça, parce que ça va pas aller. Alors, auriez-vous déjà rencontré un ovni ou un extraterrestre suceuse? Pas en vrai. Ah, c'est ça, t'as pas d'autre explication? Si, mais c'était pas en vrai, mais je sais pas trop si je peux en parler à l'antenne, là. Ah bah, on fait le débat, donc t'en parles à l'antenne ou sinon tu t'en vas. Ouais. Alors tu choisis. Bon, je veux bien en parler, hein, mais c'est quand même un peu perso. C'est assez hallucinant, en fait. C'était dans les Pyrénées. Mmh. J'avais une grosse boule arrivée et j'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait. C'est un ours. Dans les Pyrénées, c'est des ours, hein, c'est pas des extraterrestres. Hein. Ben non, mais tu vois, c'était trop bizarre. C'était un peu moins poilu qu'un ours, mais ça faisait...
pas même, même pas le même bruit. D'accord. Petite orbite. C'est permis, hein, Oui, écoute, moi, tu viens de me donner une désillusion là, complète, parce que j'étais persuadée que le Big Bill était vrai, hein, donc je croyais que c'était un extraterrestre, mais non, apparemment. Bah, de toute manière, tout le monde pensait que c'était un extraterrestre. Bon, maintenant, ça a été des... Je vous l'ai dit, donc, bon... c'est déçu. Non, mais même, de toute manière, ça n'empêchera pas qu'il fera quand même de l'audimat. Hein. Ouais, Rigaud. Oui, Gérard, il y a une très bonne question de Culture Générale sur l'IRC de la part de Jean-Louis 2000 qui te demande que veulent dire les lettres OVNI, O-V-N-I. Voilà, aucune idée. Ok, ça prépare sec. Aucune idée. Alors, ça, de toute manière, pour savoir, par exemple, c'est quoi, OVNI ? Ouais. Objet vibrant non insurgé. On me dit organisme. Non introduit, voilà. Non introduit. Ouais. Destroy qui kiffe les moquets, il dit que c'est un organisme vivant, niais et idiot. C'est GG en fait. Ouais, bah d'accord. Eh ben lui, le prochain coup, il. Ah, monsieur Mazur, tiens, comme par hasard. Ouais, par hasard. Il y avait longtemps. Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Gérard, c'est monsieur Mazur, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va. Bonsoir monsieur Mazur. Bonsoir mes amis, comment allez-vous? Monsieur Gérard, je suis ravi de vous retrouver à l'antenne avec un sujet aussi passionnant que les voitures, c'est ça? Non, il faut peut-être pas confondre... Ah, pardonnez-moi, au standard, on m'a dit que c'était un sujet sur l'automobile ce soir. C'est ça, bien sûr. Moi, j'ai fait une erreur, excusez-moi. C'est sur les ovnis et les extraterrestres, alors. Écoutez, ça tombe bien, c'est un sujet qui me passionne également. Eh ben alors, on va... Vous avez entendu la question, Absolument pas, je viens d'arriver, monsieur Gérard. J'étais avec Jean-Luc et Emmanuel au standard et je n'ai pu entendre... Non, c'était pas Jean-Luc et Emmanuel, c'était avec Fildar au standard. C'est pas du tout pareil. Autant pour moi, excusez-moi, j'ai Louis défaillante ce soir. Ouais, je pense. Faudrait peut-être vous réveiller un petit peu mieux, hein. Absolument. Alors, auriez-vous déjà rencontré un ovni ou un extraterrestre? Alors, on va à vous de... À vous. Un ami ou un extraterrestre? Un ovni. Ah, d'accord, bien sûr. Écoutez, rencontrer, non, bien sûr, on en a vu. Hein, on en a vu un peu dans le ciel, à travers les nuages. C'était ce qu'appelait, il me semble, du temps de son vivant, Alain Gillot-Pétré, des paix flamboyants. De toute manière, il n'y en a jamais eu dans le ciel, c'est faux. Ah, absolument, si, bien sûr. Non, parce que là, vous confondez avec l'éclipse. C'est pas pareil. Non, pas du tout notre stratosphère. Ah. Non, l'éclipse. Ah bon. L'éclipse, c'est quand la Lune a disparu cet été, bien sûr. D'accord, ok, bon. C'est bon, on va pas télescrotte. Bah écoute, moi j'ai pas eu ce plaisir de rencontrer des ovnis ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Je suis ouvert, donc je demande pas mieux. Mm. J'en ai vu à la télé, c'est tout. Ouais, j'en ai vu dans X-Files, tout ça. Ouais, ouais, mais ça, dans les séries comme ça, bon, c'est normal. Il y a des beaux ovnis quand même. Ouais, non, mais ça, de toute manière, c'est vrai que si on commence à parler de ce film-là, dans ce cas-là, on va passer directement aussi. On peut faire la 11 à la place de la 3. C'est. Ah non, la dis pas. Bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est. Si on commence à parler d'X-Files, dans ce cas-là, autant en parler carrément du feuilleton que tu m'as dit tout à l'heure. Donc Alors on regroupe les feuilletons, alors, si tu veux. Bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à prendre aussi le feuilleton V. Ouais. Ouais, ouais. C'est pareil, hein. Ouais. C'est pareil, c'est comme X-Files, hein, dans ce cas-là. Tu crois que Big Bill, il pourrait jouer dans un épisode de X-Files? Ah, ça, je sais pas, hein, faudra... Je pense qu'il a le gabarit, franchement. Ouais, on sait pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je vais faire un petit sondage, là, quand même. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'un extraterrestre? Alors, 71% des gens ont dit que c'était des personnes qui ne parlent pas bien le français. C'est bien, ça. 48% n'ont pas de réponse. N'ont pas répondu parce que c'était trop perso, c'est souvent qu'on dit ça. Et 23% ont dit que c'était des mecs qui se font faire les fesses avant de faire des débats. C'est bien ça, c'est super. Pourquoi t'aimes bien? Comme sondage de naze. Alors, est-ce qu'un extraterrestre est un métier fiable? Oh là, décidément. 88% des gens ont répondu que les gros PSA purs. Alors ça, c'est pour Fildar quand il est au standard. Hein. Ouais. 56% des gens pensent que le problème, c'est les 35 heures dans l'espace. Ça n'a rien à voir avec le débat sur les extraterrestres. Ah si, mais bon, si, la question, c'est est-ce que être extraterrestre est un métier fiable? Donc ouais. Si c'est un métier, à savoir déjà, est-ce qu'être extraterrestre, c'est un métier? Et est-ce qu'il est fiable? Mmh. Et donc, étant donné qu'il y a les 35 heures, il y a peut-être les 35 heures dans l'espace. Et les 35 heures en euros. Mmh. En plus. Exact. Et 11% trouvent que je dois avoir trop chaud sous mon costume alors que je porte pas de costume pour l'instant. Voilà. Non mais par contre t'as trop chaud. Non j'ai pas trop chaud. Un costume d'extraterrestre. C'est ça. Seriez-vous prêt à inviter un ovni à votre table? On va demander à Télescrotte.
Je sais pas, ça paraît difficile. Hein. Moi, je sais pas ce que ça mange, un ovni, donc c'est... Bah... C'est pas trop, hein. Ça va des vers, hein. Des vers. Ça mange un peu de tout, hein. C'est sûr, comme nous, en fait. Bah, je sais pas, moi. Hein. C'est multivore. Bah, t'as préparé ou pas, Gigi? Faudrait demander ça à Jean-Pierre Sauzère quand on l'aura tout à l'heure avec nous, hein. Ouais. Il vous dira ce qu'il mange, hein. Je sais qu'à mon avis, ça mange pas grand-chose, hein. T'es sûr? Moi, je suis sûr que ça a de l'appétit, hein. Bah, un ovni, c'est un truc qui vole, hein, à mon avis. Ça a le droit de bouffer, un oiseau, ça vole et ça bouffe. Alors, ouais, mais un oiseau, c'est pas pareil. Un oiseau, ça mange... Un oiseau, ça mange un peu tout ce qu'il trouve. Ça mange du pain, ça mange du riz, ça mange dans les des feuilles d'arbres, ça mange de tout, ça va dans les jardins, ça picore sur les plantes et tout. Justement, sur l'IRC, il y a énormément de gens qui me demandent comment font les extraterrestres pour trouver quelque chose à manger dans le vide interstellaire. Dans l'espace. Dans le vide, c'est le truc noir avec des trucs qui brillent. Dans les étoiles, c'est ça. Dans les étoiles, dans les étoiles, je sais pas moi comment ils peuvent faire pour manger, moi. Ils ont rien à manger, hein. Ils ont rien. Les étoiles, peut-être. Je pense, hein, ils doivent se manger entre eux. Petite orbite. Oui, écoute, moi, je suis ouverte à toute expérience. Donc, quitte à inviter un extraterrestre à ma table. C'est clair. Pourquoi pas deux? Ouais, pourquoi pas deux ou trois? Pourquoi pas deux, oui. Ouais. D'accord. Suceuse? Ouais, moi aussi, je suis assez ouverte à ça, quoi. Donc, on peut très bien manger tous ensemble et puis finir en gangbang, hein. Oh, voilà, qui c'est qui a un téléphone pourri, là? Quoi? Qui c'est qui a un téléphone pourri qui s'amuse avec? La personne, je crois, de Paul, ça m'a pensé. Non, parce que il y en a qui s'amusent avec leur téléphone, là, c'est pas tellement bon, hein. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard, je vous écoute. Répondez à la question. Écoutez, moi j'ai trouvé le parallèle que vous avez effectué tout à l'heure entre les 35 heures et les ovnis assez intéressant. Et d'ailleurs, je pense au niveau de la nourriture des ovnis, si vous voulez, que oui, les ovnis peuvent se nourrir au moyen de tickets restaurants. Mais des tickets restaurants, bien entendu, il y en a moins, vu que nous sommes passés aux 35 heures. Non, mais je vois pas le rapport avec le débat sur les ovnis. Monsieur Gérard, merci de votre remarque tout à fait pertinente, mais pourtant il y en a un, voyez-vous. Si vous donnez, vous ne pouvez actuellement pas donner le même nombre de tickets restaurants à un ovni que vous pouviez le faire il y a de cela encore 4 mois. Ouais, mais... Donc l'ovni peut moins se nourrir, est-ce que vous suivez mon raisonnement? Ouais, mais un ovni peut pas avoir de tickets de restaurant. Ah mais absolument. Mais comment qu'il va faire pour aller dans un magasin ou ailleurs? Mais monsieur Gérard, figurez-vous, il y a des space restos dans l'espace. Quoi? Bien connu. Des c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des restaurants? Eh bien oui, ce sont des endroits où vous sustentez. De manière complètement ripailleuse, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Et puis ensuite, vous avez tout loisir de vomir dans le vide intersidéral. Enfin, vous connaissez la question, bien entendu. D'accord, ok, on a compris. Il y a des bars, des space bars? Ah oui, absolument. Vous pouvez également, par la suite, vous faire une space pute. Ouais, je crois que... mais je crois qu'on va pas s'amuser à dire des gros mots, parce qu'il y a quand même... Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, une space pute mystère. Oui, d'accord, on a compris. Je viens de dire qu'on se calme avec les mots. Ah, on se calme tout à fait. Avec les mots. Quatrième. La quatrième question. T'es déjà à la quatrième, mais t'envoies le mot. Ça trace. Là, on finit à 45. Hein. Dans 10 minutes, t'es barré. Hein. Dans 10 minutes, tu quittes ton slip. Hein. Alors, t'as qu'à envoyer une zic là maintenant. Mais tu odas standard, vas-y. Vas-y, Non, mais attends, il y a des questions, IRC. T'as envie de te barrer ou quoi? Ah ouais, il y en a plein. Donne. Il y a Checkmate qui dit qu'il vient d'avoir une plainte du relais Carnot qui dit qu'un couple d'extraterrestres ont débarqué il y a plusieurs mois et qu'un d'eux avait fait des exploitations suranales sur le directeur. N'importe quoi, après. Il y a Lorenzo qui aimerait bien savoir, j'espère que c'est le vrai Lorenzo si tu nous écoutes. Il voulait savoir si les E.T. ont plusieurs sexes. Ça, on en parlera tout à l'heure à la fin du débat. Il y a une question qui est prévue pour ça. Pour la suite. Dans quelques instants. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour la nourriture des extraterrestres? Personnellement, la nourriture, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un oiseau, ils se nourrissent comme ils peuvent, hein. Un ovni, de toute manière, je vois pas du tout le rapport avec les tickets de restaurant, comme Monsieur Mazur me disait, parce que je vois pas comment qu'un ovni peut se nourrir avec un ticket de restaurant. Hein. Il peut, hein, finalement, Monsieur Gérard. Moi, je voudrais bien ça. L'entreprise le lui accorde tous les mois. Ouais. Il a un certain nombre de tickets restaurants. Ouais. Et il va dans les space restos. D'accord.
Mike. Ouais, ouais, mais c'est bon. Là, y a... Ouais, bah, c'est bien. On a dit pas de gros mots parce qu'il y a des, il y a quand même des jeunes qui nous écoutent. Absolument. Gérard, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais en hiver, comment ils font pour se nourrir s'ils font comme les oiseaux, parce qu'il n'y a plus rien sur les arbres? Ah ouais, mais ils émigrent. Non, ils migrent. Non, ils font des migrations. Mais où? Ils vont dans d'autres pays. Ils vont dans des pays plus chauds. Ah ouais. Ils vont dans les pays chauds après. Et les après, ovnis. ils reviennent au printemps, c'est-à-dire là, dans peu de temps, ils vont pas tarder de revenir. Et les ovnis? Bah, tous. Les oiseaux par les ovnis. T'as fumé ce soir ou quoi là? T'as fumé ou quoi? Ouais, j'ai fumé la moquette. Ouais, ouais, ouais. Oh, l'opium, hein, c'est plus que c'était. Les space cake. Ouais, les space cake. Space cake English? Tu speak English? Yes! Okay. Yes! Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le sondage, on l'a fait. Est-ce que... Je ne comprends pas l'antenne, tout ça. Mais si, on vous aime, monsieur. Merci, vous êtes à l'antenne, arrêtez de dire des conneries. GG, c'est des scrotes. Tu parles de la nourriture, mais on peut revenir aussi sur la boisson, je pense, pour les ovnis. Mais qu'est-ce qu'ils boivent? Tiens, bah, justement, alors. Ah, mais monsieur Mazur, il nous a pas dit ce qu'il buvait, donc on va demander. Bah, tiens, bah, vas-y, t'es des scrotes alors. Bah, non, mais je sais pas, je te pose la question. Bah, à mon avis, moi, je sais pas ce qu'il buvait. Les ovnis se prennent des murs, je voudrais savoir avec quoi, tu vois. Est-ce que ça tisse du carré de vigne ou de la villageoise, ou tu vois, enfin... Bah, à mon avis, je pense que ça doit boire, je sais pas quoi, hein, ça doit boire que de la flotte, hein, c'est tout. Hein. T'es sûr de ça? De l'océan, peut-être. Ouais, peut-être aussi, hein, on sait pas. Hein. Ouais. Ah bah, apparemment, il y a Yankee sur IRC, ils me disent que les extraterrestres, ils se réunissent pour manger à l'hôtel Royal de Nanterre. Je sais pas. Ouais, bah, qu'ils arrêtent avec ça, parce que ça commence à me gonfler sérieusement. C'est comment le chemin à partir du moderne? Je t'expliquerai. Okay. C'est du, tu vois, du côté de Cergy Pontoise, tu vois, tu prends pas là et t'arrives directement sur l'hôtel moderne. Ah non, c'est pas là du tout. Bah non. C'est là. Non, non. C'est là maintenant. Donc, c'est pas l'hôpital pour les... Non. Mais il y a un plan très sur le net. Ah, ok. Non. Et du relais Carnot, on fait comment pour y aller aussi? Du relais Carnot, tu passes par... Le souterrain magique. Tu passes par le pont de... Par le pont de... Tu passes par le pont de... Tu passes par le pont là, de je sais pas où, et puis t'arrives dans le bois de Boulogne, tu t'arrêtes et tu vois, il y en a pas mal qui est... Ouais. Voilà. Okay. Alors, dans quel endroit pensez-vous que des ovnis ou des extraterrestres peuvent-ils être acceptés? On va s'écouter. Ah. Si on peut avoir le disque. Ah, pardon, excuse-moi. Et on se retrouve juste après. On va s'écouter Pierre-Paul Jean avec... Je sais pas jouir et j'en vois pas la purée. Ici c'est Angelo, bonjour. Message pour Gérard. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne Ifi, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, de pisser du chien à la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne Gérard. Hein. Alors tu libères la ligne s'il te plaît pendant que tu fais tes débats et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, grosse bite sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. C'est bien. C'est pas mal ton histoire de répondeur, Manu. Hein, bravo. Ça. Hein, Manu, c'est bravo. Quoi cette histoire de répondeur? Je sais pas. Non, tu sais pas, c'est le répondeur qui date de Neuilly. Alors, à la place de Télescrot, on appelle, on accueille Jean-Pierre Sauzère. Bonsoir. Bonsoir. C'est rare, c'est ta frangine, voilà. À ma frangine, tu restes poli avec ma frangine, quand même, s'il te plaît. C'est la sœur de Jean-Pierre. Faut pas se mettre à colère comme ça. Non, mais je sais. Donc, 101.9 Paris, c'est ça, hein, non, t'es pas sur Paris, toi? Non. C'est quoi la fréquence où t'es? Bah, je ne sais pas, c'est 102. T'es où? En Seine-Maritime. Eh ben, Seine-Maritime, c'est quoi la fréquence de la Seine-Maritime? Hein? La fréquence de la Seine-Maritime? Je sais pas, Département 76. Appelle le 12. Oh là là là, c'est pas vrai d'avoir un câble au standard. Bon, en tout cas, fréquence maintenant. Petite orbite. Oui. T'es toujours là, rebonsoir. Suceuse, toujours là. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, je vous préviens, vous restez poli, sinon je vais être obligé de sanctionner, d'accord? Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Bah, donc... sanctionnez tout ce que vous voulez, Monsieur Gérard. Oui, non, mais je pense que vous allez être sanctionné dans les plus brefs délais. D'accord, Monsieur Gérard, c'est bien noté. D'accord, alors... alors, au revoir. Au revoir, comme ça, ce mot-là... Non, tu dis quoi? Je crois que j'ai mal compris. Oui, moi aussi. Alors, dans ce cas-là, tu lui dis au revoir à Monsieur Mazur. Mais attendez, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Au revoir. Pourquoi, Monsieur Gérard? Écoutez, je ne sais pas. Au revoir. Allez. Vous souhaitez que je parte? Franchement, Gérard, une fois.
violent. Tu vires On s'en passe. Deux bien. Mais pour un peu, je vous autoriserai à me lécher pour ton anal. Monsieur. Allez oh Moi, je veux bien, t'es choqué. Ah non, mais merde, on peut rien. Vas-y, assieds-toi, je te mets un pouce. Mais vous voulez te lécher le pourtour anal? Ouais, bah tu le sais. Ça peut être sympa. Tu reprends quelqu'un d'autre? Ouais, c'est bon. Alors, question. Dans quel endroit pensez-vous que des ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés, Jean-Pierre? Dans ton cul. Ta gueule. Je sens qu'il y en a qui m'ont dégagé, je le sens vite fait. Jean-Pierre Sauzère, oui, s'il te plaît. Je vais dire quelque chose, moi. Les extraterrestres, ils peuvent accepter partout. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ils peuvent aller partout. Ils sont plus évolués que nous. Mmh. Ils sont en train d'écouter ton émission, m'écouter. Moi, je leur souhaite toutes mes amitiés. D'ailleurs, j'en connais des gonzesses et tout, que j'ai parlé avec eux et que. Bon, non, mais c'est bon. Ouais, d'accord, Jean-Pierre. Mais. Moi, je vais te dire... Non, mais Jean-Pierre, on a compris. Donc, tu réponds correctement. Là, tu réponds aux questions. Tu dis, on passe plus de bonjour à cette heure-ci. Fallait le faire avant. Gérard. D'accord, Jean-Pierre. Allez, vas-y, raconte ton histoire. Non, bah vas-y, tu réponds à la question. Bah attends, il y a une question IRC, tu réponds à la question, Jean-Pierre. Je t'ai posé la question, je t'ai répondu à ta question parce que je t'ai dit, ils peuvent être partout. D'accord. Voilà. Donc, sur IRC, il y a Davy One, il voulait savoir si les extraterrestres, comme les humains, regardent des émissions télé avec Laure Lagaffe à eux et un extraterrestre qui serait déguisé en humain. Je ne sais pas, je ne pense pas, non. Je crois pas que ça puisse exister, cette histoire. Ah, pourquoi pas, suceuse, maintenant. Oui, Gérard, avant que suceuse réponde, avant que suceuse de Raval, on va accueillir Captain Pouce. Il a 20 ans, il est de Guignon. La fréquence, c'est... tu la veux? Oui. C'est 92.3. Bonsoir à toi, capitaine. Capitaine Pouce, bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir, je te fous un petit pouce. Tu commences pas parce que sinon tu vas retourner voir si j'y suis sur ton bateau, d'accord? Ok, la vanne, ok. Ok. Bon. Pas de problème. Eh ben, tiens, comme ça tu vas répondre à la question. Non, c'était suceuse. Je dois pas le savoir, moi. Attends, la vallée, c'est bon, vas-y. Non, non, mais il va répondre à la question. Mais j'ai pas entendu, Gérard. Alors, dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés? Acceptés? Moi, je pense que déjà sur notre planète... Manu, s'il te plaît, tu arrêtes de jouer avec des conneries comme ça, parce que ça commence à bien faire. D'accord. Donc je disais... attends, un petit coup, je me débouche. Ouais, tu vas te déboucher. Vite fait les oreilles, ce que je pense. Parce que tout à l'heure, tu vas retourner voir Fildar au standard. Ok, donc je pense que sur la planète, il n'y aurait pas de problème. S'ils sont pas hostiles, c'est nickel, quoi. Ouais. Bah, c'est ta réponse? Bah ouais, bon. T'as peut-être pas compris tout ce que j'ai dit, mais... Je sais pas. D'accord. Suceuse. Oui, je sais. Bah, je pense qu'ils peuvent être acceptés partout, sauf en boîte de nuit, s'ils ont des baskets, quoi. Ça dépend, parce qu'à la loco, tu peux être accepté en basket et tu rentres. Hein. Oh, ça dépend, la tronche, ça dépend. Hein, je suis désolé, t'en as qui rentrent en basket à la loco. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des soirées basket, ouais. Ah non, il n'y a jamais eu de soirée basket là-bas. Petite orbite. Ouais, mais en fait, j'allais dire la même chose. Hein. J'étais persuadée aussi que si ils s'habillent correctement, hein, d'une façon tout à fait potable, ils rentrent partout. Hein. Ouais, mais moi je pense pas, ça m'étonnerait que les extraterrestres ou les ovnis puissent mettre des affaires alors qu'ils sont dans le ciel. Hein. Regarde, le mec de Big Bill, il dit en extraterrestre. Ouais. Extraterrestre, comme dans V, il peut très bien se mettre une peau d'humain et faire genre. Mais tu crois que celui qui joue dans V ou dans IT, c'est un être humain? IT non, moi je pense vraiment que c'était des extraterrestres, mais n'empêche qu'ils ont fait semblant d'être des humains. Donc, tu vois, à mon avis, s'ils s'habillent bien, s'ils font semblant d'être des humains, ils peuvent rentrer n'importe où. Hein. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pierre Sauzère, comme... Moi, je dirais, de toute manière, d'une autre, que... Oh là là. On va arrêter de déconner là-dessus. Ils intéressent. Oh là là. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. On les croise dans la rue, partout, sauf que nous, on les reconnaît pas. Y'a que moi qui les reconnais parce que je sais quelque chose, voilà. Et je voulais dire, toi tu fais des émissions comme ça, sur le sujet des intérêts ou quoi, n'importe quoi, tu fais des bonnes émissions, mais on saute de ta gueule et on te... Et ça... C'est quoi ce bordel? C'est pas moi, là! Je vous de ta gueule, c'est... C'est quoi ce bordel? C'est pas moi, il est pas rien! Tu vois, je veux pas le savoir. Petite orbite! Ah, elle a raccroché. Ah bah c'est elle qui est partie. Sympa. Faudrait peut-être te réveiller avant, suceuse, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Dans mon... Capitaine Pouce, au revoir, allez hop! C'est pas moi, allez hop! Si, allez hop, dégage! Au revoir, allez! Allez, du vent!
du vent. Hop, au revoir pour celui-là, il va voir si... Il n'y a plus personne, là, tu me casses les couilles. Hein. Tu restes poli, parce que tout à l'heure, je vais t'en claquer une, toi, là-bas. Ah. Alors, tu te débrouilles, tu recherches des personnes. Donc, tu disais quoi, Jean-Pierre Sauzère? Avec, oui, mais ça t'intéresse, tu les crois dans la rue. Ils sont comme humains, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, et après... C'est pour ça qu'on dit qu'on... Personne n'a jamais vu des extraterrestres, mais si. T'en as déjà vu, toi? Bah, bien sûr. Bah, quand? Bah, de la vie de tous les jours, j'en vois, j'en connais. En fait, d'ailleurs. Ta boulangère, ça peut être une extraterrestre, quoi. C'est ça que tu rêves. Ouais, pourtant, parlant de boulangère d'extraterrestre, bah, ça démarrait comme ça. C'était dans une boulangerie, c'était là-bas, comme par hasard. Je vais pas dire le nom, c'était dans l'heure. Ouais. Et rassure-toi que la nana était extraterrestre. Et comment tu l'as su, toi? T'as ton boucher, alors, c'est un ovni. Oh, non, mais je dis rien, j'arrête là-dessus. Ça, c'est de la réflexion. Bah, alors, mais... Mais réponds-moi à la question que je te pose. Est-ce que ton boucher, c'est un ovni? Si ta boulangère, c'est une extraterrestre, est-ce que ton boucher, c'est un ovni? Réponds à la question, quand même. Non, mais je te réponds, écoute un peu, je te dis que non. Oh voilà. Tu sais qui commande ici? Ils sont implantés tout partout dans Bon, les putois. C'est un secret d'État, d'ailleurs, qu'on ne doit pas parler. Ouais, mais Tu te tais, s'il te plaît, toi, le moustachu, tu te tais. Toi, tu t'écrases tartouze, là. Bon, à la place de Petite Orbite qui est parti, on accueille Salvatore. Allô? Ouais, d'accord. Ça a coupé, hein, Salvatore, je crois. Non, ça n'a pas coupé. Non, je pense. Salvatore! Attends. Ouais, Jean-Pierre Sauzère, s'il te plaît, t'es pas dans l'émission de 21h. Salvatore, bonsoir. Là, ouais, salut. C'est Salvatore, ça. Hein. T'appelles d'où? Paris. Paris 101.9. Exactement, salut. Voilà. Après, à la place de Captain Pouce, on accueille Hamstring. T'es où de Hamstring? Ouais, je suis de Bordeaux, 103.3, bonsoir. Ah, 103.3, non. Ah, 95 FM, comme Fildar m'avait marqué. Ah, une erreur, excusez-moi. Bordeaux Sud. Jean-Pierre Sauzère, toujours là? Oui. Et donc, petite suceuse aussi, hein, c'est bon, ça. Je suis pas petite, mais... Ouais, ben... Oui, okay. Je suis. Bon. Alors, on en était donc... les deux, là, Jean Albatore et puis... Salvatore. Ouais, Salvatore, pardon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Donc, alors, dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés comme Salvatore et... En string n'était pas là. Ouais. Donc, pour toi, Salvatore. Ouais. Finis la question, parce que j'ai pas entendu. Dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés? Oh bah, tranquille, dans les boîtes, quoi. Ah bah, tout à l'heure, on disait non, parce que... Attends, celui qui dit non, c'est vraiment un con, quoi. Mais faut pas qu'il mette de basket. Attends, bon, mais ça, c'est clair. Déjà, d'une, faut pas foutre de basket. Ça, partout où tu vas dans le monde, il y a aucune boîte qui a t'accepté en basket. Attends, Salvatore, t'as déjà été à la loco? Bah oui, mais c'est pas une boîte, la loco, attends. Ah, c'est pas une boîte? Bah non. C'est une boîte à partout. Ouais, bah, c'est ça. C'est un mélange entre un sauna et un bésodrome. C'est ça, c'est ça. Eh bah, ça, c'est bien pour... Ouais, je veux dire, GG, sans déconner. Quand je suis allé une fois à la loco, j'ai eu l'impression d'être dans les toilettes de la gare du Nord. Alors, Et moi, une fois, j'y suis allé, j'ai vu un moustachu se faire mettre dans les chiottes. Moi, une fois, j'en ai vu un qui habitait à Troyes et qui se faisait mettre par d'autres personnes par derrière. Quoi, là-bas? J'ai vu Elisabeth Guigou là-bas. Ah bah, c'est la copine à Jean-Pierre Sauzère. Attention, faut pas trop en parler de ça. Ah, c'est vrai. Moi j'ai un oncle qui travaille à la NASA et je sais qu'à la NASA il les accepte. À la NASA. Non, la NASA. La NASA. Merde, d'accord, la NASA. Et ils acceptent tout type d'extraterrestres, mutants et autres. Hein, ouais, c'est qu'ils sont hyper tolérants là-dessus, quoi. Mm-hmm. Mais ça, c'est mon passé familial, tu vois, expérience personnelle. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Par contre, je peux te dire une chose, Salvatore, que là, il y a le mixeur de la loco qui est à côté de moi. T'as intérêt de faire gaffe parce que t'as dit sur la loco, parce que si tu peux rendre service, tu lui dis de changer ses manches disques, hein, parce que le son il est vraiment crado, quoi. Hey, t'as entendu? Ouais, mais ouais, je sais. T'as entendu ce qu'il vient de te dire, le Gugus? Et il paraît que... Et entre nous, GG. Ouais. Entre nous quand même, là, ton mec là qui mixe, je sais pas quoi là. Ouais. Il enchaîne les disques comme Charlie Gals, hein. Ouais, bah ça sans déconner, hein. Ouais, bah c'est... Moi même avec mon organe, les mains dans le dos, je fais... Qu'est-ce que tu fais? C'est chute totale le truc, on va peut-être arrêter là. Alors... Quoi, ouais? Qu'est-ce que c'est?
qui s'amuse à mettre Albator derrière? Je sais pas. C'est Salvator et personne n'est en train de me mettre. Je te signale que pour l'instant, il y en a un qui est en train de s'amuser, en train de mettre. Non, il y a personne qui est en train de me mettre. Bah, je te dis que oui, moi. Bah, moi, je te dis que non, je sens rien. Bah, tu sens rien, tu vois. Mais qui est con, celui-là? Eh, on est en train de mettre un disque ou que c'est qui chante le bâton. Tu étais en train d'insinuer qu'il y avait un mec qui était en train de me mettre. Et moi, je te dis que non, tu vois. Oh là 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 là. C'est pas parce que toi, t'en prends plein de petits à la loco. Bon, allez, Salvator, allez hop, Salvator, tu dégages. Mais je dégage de quoi? Allez, au revoir pour lui. T'es en train de dire que je suis en train de me faire enculer par un mec. Ouais, ouais, allez, dégage. Non, mais je peux pas laisser passer. Dégage. Mais non, il y a pas de dégage. Tu me vires, Salvator. Tu lui dis au revoir. Gérard, au revoir. Il y a pas de deux secondes. Au revoir. Mais dis-le pour de bon. Au revoir, et c'est terminé. Au revoir. Il est parti, on n'en entend plus parler. Gérard, je voulais en fait, par rapport à la question que tu posais en fait tout à l'heure, il y avait un truc que je me posais en fait, vraiment. C'est, il y a un moment où tu y crois ou pas, toi? À quoi? Bah, à la possibilité qu'il y ait des extraterrestres en basket. Non, personnellement, c'est bon, non. C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait ou pas? Bon, okay. Non, à mon avis, non, ça, j'y crois pas du tout. Et pourquoi? Je te dis que j'y crois pas et ça peut pas être possible qu'il y en a qui soient en basket, c'est pas. Attends, il y a bien des aliens en tongs, hein, mais... toi, Armstrong, tu redis encore une connerie comme ça. Attends, je voudrais dire quand même que Armstrong, c'est le ouais. petit-fils du mec qui a marché sur la Lune. Tout à fait. Ouais, mais s'il s'amuse. Il y a d'autres qui sont le petit-fils de celui qui a marché dans la merde, quand même. Ouais. Bon, alors dans ce cas-là, tu vas retourner au standard et on va te dire bonne nuit, tu peux aller te coucher. Au revoir, Armstrong. Allez, au revoir. Comme ça, tu me retrouves deux nouveaux auditeurs, s'il te plaît. Genre, sur IRC, ça baisse un peu, malheureusement. Oh, merde. On est toujours au-dessus de 5000, mais j'oserais pas dire combien on est. Et il y a juste Cusard 2000, il voulait savoir si ta Chewbacca allait participer au débat. Ma Chewbacca participera pas au débat, comme ça, on ne l'emmerdera pas. Voilà, donc, il nous reste, on va continuer. Alors, de quoi se nourrissent les ovnis et les extraterrestres? Jean-Pierre Sauzère, comme tu t'y connais bien là-dedans. Jean-Pierre! Oui. Oh! Ah, mais je t'écoute, je t'entends! Là, tu réponds à la question, je viens de la poser! Oui, vas-y! Qu'est-ce qu'il bouffe? Qu'est-ce qu'il mange? De ce truc-là. Bah ouais, mais ce qu'on. Qu'est-ce qu'il mange? Ouais! Bah attends! Comme nous! Il y a de la redite hein, quand même, là, je trouve! Ah ouais, tu l'as déjà posé ta question! Bah attends, toi, tu me dis que c'est bon, t'avais qu'à me le dire tout à l'heure! Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Poste de cab! Qu'est-ce que tu veux, ma poule? Bon alors, quelle est la. Ah, je dirais, moi, je comme nous, mais ce que je voulais. Au niveau des baskets. Quoi, qu'est-ce que tu vas encore me. Non, mais Gérard, là, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que tu vas me gonfler encore avec les baskets, là? Gérard, je voulais savoir si dans l'espace, il y en avait. Non, bah, on en a rien à foutre des baskets dans l'espace. Hein, c'est pas... Des terrains de basket? Des terrains de basket ou des baskets? Je me demandais. Gérard, je t'entends plus. Non, Gérard. Il y a un problème de micro, je sais pas ce qu'il fout. Bon bref, à la place de Salvator, on accueille Pousmousse, 17 ans d'Evry, à côté de Paris. Hey, tu peux pas prendre aussi des mecs de 15 ans, c'est pour non, faire le débat. Je suis sûr qu'il peut. Hein, à fond dedans, tu pousses et ça mousse. Ouais, c'est cool, mais t'inquiète, hein, j'ai le droit de me coucher tard, c'est tranquille. Ouais, il est en vacances. Et on a aussi Incontinence Day. À la place de Armstrong, lui il est de Nantes. Tout à fait. Nantes 107.3. Bonsoir. Voilà. Gérard n'a toujours pas de micro. Donc la question c'était quoi? Bon, Manu. Ouais. Je veux pas. Non, Gérard. Je parle comment? J'ai pas de micro. Tiens, mais c'est quoi le bordel là? J'ai plein de bonnes questions là. Le débat de merde. Réveille-le, il fait rien là. Le débat de merde. Bon, ça va. Tu ne pas faire ça avant que dégage de là. Dégage. Bon, tu veux dire quoi là? J'en ai marre de bosser comme ça. Non, mais c'est quoi? Il est pas capable. T'es nul là. Quelle est la durée de l'ombre? Ouais, Jean-Pierre Sauzère, allez, bonne nuit, comme ça tu arrêtes de me faire chier. Allez hop, au revoir. Qu'est-ce qu'il bouffe? Allez hop, celui-là c'est pareil. La question c'est bien parce qu'on me demande sur Minitel, c'est qu'est-ce qu'ils mangent les extraterrestres? Non, celle-là on la fait plus. Ah pardon. Alors quelle est la durée de longévité d'un ovni ou d'un extraterrestre? On va demander à Suceuse. De longitude? Longévité. C'est quoi la longévité? Bah c'est la longitude si tu veux, pareil. Ouais, mais c'est, moi je sais pas, par contre je sais pas ni l'un ni l'autre. Moi non plus. Tu demandes un truc, tu sais pas ce que c'est. C'est quoi tes questions?
Bah c'est une question, mais j'ai pas pu trouver tout de suite ce que c'était. Ah, donc tu dis des mots. Donc c'est à mon avis, c'est combien de temps que ça peut durer? Ça peut durer quoi, un film sur les extraterrestres? Non, il y a un homme. Oh là là! Attends, il fait des réglages. Bah ouais, il faut. Putain, mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ce micro? Oh là 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 là! C'est quoi là ce micro? Putain, c'est n'importe quoi. Hein. Pourtant, il s'est du fil en titane, hein. On a tout fait. Là. À mon avis, c'est plus les postines, je pense. Ouais, non, mais attends, et. Regarde, oh là là. Mais c'est quoi ce débat qu'on fait, puis qu'il n'y a même pas de micro qui fonctionne correctement, ça. Mardi c'était mieux que ça fonctionnait mieux. Oh, c'est clair. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une note à la technique. Oh là là, c'est pénible, hein. C'est tout, hein. Tu fais une note à la technique, et puis au moins on aura du bon matos, quoi. Ah ouais, tu peux au moins répéter ta question maintenant que. C'est clair. Ok. La question, c'est quelle est la durée de longévité dans d'un ovni ou d'un extraterrestre, c'est-à-dire combien de temps qu'ils vivent exactement, plus exactement. Alors, suceuse. Oui, Gégé. Eh ben, mais je comprends pas, parce que pour toi, les ovnis, c'est les maris des extraterrestres. Ben, moi, je pense, oui. Ah, d'accord, donc les ovnis, c'est les femelles, et les extraterrestres, c'est les mâles. Ouais, ben, voilà. Le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Ouais, c'est quoi? Sûr, mais... Quoi? On vole dans un sac à main? Non, cherche pas, c'est des connards qui s'amusent à ça, alors ça commence à m'énerver encore cette histoire. Non, c'est pas moi, je suis en train de poser des questions. Ok. Moi, ouais. Inconscient, suceuse, pardon. Moi j'ai lu dans un bouquin sur Einstein qu'en fait la durée de vie des extraterrestres était proportionnelle à celle des terriens multipliée par 6,5. D'accord, alors là, faudra faire la conversion. Hein. Ouais, je veux en faire. En euros. Un continent. Ouais, bah écoute, moi je pense qu'à partir de, je sais pas, 20 cm, t'as une bonne longévité de chibro quand même. ça commence à être correct. C'est pas mal. C'est un minimum quand même. Un gros chibro, ma soeur. Ouais, histoire de faire du bon travail. D'accord, pousse-mousse. Ouais, bah je pense qu'un extraterrestre, ça dépend. Enfin, un ovni, ça dépend de sa race. Mmh. Mais ça peut-être durer 100 ans. Non, mais je te demande, et puis l'ovni, alors, il vit pas alors? Bah, si, une centaine d'années. Bah alors, c'est ce que je te demande. C'est ce que je t'ai répondu. Ah bon? Ouais. On a personne à la place de Jean-Pierre Sauzère? Si, si. Bah alors, faudra peut-être te réveiller là? C'est vrai. Oh! Il un peu, lui. Alors, ouais. Attends, moi, on m'a dit ici, tu viens bosser avec Gérard, c'est la planque, hein. Il a plus dedans. Le seul problème, c'est qu'il pue du cul, mais à part ça, t'es bien payé. Ouais, toi aussi, tu pues du cul, alors. Vas-y, en bas. À la place de Jean-Pierre Sauzère, qui est parti, on accueille Sans Couicaille. Quoi? Sans Couicaille. T'es d'où, Sans Couicaille? Alors, bonjour. Ah. J'appelle de Grenoble, bonsoir. Bonsoir. T'as la fréquence Grenoble. Sans Couicaille, c'est à la bataille. Ah, sans la fréquence de Grenoble, au lieu de dire des conneries. 148. Quoi? 104.8. Oh là là là, qu'est-ce que c'est encore celui-là qu'on a récupéré? Je viens simplement de la vie. Ouais. Tu passes le bonjour à Yato. Ouais, ben, pousse-mousse et t'arrêtes de dire de. Mais j'ai rien dit, moi, Jean. Un continent, alors ça doit être que toi. Oui, bonsoir. Ouais, ben, alors t'arrêtes de t'amuser à faire passer des bonjours, sinon tu retournes chez toi. Rigaud. Donc, ça remonte un petit peu, mais seulement un petit peu, malheureusement. On est à 6023. Oh là là, c'est un peu la merde, comme tu dis. Et il y a une question très intéressante de Chacal sur l'IRCFunradio.fr qui demande si l'homosexualité existe chez les extraterrestres. Si oui, comment se déroule une sodomie extraterrestre? Justement, cette question-là, je vais pas y répondre tout de suite parce que c'est une question qu'on va poser à la fin. Mais Rigaud, tu comprends pas le principe du débat. Il y a des fuites sur Internet. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Merde, je sais pas pourquoi. Ah merde, on est pas. C'est pas dans la pièce. Oh hein. Ah, mais merde, je suis comment, con d'internet. Les deux navets là. Tous les vendredis soirs. Oh les deux navets, la laitue là, tu t'écrases. Attends, excuse-moi, je parle. Oh, tu t'écrases. Vas-y, reste tranquille. Tu t'écrases de laitue, tais-toi. Tais-toi toi-même la laitue. Il y a les questions. Ouais, bah c'est très. Bah écoute, c'est quoi, on se fait. Tu préfères quoi pour bouffer le soir? Parce que moi, Chili. Mais va t'asseoir. Tu t'écrases. Va t'asseoir. C'est moi qui commande le jeudi. Va t'asseoir, c'est mon débat. Tu t'écrases. Prochaine question donc. Ok, d'accord, vas-y. Tu t'écrases. Vas-y, chauffe. À ta place. Ok. Vas-y. Bon. Allô. Alors, Sans Couille, Kai, la question, tu l'as entendu? Non, t'as pas entendu. Alors, quelle est la durée de longue vie d'un ovni ou d'un extraterrestre, c'est-à-dire la longue vie? Oh,
pas celui qui se marre comme un bouc, il arrête ou sinon il dégage. Oui, c'est vraiment pénible. Hein. Et celui qui met de la musique, arrête derrière, ça m'énerve. Ah, c'est clair. Monsieur Gérard, tu peux poser des questions, j'ai pas tout que ça à foutre. Hein. Alors, quel, c'est moi qui commande le jeudi, donc si t'es Mais moi, attends, moi je fais karaté aussi. Hein. Ouais, ouais, bah pour l'instant, tu as, tu as moi, perdu. Je fais karaté, oh oui. Tu te calmes, s'il te plaît. Je me calme. Bon, la question c'est quelle est la durée de longévité d'un ovni ou d'un extraterrestre? Je dirais à peu près. Attends, laissez-moi réfléchir, parce qu'en général, on compare ça à la durée de longévité d'un sushi. Ça doit faire environ 2-3 heures, pas plus. Bon, alors, je préviens d'une chose au standard. Le standard, s'il vous plaît, vous mettez les... Tu mets les auditeurs en air, s'il te plaît, Manny. Ils y sont. Alors, je préviens... On est en air. Ils sont en air. Non, mais tu me les coupes. Je préviens. Fildar, s'il j'ai te plaît. J'ai une petite paire de ciseaux, Manu, si tu veux. Je Fildar. J'aimerais mieux un petit cutter. J'ai un masque à gaz, moi. Bon, vous arrêtez, là, si vous voulez voir. Fildar, ouais, un conseil que je te donne, c'est la dernière fois que je demande que la musique soit arrêtée ou sinon j'arrête le débat. T'es ok beau. T'es grand, t'es beau. Bon, alors sans couille-caille. Eh bien, écoute, Gérard, moi, j'ai suivi quelques études d'astrophysique avec un professeur au Japon qui s'appelle M. Sushi Sashi. Et M. Sushi Sashi a fait des études très poussées sur la longévité d'un ovni. Et environ. Ah oui, au moins. Mais pas plus. En revanche, pas plus qu'environ de ce que je viens de dire. Bon, qui s'amuse à mettre de la musique? C'est très bien, c'est l'hymne national de mon pays. Bon, alors on va... Alors, un ovni, un ovni ou extraterrestre peuvent-ils stationner? Manu! Quoi, mais tu arrêtes de cette musique, là? Mon nom est Sidero. C'est pas moi, c'est bien, c'est encore pas moi, Sidero. Là, ça commence à me gonfler. Sans coup de caille, là, tu t'écrases. Sans coup de caille, tu t'écrases. Ah, oui, je t'écrase dans ton cul. Bon, alors tu dégages, au revoir. Allez, hop, bonne nuit pour lui. Sans coup de caille, tu dégages, ça va t'apprendre. Allez, hop, au revoir, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Et voilà, et on va... Je pose la question, un ovni ou un extraterrestre peut-il stationner partout où on se retrouve tout de suite après? J'ai pas de disque, hein. On se retrouve tout de suite après. Et on s'écoupe et se coupe vibrante avec... J'ai pas de disque, hein. Ou quoi? Remets des piges, j'en ai pas encore. Attends, ton boulot. J'ai pas de disque. Remets des piges, j'en ai pas encore. Et on se retrouve après. Mais attends, y'a pas de disque. Y'a pas de disque encore. Y'a rien, là. Un peu de calmement, des piges. Oh là 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 là. Fizard, tu me reprends l'aria derrière. Tu veux que je reprenne derrière l'aria là? Tu reprends l'aria juste après. J'arrive. Je vais te baisser une taxi de le coin du museau, toi. Bon, t'as dit, ça y est. Ah non, j'ai rien. Oh là là, t'appuies. Je sais pas, chante. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur. Chante un truc que tu connais. Ah, ils veulent que tu chantes. Vas-y, chante. Non. Quand même. Alors, y'a rien. Mais chante, non, mais vous maniez un peu là. Fais voir ta voix de pédale là, vas-y, chante. Y'a rien, chante un truc. Tu me verras pousse-pousse pour. Mais c'est pas moi, Gérard, ouais, c'est ouais, pas non, tu verras un continent au hasard. Ah, non, c'est pas moi. Si, c'est toi qui viens de le dire. Y'a pas moyen. C'est toi qui viens de le dire. Y'a pas moyen. Tu dégages. Je te dis qu'il y a pas moyen. Tu dégageras, on prendra quelqu'un d'autre à ta place. On prendra quelqu'un d'autre à ta place. Non, tu trouves un disque. C'est tranquille, toi, moi, je te le dis, hein. Bon, tu me mets ce qui est prévu normalement, hein, Fildar, s'il te plaît. Je te mets. On va tous te mettre, de toute façon, comme ouais, ça. Ouais, toi, bonjour, l'homo de la pro. C'est ça, l'homo de la pro, c'est ça, c'est bien. Ah, putain, mais c'est quoi cette merde, là? Ah, je sais pas. Oh là là. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Oh là là. Ah, mais c'est quoi ce... Je sais pas. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ce soir? C'est parce que les prises elles marchent plus, on est obligé de passer par des rallonges, Gérard. Donc vous venez vous écouter Pierre-Paul Jean avec... Oh non! Mais non, c'est l'autre fiche! C'est l'autre fiche! Les soucoupes vibrantes! Les soucoupes vibrantes! Eh Olivier, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce boulot de merde? Non, ça c'est de la prod à balle. J'ai encore une heure à pire, c'est le bordel, le micro il déconne! Eh non mais... Attends, merde! Courage. C'est quoi ce son là? On se croirait dans une porcherie. Mais non mais c'est quoi là? Je sais même pas, je... C'est la panique. Ouais. Oh là 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 là. C'est gentil. Allez, il est même pas branché. Mais si, attends, il va être branché. Tu bosses un peu. Là,
Ça va aller. Voilà, on vient de se couper les secoupes vibrantes avec Remet des poils. J'en ai pas encore eu. J'ai pas encore eu d'orgasme. D'orgasme. Voilà. Alors, on récupère. Son cul. Quoi? Son cul cuir? Allô? Son cul caillera. Allô? Allô, tranquille, Gérard. Ta fréquence? Oh, vas-y, reste tranquille. T'as fréquence? Oh, tu restes poli ou sinon tu sors? Moi, mes potes de la cité, on te fout des pouces, reste tranquille un peu. Voilà. Manu, terminé pour lui. Attends, il avait un truc super intéressant non, à dire. Non, allez hop. Vas-y, ferme ta gueule. Allez hop, tu dégages. Allez hop, au revoir, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tu lui dis au revoir. Au revoir. Non, tu... hop. J'arrive pas à le reprendre, Didier. C'est pas ton débat, c'est tout, tu restes tranquille. Ouais, bah toi, tu dégages. Tu dégages, c'est tout, au revoir. Attends, bichon. Au revoir, allez hop. Manu, s'il te plaît, tu me le vires. J'arrive pas. Tu le... Ouais, bah vous restez poli parce que tout à l'heure, j'arrête. Ok. Alors, ouais, bah toi, tu t'en vas, toi. Ça va être super pour toi. C'est toujours parmi nous. Oui, toujours parmi toi, Gérard. Et Armageddon, dis donc, c'est ça? Non, Armageddon, non, s'il te plaît. Ah bah ouais. Bonsoir, Gérard, heureux de pouvoir enfin te parler. C'est quoi ta fréquence? C'est 101.17. 101.17, ça existe? Tout à fait, c'est à Liandreux. À Liandreux? Oui. C'est où ça? C'est dans Lyon-Maritime. Dans Lyon? Maritime. Dans Lyon-Maritime? Oui, la partie côtière, si tu veux, de la frontière. Mais c'est quoi? C'est qui s'amuse à passer l'aspirateur, là? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu devrais le passer un peu plus souvent, d'ailleurs. C'est qui passe l'aspirateur? C'est pénible, c'est pénible. Hein. Seulement, ça pouvait être ta femme. Tu sais ce qu'elle te dit, ma femme? Elle te dit les 5 lettres. Et encore, je suis poli, d'accord? Alors, la question, un ovni ou extraterrestre peuvent-ils stationner partout? On demande à suceuse. Eh ben, Noémie? Tu oui, prends... Elle fout rien. Non, c'est vrai qu'elle prend pas une Noémie. Tu prends des auditeurs. Des auditeurs. Vas-y, prends des autistes un peu, là. Tu prends des auditeurs au standard, il me faut du monde, là. On a que deux personnes, faudrait peut-être accélérer, hein. Alors, Armageddon, là. Moi, je pense que ça dépend tout simplement du véhicule. Ouais, mais... Partout, c'est pas question d'OVNI, d'extraterrestre ou pas, ça dépend du véhicule, c'est tout. Si t'as un véhicule prioritaire, si t'as un truc de médecin ou un truc comme ça, tu peux, sinon, que dalle, comme d'hab. Privilégié à des nantis et c'est toujours pareil, voilà. Mais de toute manière, il n'y a pas que les privilégiés, hein, c'est pas parce que c'est des urgences, tu peux stationner quand même un peu partout. Si attends, on tu vas me faire croire qu'un OVNI, il est là en urgence. Ce sont... C'est pas possible. Ouais, d'accord. Bah oui. Oh, non, mais je parle à Fulda parce que j'ai un son pourri dans le micro là, mais c'est la catastrophe là ce soir. Hein. Gérard, j'ai deux nouveaux auditeurs pour toi. Ouais. Il y a Dalida du Cosmos qui est arrivé, bonsoir. Et il y a aussi Mouldor. Bonsoir. Bonsoir, DJ. Salut, DJ. Oui, bonsoir, Mouldor. Ouais. C'est pas là-bas dans le noir. Mouldor. Oui, Mouldor, ouais. Mouldor, ça peut. Mouldor. Ouais. Et l'autre. Oh là, oh. Fulda il est beau, celui-là. Merci. Pas mal. C'est quoi? Double son, j'aime pas trop, d'accord? Et c'est qui? Il kiffe que la double peinée. Et c'est qui l'autre? Dalida du Cosmos et Mouldor. Dalida. Dalida. Eh, tu te réveilles? Bonjour. Bonsoir, c'est Orlando. Bonsoir. C'est drôle. Bon, c'est quoi ce bordel, là? C'est drôle, je t'aime. Non, mais c'est quoi, là? Oh, Olivier, je la prends, s'il te plaît, au boulot. Tu peux peut-être essayer de faire ton débat avec le mec qu'on entend. Bon, Dalida, tu t'écrases. Dalida, tu t'écrases une fois, Dalida, deux fois, Dalida, trois fois, au revoir. Non. Au revoir. Dalida, au revoir. Dalida, au revoir. Manu, une fois. Oui, une fois. Tu vires. Tu vires. Tu vires qui? Je vire qui? Dalida, tu vires. J'entends rien. J'entends rien, Gérard. Oh là là. Virez Dalida. Dalida. Eh, hey, le cul, c'est comme les oreilles, ça se lave. J'avais pas entendu, tu parles pas assez fort. Ouais, bah je parle pas, c'est pas, j'ai un micro de merde. Quoi? Hein? Ouais, ouais, allez hop, tu viens Dalida, tu me reprends une autre personne. Mulder, donc la question, tu l'as entendu? Oh bah non, carrément pas. Stationnement. Ah non, j'ai carrément pas. Mais c'est... Gérard? T'es venu avec Curly? Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel là? Ah. Isme ce week-end à... Gérard? C'est la radio ça? Après, Eunice Barber, Christine. Ouais, ça a l'air. Oh là là là, je sens qu'on va. C'est quoi là? Ouais. Oh! Oh! Mais quoi? C'est pas moi! Arrête, Gérard! Hey,
table. Ah, là, tu vois. Oh, quel passage mignon. Mais non, attends. Bildard dehors. J'ai rien fait. Bildard dehors. Bah attends, vous allez pas vous battre. Bildard dehors. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, l'autre, il s'amuse à mettre... Il met les impôts. Alors, Bildard dehors. Bon, là, on est à... Bildard, bonne nuit. Ça remonte, là, on est à 4 minutes. Bonne nuit. Gérard, ça remonte un peu sur l'IRC, justement. Bildard, bonne nuit. Olivier de la Pro, tu viens à la place. Gérard, moi, je propose... Oh, Bildard dehors. Je propose un truc. Un pétoman pour un dep, c'est chaud. Bildard, tu vires. Ouais, bah ouais. Et putain, c'est le micro de Olivier. Oh, le mot de la pro. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu parles ouais, t'es bouché ou quoi là? Le double sang. J'entends rien, moi. Le double sang. C'est tes oreilles, c'est le cérumène, Gérard. Ça colle et après on entend des doubles trucs, ça se répercute sur les parois et c'est une horreur. C'est tout. Ça Olivier. Ah, ça marche pas, ça marche, ça marche. Voilà, commence pas ton bordel, hein. Gérard, je vais en profiter pour poser une petite question de l'IRC. Il y a Yankee qui voulait savoir comment elle donne au lit la sœur Dicky. J'en sais rien. Alors, s'il commence à parler des conneries comme ça, ça commence à bien faire sur l'IRC. Manu. Bonsoir. Je voulais... Ok. Bonsoir. Je voulais accueillir Dark Cador. Bonsoir. On l'a mis un coup de ventoline. Manu, tu l'as bien prévenu que c'était un débat, non, un champ de foire ici. Okay, ah bon bonne. Ouais, non, je lui ai dit. Darkador. Je suis là, Gérard. Darkador, c'est pas un bordel. Je t'écoute, Gérard. Je sens la force te pénétrer. Bon, alors. Et te dilater. Manu, tu chopes Darkador. Je le calme. Tu le calmes tout de suite parce que Darkador, il va dégager. Oh là 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 là. Alors la question c'est un ovni ou extraterrestre peut-il stationner partout? On va demander à suceuse. Oui j'ai. C'est ce que disait tout à l'heure mon camarade, ça dépend de la taille de son véhicule. Donc Mulder tu veux dire? Non Armageddon non. Ouais, je pense qu'on peut pas savoir, Gérard. T'en as déjà vu toi un extraterrestre? Non mais attends, c'est bien toi tout à l'heure qui m'as dit que. Non, c'est moi, t'es nerveux. C'est qui? C'est Armageddon, je t'ai dit. Ouais, c'est lui qui... Ah ouais, c'est toi, ouais. C'est moi, ouais. D'accord. Tu me laisses finir si t'as pas une capsule, genre, tu vois, cabine téléphonique, la plus grande, tu peux la mettre n'importe où. D'accord. Et tu veux faire allusion à quoi avec la cabine téléphonique? Bah rien, je sais pas. Pour te donner une idée de grandeur. Suceuse, un conseil que je te donne, t'amuses pas à essayer de vouloir dire des conneries par rapport à ce que je faisais quand j'ai connu Max, d'accord? Parce que sinon tu pourras... On parle pas de la prostitution, c'est tout. Darkador, tu t'écrases, s'il te plaît. Non, c'est pas lui, je crois. C'est Dark Pure. Olivier, s'il te plaît. Oh là là. Olivier, merci. Darkador. Non, Mulder, pardon. Ouais, bah moi je t'ai dit, j'en sais rien, t'as déjà vu un extraterrestre toi? Tu peux juger? Tu peux pas répondre à cette question? Mais t'as pas d'imagination, Darkador. Oh tiens la meuf. Non, c'est pas Darkador, c'est Mulder. Déjà. Qui c'est qui s'amuse à mettre des informations parmi vous? Comment? Moi. Bonsoir, Dark. Bonsoir. Si je te rappe, je te mords. Moi j'ai pas trop aimé ce que t'as fait à Yoda déjà. Dark Yellow. Hey, tu te sens bien toi là ou quoi? Allez, dégage là d'ici toi, carrément. Hein. Oh là là! Oh là là, c'est quoi là, celui-là encore? Bon, il est déjà pas capable de réparer les micros, mais il s'en fait le bordel. Noémie, elle a rien. Ça rechute l'audience. Là, on touche le fond, là. Noémie, c'est bon, ça va? Je te demande de venir épauler Manu pour prendre des auditeurs, mais apparemment. J'en ai pris, je travaille, t'inquiète pas. Bah ouais, mais faudrait peut-être voir. J'ai juste eu le temps de finir ma crotte, mais j'ai pas eu le temps de m'essuyer. Excusez-moi, j'arrive en coup de vent. Tout à l'heure, tu as en parlant de vent. Je crois que tu vas peut-être avoir le temps de te prendre une bobe dans ta gueule si tu continues aussi. Mais moi, je fais rien et tu vois, et c'est Darkador, donc pour toi. Pour moi, quoi, Gérard? Je n'ai pas entendu la question. Oh là là, mais oh! Parce que je le calmais au standard, j'ai dit. Un extra. Désolé, Gérard. J'ai une grande révélation à te faire. Tu réponds à la question ou tu vires? Je réponds à ta question immédiatement, Gérard. Tu es son père. Je suis ton père. Alors, au revoir, Darkador.
d'Arcador. Au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Faire un poutou à papa, sinon je te tire les moustaches du cul. Hop, tu lui dis bonne nuit, c'est terminé pour lui. Voilà, comme ça on va être tranquille avec celui-là. Gérard, j'ai un sondage de Davy One réalisé auprès du fan club des extraterrestres de Vosserfedmolette. C'est où ce... Apparemment ce ça doit être en Belgique. 10% des gens se demandent si les extraterrestres n'ont pas des kystes dans le cou. Non, il y en a plus. Il y en a plus du tout. 26% des gens ont déjà vu un extraterrestre. Il ressemblait au cul de, on dira pas qui, avec des Twix pour les yeux. Et 28% des gens n'aiment pas les extraterrestres car ils ne lisent pas Homo Mag. Eh ben, c'est bien. Dans ce cas-là, son sondage de merde, il peut se le carrer ou que je pense. On a personne d'autre là, Noémie, pour l'instant. Il n'y a personne d'autre pour le remplacer. Non, j'ai pas trouvé encore. Bon, alors on pose la suivante, c'est pas grave. Il prendra où que ça en sera la question. Êtes-vous terrifié ou impressionné par des ovnis ou des extraterrestres? Êtes-vous quoi? Êtes-vous terrifié ou impressionné par les ovnis ou extraterrestres? On va demander ça à Armagedindon. Oh, pas presque, pas presque. J'espère que tu plaisantes. Attends, 5 minutes. Ouais, non, je voulais juste, ouais. On accueille à nouveau à la place de Dark, d'Arcador, on accueille Jean-Claude. Oh là là. Bonsoir Jean. C'est qui s'amuse à faire c'est ça? C'est pas moi, il vient de mettre un auditeur à l'antenne. Non, je sais pas. Alors tu lui dis que attends, si c'est... Il y a une couille. Ah ouais c'est... Ah bah c'était Jean-Claude alors. Non, je sais pas. Mais non, mais c'est qui s'amuse à mettre de la musique comme ça, là? Jean-Claude, tu vas me dire. Je sais pas d'où ça sort. Jean-Claude, c'est toi? Oui, je crois qu'il est pas là, Jean-Claude, en fait, je sais pas. Ah bon, bah là. Allô? 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 Jean-Claude? Allô? Ah, ça y est, il est là. Allô? Jean-Claude? Oui, allô? Ah, il est là, ça y est, c'est bon. Jean-Claude? Allô? 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 Oui, écoute. Hey, mais c'est quoi ce bordel au standard là? Ah, écoute, Gérard, c'est Franco Itaï. Je voulais juste te demander un service. Est-ce que tu pourrais péter que je récupère mon sushi, s'il te plaît? Mais lui, j'avais dit au revoir, qu'est-ce qu'il fait là encore? Ah, mais bah, c'est Jean-Claude. J'ai récupéré mon sushi dans non, mais tu. Alors tu lui dis au revoir. Ok, si tu peux. Allez, allez, bonne nuit. Gérard, s'il te plaît. Bonne nuit. Une anguille, ça bonne nuit. C'est un coup, je récupère mon anguille. Dégage, au revoir, bonne nuit. Qui? Jean-Claude, là, tu lui dis au revoir, comme ça me prend des vacances. Ah, il n'y a pas Jean-Claude. Bah ben si, c'est l'autre, là. C'est celui qu'on a viré tout à l'heure. Oui. C'est Sam Koukaï, là. Ah, alors tu lui dis au revoir. Ok. Bon, alors, suceuse. Oui, GG. Maintenant. Voilà. C'est la vidéo, là. Ah, bon, ça. Ta question, GG. Êtes-vous terrifié ou impressionné par les ovnis ou extraterrestres? Ça dépend de quel film. Bah justement, on va parler parce qu'on va commencer à en venir sur les questions sur la question qu'on parlait de tout à l'heure de V et de IT. Ouais, par exemple, tu vois, quand j'ai regardé IT, j'ai pas eu peur. Bonsoir et bienvenue sur le répondeur de Monsieur Mazus. Manu, s'il te plaît! J'ai sauté, le pourtour anal. Appuie sur 1. Appuie sur 1. Mais c'est pas moi, mais merde! Approche ton pourtour anal voilà. Du combiné. C'est moi? Voilà. Ça marche bon. Encore. Alors c'est qui? Approche encore voilà. Un peu plus ton pourtour anal du combiné. Bon bah quand celui-là il aura je ne vois pas ton pourtour anal. Rapproche-toi. Ça y est. Bon, ça y est, c'était... Attention, prends bien ta respiration. Manu, s'il te plaît, tu fais ton boulot correctement et Fildar, tu arrêtes. Et ça démarre. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Hé, quoi? Manu, Fildar, c'est la dernière fois que je fais des débats. Rapprocher ton pourtour anal du combiné. Rapproche ton pourtour anal. Ça y est. Je sens qu'il y en a qui vont morfler. Attention, c'est parti. Et maintenant, soulève-toi. Tu gères un peu le standard ou pas? Manu, c'est pas moi. Hop là, pour soulever. Non mais attends, mais... t'en peux plus là. Non mais là c'est même pas la peine qu'on continue. Pour soulever tes testicules. Allez, la main c'est droite, pas la peine. Appuie sur la touche numéro 6. Non c'est pas la peine. Bah voilà. Donc tu peux. Attention. Tu peux dire au revoir aux auditeurs. On arrête. C'est terminé. Le pourtour anal. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Il y a trop de chute. Il y a une baisse. Non, on dit au revoir. C'est faux. Non je dis au revoir. Ta question, moi. Non. De la
ma gauche. Non, non, c'est terminé. La grippe, le concombre sur le haut du frigidaire. Non, non, on arrête. Écoute. Attends, c'est quoi ce bordel là? Non, non, moi je continue pas de travailler comme ça aujourd'hui. Hein. Non, on arrête. Il y a une chute d'audience. On arrête. Sur la touche. Non, non, mais là c'est terminé, moi. Bon, Gérard, on reprend le débat et on part sur ta question. C'est parti. Non, non, c'est terminé. Parti, hein. C'est on arrête. C'est tout. Ah, mais je crois qu'il faut que t'appuies sur 6 en fait. Raccroche le concombre. Pour réplucher le concombre, appuie sur la touche 48. Bravo, tu as épluché un concombre. Ouais. Bon bah c'est ça. Tu peux faire. C'est ça, je coupe les auditeurs. Non, 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 mais c'est fini, hein. L'audience est de la catastrophe. Ça c'est terminé, donc on va dire. C'est de la merde ce soir. On s'excuse, donc suceuse. Suceuse, on te dit au revoir. Bah non. Non. On va reprendre maintenant les mecs, vous allez vous mettre le feu. Non, non, mais là maintenant tu te débrouilles. Mais essaye de remonter l'audience. Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Noémie, tu me prends des auditeurs tout de suite parce qu'on va mettre un disque et ça va aller vite fait. Non, mais attends. Non, non, mais moi, tant qu'on n'a pas de. On va dire au revoir à Suceuse, à Muldor et à Margot Dindon. Elle était très bien, Suceuse, elle t'a rien dit. Bah, on garde Suceuse, les deux. Et Margot Dindon aussi, hein, t'as rien dit. Bah, non, mais tu me changes. Tu me changes des auditeurs, c'est tout. Et c'est terminé parce que là, c'est une catastrophe. Donc, Manu et Noémie, vous avez le temps du disque pour nous trouver des auditeurs sympas et qui soient bien réveillés parce que sinon, ça va sinon j'arrête tout de suite. Donc, Pilar, c'est quoi le titre? Je sais pas, j'attends le titre de Manu. Qui le titre du disque. Alors on va s'écouter le petit Itis en sans maison avec respecte la nature comme moi, fait des proutes au GPL et on se retrouve après avec d'autres auditeurs. Bon alors pour ça on accueille Golgoth 21, bonsoir à toi. Bonsoir. Ta fréquence s'il te plaît. 102.7. D'accord. Suceuse toujours là. Toujours là, ouais. Ok. Armagedindon. Ouais, toujours là, tranquille. Toujours là. Ouais. Fildar, c'est la dernière fois que je te dis, tu t'amuses pas avec mon micro. Oui. Fildar ! C'est pas moi ! Si, c'est toi qui t'amuses. Comment je peux faire ? Et c'est quoi, c'est Léa que tu m'as mis là ? Tata. Et Tata, t'appelles d'où ? Tata, t'appelles d'où ? Excuse-moi ! Bon, allez, au revoir ! Tu peux venir ? Il est là ! Il est où ? Mais il est là, regarde ! Oui ! Bon, Tata, au revoir ! Oh là là, au revoir ! Au revoir ! Allô ? Salut, Tata ! Ça y est, t'as fini tes conneries? Mais non, mais je suis là! Oh, tu prends pas une voix de PD, d'accord? Mais dis donc, déjà, tu commences très mal, je trouve, parce que si tu commences à être aussi raciste vis-à-vis des PD, je trouve ça dégueulasse, à chaque fois que je passe sur l'antenne, c'est la même chose. Bah, si t'es pas content, c'est le même prix! Si t'es pas content, c'est le même prix, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Mais ouais. Je suis contente, je suis très contente, mais par contre, tu n'as pas à m'insulter. Ouais, bah, pour l'instant, c'est moi qui commande, alors je te dis, t'arrêtes un peu! Ok? Là, le mec! C'est clair, net et précieux, sinon tu dégages, d'accord? Bon, alors, recommençons cette bonne base, GG, parce que je crois qu'on est mal parti. Ouais, bah, on est mal parti. Pour l'instant, tu vas t'écraser, tu vas répondre à la question. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux me poser la question maintenant? Alors, êtes-vous terrifié ou impressionné par des omnis ou extraterrestres? Donc, on avait commencé avec Sus. On avait commencé, Tata, tu me laisses parler s'il te plaît, merci. On avait commencé avec Suceuse à parler des deux films, donc c'est-à-dire E.T. et V, c'est ça, hein, Suceuse, hein? Non, pas du tout, je voulais pas du tout parler de V. Donc c'est avec E.T. alors? Bah E.T., je te disais, E.T., j'ai pas eu peur, mais Aliens, j'ai eu peur. Avec Alien? Aliens, ouais. Ah ouais, mais c'est pas du tout le même film que V, ça, si. C'est des extraterrestres. Ça se ressemble, c'est pareil. C'est la Switch, je crois. Ouais. Non, mais ce qui était bien dans V, tu sais, sur M6. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai joué avec l'équipe, là. Ouais, non, mais moi, je regarde... Tu sais, on avait parlé tout à l'heure. Ouais, mais... Sur la 5 aussi, sur la 5. Le extraterrestre tout vert, là, quand il est là, il est beau. Ouais, non, mais justement, la question, on va y venir petit à petit. On est à combien, là?
Là, on est à la 8e. Ah, d'accord, ok. Mais justement, comme Suceuse, elle voulait parler un peu de E.T. Donc, Golgoth, toi, Suceuse, on en rediscute un peu après avec les autres auditeurs. S'ils veulent bien qu'on en discute un peu avant qu'on arrête, parce que normalement, c'est prévu jusqu'à 2h. Mm-hmm. Donc, je voudrais bien qu'on finisse tranquillement. Tranquillement, doucement. Tranquillement et de bonne humeur, s'il te plaît, Tata, parce que c'est pas toi qui commande et tu me coupes pas la parole, s'il te plaît, merci. D'accord, mon Dieu. Donc, moi, je voudrais terminer sur de bonnes bases. Le premier débat que je fais. Celui qui s'amuse derrière un Persan, arrête. Ah, ça jouit, hein. Donc, Golgoth 21. Ouais, bah alors, moi, en fait, par les extraterrestres, non, j'ai pas trop peur, mais là, ce qui m'a fait vachement flipper et impressionner, c'est qu'il y a peu de temps, à ce qui paraît, la planète Kist a implosé. Et bon, j'ai peur qu'il y ait des déchets qui retombent sur la planète Terre, ça serait chaud. Tu veux faire allusion à quoi exactement? C'est une planète Kist. Ouais, non, mais... dans le système solaire de Dagoba. Ouais. Et donc, à ce qui paraît, ça a explosé il y a très peu de temps. Ouais, et tu veux faire, en parlant de Kist, tu veux faire allusion... Non, je parle pas de Kist, je parle de la planète Kist. Ah, d'accord. Avec un E. Ouais, c'est pas la même chose, avec un E à la fin. Donc, pour toi... Ah ouais, ça me fait flipper, hein. C'est ce genre de truc, ça m'impressionne grave. Hein. Mais je sais pas trop. Donc, comme Suceuse disait, même Armageddon Dindon, là, si tu veux réagir aussi. Même Tata, après je te poserai la. Tu répondras à la question. Merci. Donc, comme Suceuse a disait là tout à l'heure en parlant de IT, est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, ce film-là? Ouais, mais bien sûr. Moi, j'ai ITV? Pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur. Non, IT, ouais, mais. MTV. ITV avec les infos, on continue. Non, oh là là là, t'es bouché quoi. Tata, tu l'as déjà vu toi ce film-là? Bah oui, j'ai déjà vu, moi j'étais très très... Oh, mais enfin Tata, mais à qui tu parles? Ah pardon, je suis à la radio. Ah oh, c'est ça, ouais, ah, c'est à la radio. À la radio de quoi? Bon, tu le mets en antenne. En antenne, Tata. Au revoir. Je ne veux plus vous parler. Non, au revoir. Après, ça Manu, tu lui dis au revoir. Je me gratte. Tu te dépêches. Attends, je me gratte. Une fois. Allô. Deux fois. Allô. Deux. Manu, tu sors. Oh non, déjà. Allez hop, tu lui dis au revoir, c'est même pas la peine qu'il revienne. Au revoir, c'est même pas la peine que tu reviennes. Non, mais... Mais ça y est, il est parti. Armageddon, là. Ouais, non, moi je te disais, moi j'ai pas peur, je suis pas une fiotte, hein. Mm-hmm. Je déconne quand même, on va pas se laisser emmerder par 2-3 aliens. Mm-hmm. Bah, tu vois. Mm-hmm. Et ça kiffe. D'accord. Donc, toi, Golgoth, tu l'as pas vu, toi, d'après ce que tu m'as dit, hein. Armageddon? Non. On te parle de IT, espèce d'andouille. Oui, bien sûr que j'ai vu ça, mais j'étais très jeune et je m'en souviens qu'à moitié. En fait. Qui c'est qui s'amuse à Ah non, on rappelle pas le répondeur de Mazur. Ah ouais, non, je sais pas, non, ça. Et c'est qui s'amuse, là? J'ai plus son con. Putain, hein, Manu, t'es pénible. Manu! Mais je fais rien, j'appelle personne, là. Eh mais c'est quoi cette sonnerie? C'est un auditeur qui appelle, je sais pas. Décroche de Yumi aussi, ça sonne, tu prends le rien. Tu vois bien qu'il est en main libre là, regarde. Il est en conférence là, tu vois. Il est en main libre. La... Question suivante. Ouais. Combien de sortes d'ovnis d'extraterrestres existent-ils? On va demander à Golgoth. Bah alors vu que déjà je suis... Oh putain, c'est dur là. La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre... Okay, Manu! Ok. Manu! Ok. Ah, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Excuse-moi, j'avais pas mon casque. Tu cherches celui qui s'amuse à faire ça! Ok. Donner suite à votre... Sinon, il est 1h30! C'est le cochon de base. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu dans le débat? Parce que moi, j'aimerais bien suivre un peu ce débat de merde. Ouais. Toi, déjà, pour commencer, tu vas fermer ta grande gueule. De merde. Hein, de merde, et tu vas faire ton boulot à l'aria, et c'est tout. Tu sais que t'es beau quand tu t'énerves parce que t'as les moustaches qui bandent. Et elles sont grosses. On accueille Princesse Léa à GG. J'ai pas eu le temps de foutre la zik, enfin tu comprends moi. Oh, c'est Princesse Léa, je sais bien, je connais ta galère. Princesse Léa, bonsoir. Oui, bonsoir. T'appelles d'où? Je suis fils. Et j'appelle de Paris. Donc sans internet. Je suis à Paris en ce moment. Vous vous calmez là les deux mecs? Ok Michel, impressionné quand même. Combien de sortes d'ovnis ou d'extraterrestres existent-ils alors, Princesse Léa? Alors il y en a beaucoup, hein. C'est-à-dire? Faut faire attention, entre les ovnis et les extraterrestres, déjà il faut faire une distinction.
Et il y a énormément. Il y a les gentils aussi, les méchants, tu vois. Ouais. Non, mais combien de sortes? À mon avis, il y en a un bon millier. Beaucoup de Chewbacca, beaucoup de Yoda, etc. Tu vois, il y a plein de sortes d'extraterrestres. Bon, mais c'est très, très intéressant. D'accord. Cool. Armageddon. Ouais, moi je pense que c'est carrément incalculable. Complètement. Non, mais tu peux préciser. Parce que non, je peux pas préciser. Je te dis que c'est indénombrable, donc ça veut dire qu'on peut pas, préciser. Justement, ils sont tellement nombreux que je sais pas, il faudra des années pour compter tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà. Et c'est ça. Moi, je crois qu'il y en a autant que de terriens. Alors, autant d'ovnis d'extraterrestres que de... Et re-bienvenue sur le répondeur de Monsieur Mazur. Ouais, enfin. Tu es une grosse cochonne. Tu as déjà appelé et dépensé 4875 francs tout à l'heure pour te faire lécher le pantoral. Manu, une fois, désormais, Manu. Tu veux jouer avec ta voix. Manu, je te jure sur ta tête que c'est pas moi. Bon, alors je sens qu'on va dire... Tu veux une branlette espagnole à la race Abian. Je sens qu'on arrête. Sur la touche numéro 2. On va arrêter. Donc on va arrête le débat. On arrête le débat. On demande. Gérard, je coupe la serre ou pas? Tu coupes tout, arrête, on a terminé, c'est fini. Non mais non. Alors c'est toi qui t'amuses à faire ce con. Mais non, je viens de couper l'insert moi. Alors de toute manière, c'est simple. Tu mets les auditeurs, je dis au revoir et c'est terminé. Voilà, ça fait déjà 3 fois que ça se produit. Mais je coupe l'insert moi, je peux pas faire plus. Non, ça vient pas d'abord celui. Je coupe l'insert, regarde. Pour éplucher, regarde. Tu vois, petite carotte. Je coupe l'insert moi. Eh, c'est quoi le voyant vert là qui clignote? Voilà. C'est des gens en attente? Non, non, mais, tu les mets en... rapprocher, c'est coucou. Tu m'éteins ça, s'il te plaît! Mais je peux pas, c'est pas moi! C'est qui? Bah, je sais pas! Nous te conseillons pour cette opération de te... Bon, allez hop, c'est terminé! C'est terminé, le premier débat! Le premier débat du jeudi par mois! Bien, foire! On a foiré de tous les côtés, donc on y est! On fait la conclusion et c'est tout! Il y a du monde qui revient sur l'IRC. Manu, c'est terminé, tu me coupes tout! Coupe-lui tout, s'il te plaît. Ok! Faut des grosses cisailles quand même. Tiens, je vais te mettre une grosse cisaille sur le coin du museau, tu vas voir! Qui coupe le métal et tout. Hein? Eh Noémie, faut pas... Eh, faut pas... Ouais, non, mais faut pas dormir, hein, pour... Mais est-ce que tu veux que je passe à l'arrière, Gérard? Non. Ah non, si tu mets l'autre, viens, file avec moi. Non, il reste là-bas. Bon, c'est simple. C'est où? Tu calmes... Deux choses. Une, dis-la. Déjà une, toi, tu perds... Une. Toi, déjà, pour commencer, tu vas faire ton boulot correctement. Deux. Et de deux, au standard, vous faites votre boulot. Trois. Et trois, vous fermez vos gueules. Voilà. Ça marche. C'est un bon point, ça. Alors, je préviens, je recommence. Il reste plus qu'à peine une demi-heure. Si j'entends encore Monsieur Mazur, je coupe, j'arrête carrément d'entrer. C'est simple, clair, net, précis. J'irai pas jusqu'aux 11 questions. On en a la 8e, là. Non, 9e. Putain, ça passe. Donc, la question, c'était combien de sortes d'ovnis ou d'extraterrestres existent-ils? On en était avec... Vous êtes à l'antenne. On est à l'antenne. Manu, dis le plus fort, Gérard. Je peux pas leur dire, c'est à toi de leur dire. Je peux pas leur dire. Tu as sussauté les coucouilles de Gérard. Et tu es vivant ou vivant. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. C'est fini ce coup-là, j'avais bien précisé. Mais donc... Non, mais c'est à toi que t'as fait toi commander. Terminé. Manu, c'est terminé, tu dis. Non. C'est fini. Depuis 2 heures, il y a l'animateur n'est pas arrivé. Ouais. C'est quoi là que tu me fous comme merde? Là pour l'instant, t'es en train de foutre de ta merde. Tu la fous déjà. Tu la fous pas la semaine avec Max, mais avec moi tu la fous. Ah mais c'est terminé. Ça, je fais pas caca et là je fais une grosse. Ouais, tu as calmé tout le monde et rapidement. Ça y est. Non, mais tu vois, c'est pas. Ça y est. Tu l'as fait tout de suite. Non, ça y est. Gérard, il n'y a pas de soucis. Sur IRC, il y a beaucoup d'internautes qui aimeraient bien savoir ce qu'on peut gagner une fois qu'on t'a coupé les couilles sur le répondeur de Monsieur Mazur. Il n'y a rien du tout. À gagner, c'est tout. Ils passeront chez Bob demain matin, ils lui demanderont. Voilà, comme ça, ils verront. Ils verront ça avec Bob. Ouais, génial. Alors, Golgot. Ouais. Donc, pour toi. Moi, je t'ai bien répondu, en fait, Gérard. Non, tu m'as pas répondu, j'étais à Arma. Ok, donc 25, ça va être 37, il doit en avoir pas plus, hein, à mon avis. Parce que ça s'est arrêté à Golgot 37, donc il y a eu 37 prototypes. C'est des antiracs, quoi. Ouais, après, c'est des antiracs, donc ça doit faire une cinquantaine, en tout cas, à peu près. D'accord. Ouais, bah, disons, en fait,
la différence, c'est qu'il y a un pilote dans les Antirac et pas dans les Golgoth, en fait. C'est ça la différence. Golgoth, il est télécommandé, en fait. Gérard, en tant que Golgoth, j'ai un gros pouce et j'aimerais savoir si Sandy est OK pour me le sucer. Alors, Golgoth, au revoir. Quoi, Golgoth, au revoir. Ouais, tu lui dis au revoir, ça y répondra. Faut le faire gueuler, le moustachu ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Ah merde, pardon. Oh merde, mon micro, putain. Tout à l'heure, toi, ça va te faire gueuler le carton de CD sur le coin du museau, toi. Je crois que tu as ramassé les CD tout à l'heure, toi. Oui. Oui, sur IRC, une petite question de Snooze pour calmer le débat. Il voulait savoir de quelle Snooze planète. Snooze Noogie Dog. De quelle planète viennent les extraterrestres? Ils viennent d'une planète comme les ovnis. Donc le nom de la planète, j'en sais rien. Parce qu'on ne sait pas si sur quelle planète ils sont exactement. Donc je peux pas trop lui répondre. Mais depuis tout à l'heure tu parles des ovnis, mais c'est comment physiquement un ovni? Un ovni, c'est un genre de soucoupe volante exactement. Mais de manière Il y a quoi dedans? C'est des extraterrestres, c'est les bonhommes verts qui sont dedans. De toute manière, je sais pas, j'entends. Ils sont verts comme les schtroumpfs? Non, les schtroumpfs ils sont pas verts, ils sont bleus. À mon avis. De toute manière, si vous voulez savoir exactement ce que veut dire le mot ovni et tout ça, vous attendez mardi avec les frères Bogdanov qui seront là justement pour en parler. On te l'a dit déjà ce que ça voulait dire. De quoi? On te l'a dit ce que ça voulait dire, c'est objet vibrant non identifié. Ouais, vous leur demanderez quand ils seront là parce que ça m'étonnerait que ça veut dire ça. Ouais, Alors qu'il est vivant, il est idiot. Ouais, c'est ça, c'est ça, raison. Dis bien des conneries parce que tout à l'heure, toi, t'es resté pour l'instant, t'as pas dit trop de conneries. Si tu commences vers la fin, tu risques de pas finir le débat. Jusqu'à 2 ans de prison ferme. Oh là, il y a la radio. Bon, mais c'est pas mal, qui sait qui met la radio là? Je suis pas là, ça y est, c'est la merde, moi. Bon, y a, on a personne à la place de Bah justement, j'attendais que... Voilà. Donc on accueille Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir Patrice, t'appelles d'où? Je rappelle de Paris. C'est Mogda, en fait. J'ai congé le standard. Salut Mogda. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, c'est cool. Bon, oui, je parle des éclatures, je remarque un truc. Salut Gérard. On t'avait déjà pas dit au revoir, toi, tout à l'heure. Et voilà, ça recommence, comme d'habitude. On va dire au revoir alors que j'arrive. Mogda, t'as vu des extraterrestres? Patrice, là. On n'a pas encore parlé des extraterrestres, moi. Pourquoi, Gérard? Non, mais attends, On l'a déjà pas eu, là, tout à l'heure, celui-là. Non, c'était il y a 6 mois, c'est pas grave, mais ça, c'est l'alcool, tu perds la notion du temps. Tu devrais m'en boire. C'est ça, t'as raison, dis bien des conneries, toi, surtout que j'avais arrêté, d'accord? Tu bois tout, Gérard. Ouais, toi tu aussi. Tu bois tout, après, avec ta grosse, et après, tu sais plus quoi dire, ce que tu dis. Alors, Patrice, ma grosse, ça te dit les 5 lettres. Ma grosse, ça te dit les 5 lettres, et je te dis au revoir. Au revoir, Patrice, terminé. Au revoir, Manu, tu lui dis au revoir. Tu le vires, carrément. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. On ne parle jamais de moi. Bonne nuit. Allez, c'est ça, bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça. Va chercher des bananes, allez, bonne nuit. Hop. Adieu, j'ai vendu. Tu veux des bananes? Allez, demander gentiment. Alors, princesse Léa, pour toi. On va faire des excuses quand même. T'as déjà répondu. Armageddon. C'est fait, pareil. Pareil, suceuse. Idem. Alors, on passe à la 10e. Attends, avant, j'ai... Voilà. Ça commence à poquer. Ouais, un petit coup de cheat là, ça fait du bien. Tu arrêtes s'il te plaît. Attends, ça poquait. Alors la question, pensez-vous pourrez, ouais, moi je pense pourrez bientôt. Pensez-vous communiquer avec un extraterrestre sur avec un ovni sur l'internet? On va demander ça à suceuse. Ça dépend en fait s'il a un... Fildeur, ferme ta bouche. Filou. S'il te plaît, merci. C'est normal, il a entendu. Suceuse. C'est une grosse suceuse, celui-là. Suceuse. Je t'avais déjà dit qu'il fallait un super grand fil. Attends, on a jamais parlé de l'internet encore, c'est la question. Si, il y a 6 mois avec Mozart. Ouais, Ah bon, toi tu reprends déjà les débats d'il y a 6 mois, toi. Bah toi aussi, hein. Celui-là, ça fait exprès, d'accord? Ouais, c'était il y a 3 ans en plus. Ouais, en plus, alors. Donc, alors oui ou non? Oh! Oui. Oui, bah oui. Oh là là. Bon, suceuse! Il reste une question. Où tu travailles, où tu vas dormir? Non, mais écoute-moi, je suis en train de te répondre, là. Bon, alors tu réponds correctement à la question. Donc l'extraterrestre, il a baissé dans son ovni. Un ovni. Donc il a baissé dans son ovni. D'accord. C'est quoi un
que c'est, Gérard? C'est un système pour avoir l'internet portable. Portable. D'accord. Ouais. Je crois que c'est un pauvre con. Armageddon. Oui, c'est un pauvre con comme toi, de toute manière. Voilà, comme ça, je te renvoie la balle. Donc, Armageddon. Armageddon, ouais, je pense que ouais, forcément, parce que voilà, c'est tout, c'est la logique. Mmh. Tu veux, c'est des gens qui ont atteint un niveau de technologie élevé. Mmh. Et il serait quand même dommage qu'ils en soient encore à l'époque du Morse, tu vois. Ouais, d'accord. Mais je sais pas si à l'heure actuelle, le Morse, ça existe encore. Hein. Non, par contre, je sais qu'il y a des phoques. Mmh. Ouais, mais ça, de toute manière, il y en a beaucoup partout. Ouais. Mais je pense que faudrait savoir si sur l'internet on pouvait nous. Attends, si quelqu'un. Rigo, est-ce qu'on peut faire du Morse sur l'internet? Justement, j'aurais voulu savoir si à l'heure actuelle ça existe encore le Morse. Je pense que ça doit être terminé tout ça. Non, avec des points et des traits. Dans le Nord, il y en a. Regarde. Là, ils sont en train de communiquer en Morse, les gens. Banquise, mais attention, c'est du Morse numérique. Ouais, c'est du Morse numérique. Prince Léa, pour continuer pour répondre. Ouais, Princesse Léa, quand même. Princesse Léa, excuse-moi, oui. C'est pas grave. En tout cas, oui, je suis d'accord avec Suceuse. Faudrait déjà qu'ils soient connectés au câble dans leurs ovnis, quand même. Parce que sinon, je vois pas comment ils peuvent se connecter à Internet, hein. Ouais, mais de toute manière, je pense que je sais pas comment qu'ils pourront faire pour avoir l'internet s'ils ont pas le matos pour. Hein, d'ailleurs. Et en plus, il faut qu'ils aillent au téléphone. Il faut qu'ils parlent la même langue que nous aussi. Vas-y, finis. Non, mais attends, 5 minutes. 5 minutes, je prends un auditeur, tu parleras après, toi. Mais non, mais c'est un fil, c'est intéressant. Non, mais tu me donnes l'auditeur, tu me donnes le nom de l'auditeur pour l'aider. C'est Flamme. Flamme, bonsoir. Bonsoir. Flamme, capitaine Flamme. Fédard, tu m'arrêtes ça. C'est pas moi, attends, tu chies ou quoi là? Flamme, tu m'éteins ta musique s'il te plaît. Ok, c'est parti. Merci. Oh, putain, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, Bionic. Je suis en misère là. Ah bah alors, si t'as plus de... C'est pas grave, tu peux me rappeler au même numéro avec un téléphone filaire, merci. Eh bah alors, tu vois ça avec Manu au standard, au revoir. A tout de suite. Eh bah c'est bien. Celui-là, il a fait que l'aller-retour, c'est pas mal. Noémie. C'est vrai que ça lui arrive souvent. T'accouches dans un auditeur. T'as personne là? C'est son téléphone. J'ai tout donné à Manu. C'est une merde. T'as des contractions au niveau du standard ou pas, Noémie? Non mais attends, Noémie. Oui. Qu'est-ce que c'est là, que ce bordel là? Comment ça se fait que t'es pas capable d'appuyer sur une touche et de prendre un auditeur? Je vais pas m'inquiéter sur le territoire de Manu, voyons. Donc tu te débrouilles. Fais tu m'éteins la double sens, s'il te plaît. Merci. Donc Noémie, tu te débrouilles. En moins d'un quart d'heure, je veux un auditeur de ta part ou sinon, le prochain débat, tu ne le feras pas dans les studios. C'est ta chance. Alors tu te débrouilles, t'as tu un quart d'heure. Chez toi avec du champagne. Alors tu te débrouilles. Tu cherches un auditeur, qu'il soit auditeur ou détrice, n'importe, il reste un quart d'heure d'émission. Je veux un auditeur potable. Fildar, s'il te plaît, tu m'éteins le double voix. J'ai rien, moi. Je crois qu'il t'entend pas. Non, mais je sais qu'il est bouché, il doit mal se laver les oreilles ce matin, cet abruti. Bon, alors, qui c'est qui n'a pas répondu avec? Question, Fildar, tu arrêtes. Je te fous pas de ma gueule. C'est pas moi. Si, c'est toi. C'est pas moi. Tu vois que c'est toi parce que tu retires ta main. Regarde, y'a rien. Ouais, alors tu arrêtes tout de suite. Putain, arrête. Tu arrêtes. Tu dis rien. De toute manière, c'est le dernier débat. Fais pas de saigne. Fais pas de saigne, y'a des gens qui écoutent, putain. C'est le dernier débat que tu feras avec moi maintenant. On n'est pas chez soi ici. C'est le dernier débat que tu feras avec moi ce soir. C'est vrai, tu reviens plus à la fin. Noémie, tu te réveilles là, s'il te plaît. Misérable. Il te reste un quart d'heure. Mais c'est l'écho de la radio. C'est l'écho du mec. Je m'en fous, c'est toi. Écoute, ma biche. C'est toi, je suis pas ta biche, je se couche pas avec toi, d'accord? Pas de scène de ménage devant tout le monde. Écrase. Dépêche-toi. Écrase. De manière, j'attends que Noémie nous trouve un auditeur. Ah, ok, bon, je dors un peu. Ah bon, on va aller bouffer un truc. Ok, tiens, tu peux me chercher un café, Manu? Je vais aller pisser. Hein? Oh, Noémie, tu te dépêches, hein? Non, mais tu te dépêches parce que là. Tu veux un truc? Tu veux un sandwich, un truc? Non, parce que je voudrais bien un verre de coca. Toi, tu vas te caresser les fesses déjà? C'est clair. Eh, les mecs, vous savez quoi? Vas-y, on va trouver quelqu'un, Noémie. Yes. Non. Allô? Allô? Ouais, je suis de retour, Captain Flamme. C'est ça que tu m'as trouvé? Ah non, j'en veux pas. Tu lui dis au revoir. De retour, oh non. Tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. Tu le reprends son air. Tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir.
T'as quoi là? Quelqu'un d'autre. Je vais le faire. Bon, on en est où dans le débat? C'est un débat sur quoi déjà? Donc, maintenant, on attend que Noémie nous trouve un non, mais c'est pas grave, tu peux rappeler qui tu es, pourquoi t'es là, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? On va faire la dernière question. C'est pas grave. Bah oui, il reste plus qu'un quart d'heure donc. Il restait pas un sondage? Non, parce que les deux sondages qui restaient, je les fais pas parce que. Bah, attends, il y avait des trucs vrais, hein. Des trucs à la con. D'après vous, d'où viennent les extraterrestres? Ah, c'est intéressant ça. Bah ouais. Il est où le nid en fait? Il faudra trouver la route. Ah bah ouais, j'ai pas fait celle-là. Il y en a une que je t'avais dit non. Et laquelle? La première, 68% répondent qu'ils ne le diront jamais à un connard à moustache. Ouais, bah ça, de toute manière, c'est même pas la peine de le dire. C'est pas grave, on le dit pas. Bah tu viens de le dire, espèce d'andouille. 50% pensent qu'ils viennent du 92 et qu'ils sentent leur mort. Ouais, bah dans ce cas-là, tu sens le rat pourri parce que tu viens de 3, d'accord? À 3, il y a que des rats pourris comme toi. Oh la réponse géniale. Et 10% disent quoi? Ils disent d'une autre planète où tout le monde sera se découille. Alors là, je vais te dire une chose. Tiens. Tu vois, un sondage comme ça. Hop. Voilà. Tu le prends dans la tête. Alors, dernière question. Qui vise bien quand même. Est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec un extraterrestre? Et pour ça. Je t'assure, il est en plein dedans. Oh là là. Et pour ça. Mais arrête, j'accueille un auditeur. Là, c'était dans le micro. T'en veux pas? Je t'explique au fur et à mesure. Le quatrième auditeur, t'en veux pas? Pour terminer, oui, voilà. Parce que c'est le dernier, c'est la fin du débat. Voilà, on accueille Poussin. Il a très loin sans de cartonner sa femme. Salut, c'est moi Poussin. Salut Gérard. Salut, ta fréquence. 92.7. Ok, donc dernière question. Dernière question, est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec un extraterrestre? Donc c'est par rapport au film V pour ceux qui l'ont vu. Alors Poussin. Si je me rapporte à la série, c'est possible, puisque à la fin il y a eu un bébé lézard et tout. Mmh. Mais ce n'est que de la fiction. Bah oui, mais ça justement c'est par rapport au film V, parce que moi je la suis pas cette série, j'aime pas trop. Donc apparemment d'après ce que tout le monde dit, donc même Fuller m'en a parlé quand il m'a appelé. Ça c'est perso, je le dis à personne. Justement il paraît que à la fin il y a des enfants, donc c'est pour ça qu'on a fait illusion. Et moi, les seules relations sexuelles avec les extraterrestres que j'ai eues, c'est que je me suis pris pas mal de pouces dans les fesses, mais sinon ça cartonne bien, c'est sympa. Poussin. Ouais. Tu vas commencer. C'est un petit pouce, le bébé pouce. Ouais. C'est un bébé pouce qui va fermer sa gueule pour l'instant, que je continue avec Princesse Léa. Pas de problème, je la ferme. Voilà, merci. Okay. Princesse Léa. Oui, donc, écoute, d'après mon expérience personnelle, les extraterrestres, c'est vraiment des bons coups, quoi. Oh, le studio d'à côté, il est pas encore là de mettre de la musique. Merci. Alors, Princesse Léa. Oui, donc, je te disais, oui, c'est vraiment des bons coups, les extraterrestres, sérieusement. Surtout ceux qui ont plusieurs queues. Mm-hmm. D'accord, mais t'as pas vu le feuille tomber, alors? Si, bien sûr, et justement, tu vois, à la fin, il y a un petit bébé, quoi, donc mm-hmm. C'est possible, là. Ouais, de toute manière, je pense que même par la... Je crois que par la suite, il y en a d'autres aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Hein. Mmh. Je sais pas ce que t'entends, Gérard, mais c'est un peu pourri comme série. Ouais. Non, mais moi, je la suis pas, cette série, parce que ça me plaît pas. Alors, Armageddon, continuer. Bah écoute, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'il y a dans V, il y a une frisée, là, une petite meuf qui se fait culbuter par un lézard. Moi, je trouve ça repoussant, mais bon, après tout, chacun son truc. Hein. Il y a des gens, je sais pas, ils sautent des chiens mystères, tout ça. Moi, je dis chacun son truc, chacun sa vie. Et tu veux faire allusion à quoi avec tes chiens mystères, là? Tu peux... À la zoophilie, si t'arrives à saisir l'essence de son... C'est compliqué, mais bon. Ouais, d'accord. Non, mais fais gaffe quand même à ce que tu dis. Bien serré. C'est ça. Ancienne, s'il vous plaît. Poussin, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Ok. Gérard. Oui, sur IRC, il y a des gens qui réagissent à ta question. Il y a Yankee, par exemple, qui dit que c'est possible un extraterrestre et un humain, vu que toi, t'as bien sauvé Willy.
N'importe quoi. Alors là, je vois pas du tout le rapport avec. Le rapport, c'est Willy, quoi avec la... Tu vois pas le rapport. Bon, bah, c'est pas grave. C'est qui vient de dire ça? C'est Poussin? Ah non, c'est pas moi. Poussin, Armageddon. Non, on reconnaît les voix, moi j'ai une voix d'homme. Non, ouais, ben, faudra peut-être. Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes, parce que tout à l'heure, c'est ça que tu vas te prendre là. C'est ton micro, Gérard, c'est pas moi. Ouais, c'est mon micro, surtout que tu t'amuses à appuyer sur des boutons. D'accord. J'ai appuyé option sur des boutons. C'est pour terminer. Et le rapport avec Sauvé Willy, c'est la taille, le poids et l'odeur. C'est bien, j'en ai rien à foutre. Suceuse pour terminer. Le poids et l'odeur. Suceuse pour terminer le débat. Merci. Il est là, Mala. Il est là, Mala. Ça, c'est clair, on dirait Mala. Ouais. Pour te répondre, oui, c'est pas de problème, quoi, s'ils ont des grosses bites. D'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que cette série-là, j'aime pas, et puis je vois pas comment que... Je vais lui mettre un pour ça, c'est le reste. Armageddon, tu te calmes, s'il te plaît. C'est pas moi, voilà. Bon, donc, on va faire conclusion du débat, parce que ça m'énerve. C'est Craig, ouais. C'est Craig. Bonsoir à tous les gens de Megara. Ah, il me pète les oreilles, tu m'étonnes. Tu m'as pété. J'ai plus rien. J'ai plus rien à droite. T'as pété les niveaux, j'ai plus rien à gauche. À combien compte Fulda, tu arrêtes, s'il te plaît. Oh là là, tu cries. Ah, c'est marrant, tu cries, ça monte, tu te calmes, ça redescend. Les gens de Vega aussi. Alors vas-y, enchaîne ton débat là. Non, mais c'est terminé maintenant, on fait la conclusion et c'est terminé. Oh là là, regarde. Non, mais vous faites. Fais-moi ça là. Et puis toi, t'arrêtes avec ton double son, d'accord? Ok. Un des auditeurs de décrocher son téléphone. Celui qui a le téléphone qui sonne, arrête aussi, ça m'énerve. Bah qu'il le décroche. Oh, tu décroches, tu réponds, tu lui dis que t'es occupé, terminé, au revoir. Manu, Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît. Tu arrêtes. Tu fais rien. Oh, j'ai pas de pro, t'es un coup là. Regarde. Tu fais rien, qu'est-ce que tu viens de faire à l'instant? C'est l'insert, ça. C'est l'insert. C'est ça, c'est l'insert. Ouais. Je vais péter un coup. Bon, vous arrêtez avec le téléphone. Lâche-toi, quand on en est, c'est bon. Ouais, on peut y aller. Suceuse. Ouais, grave. Je vais péter un coup, il est tombé. Conclusion. Alors, pas déjà, vas-y, finis ton travail. C'est terminé. Vas-y, finis ton travail. C'est terminé. Il reste 5 minutes. C'est terminé. Non, 40, je crois qu'il reste au direct. Allez hop, c'est terminé. Tu termines. Suceuse, conclusion. Ouais, GG, pour conclure, c'était pourri, quoi. Tu veux pas essayer de nous relaxer un peu, GG? J'ai 3 ans. Et Je t'emmerde. Ah, tu m'emmerdes, et bah moi aussi. Alors, va te faire foutre, suceuse, au revoir, bonne nuit. Armageddon. Bah écoute, malgré l'épaisse, ça a été un bon débat. Moi je pense qu'il y a des gens malades, faut qu'ils se soignent, là on entend, ça a l'air de faire mal. Sinon je pense que... Oh là là, Gérard, je peux pas, là, il y a l'odeur. Non mais laisse tomber, c'est... Fais-le, tu arrêtes. Mais tu fais rien. Arrête un peu, regarde, y'a rien. Ouais, assieds-toi, y'a rien. Ouais. Arrête un peu maintenant, hein. Y'a rien, j'essaie. Toi, biche. Mais regarde, t'es vraiment un cave. Vas-y, tu le fais exprès. Il y a de la même recherché quand même. Donc, Armageddon pour terminer. Ouais, je pensais que le débat était bien. C'est dommage que l'équipe ait foutu le bordel. Bon, bah ça change pas, de toute manière, c'est tous les ans. Oh, s'il vous plaît. Manu, t'es à ton micro. Moi, je suis le mec. Oh là là. Moi, je pense. GG. Vous êtes bien les deux enfoirés de l'équipe, hein. Les deux PD de l'équipe, c'est bien vous. Princesse Léa pour conclure. Attends, non, mais c'est le deux là, c'est. Il a pas fini. Oh, tu t'écrases, s'il te plaît. J'ai pas fini. Toi, tu arrêtes. Mais il fait rien. Il répond à ta conclusion. Oh, le mec. Dégage. Dégage, je s'en mets une de ce coup-là. Vas-y, rends ça à ta place. Reste à ta place. Vas-y, assieds-toi, mon biquet. Peut-être casser tes os de poulet. Ouais, tu vois. C'est terminé, tu fais plus partie de l'équipe avec moi. Regarde ta hanche, elle est oxydable. Ah, c'est clair. Donc, Armageddon pour terminer. Je vais rajouter un peu d'huile sur le feu. Moi, je pense qu'après ce que Fildar t'a fait, moi, je le courserai dans les couloirs et je le savaterai. Non, mais t'inquiète pas, de toute manière, c'est le dernier débat qu'il fait avec moi, alors. Moi, je pense. Princesse Léa. Ouais, mais moi, écoute, je te dis, j'ai beaucoup appris dans ce débat. Surtout, j'ai eu la preuve que pour être aussi con, c'était forcément l'extraterrestre. D'accord, eh ben, toi, pour être une princesse, faut vraiment être taré. Bonne nuit à toi. Et Poussin, pour terminer. Bah, moi, j'ai pas vraiment de conclusion. Je voudrais juste savoir, j'ai entendu une rumeur. Roselyne, elle suce encore son pouce ou pas? Roselyne, à ton merde, et je te dis au revoir. Merci, salut. Voilà. Donc, conclusion sur l'IRC, on peut savoir à combien on a terminé. Alors, on a terminé à 8742.
ce qui est pas mal pour une reprise. Et mis à part Snooze qui te kiste énormément, on a quand même quelques conclusions au passage sur ton débat. Il y a Yankee qui dit que comme TF1 a la gaffe et son extraterrestre le Big Bill, Fun Radio a Max et le Big Beauf. Alors tout est possible, sans aucun doute, etc. C'est exclusif. Sinon, conclusion, il y a Perfora, ses fesses de bab qui retiennent ta grosse extraterrestre en otage à l'accueil d'RTL. Faudrait peut-être que tu te dépêches de finir. C'est ça. Ça a l'air chaud. Allez, pour en bas. Et tous ceux qui ont entendu l'appel à avoir des extraterrestres au Trocadéro, c'était pas des extraterrestres, c'était des gens qui distribuaient des tracts Sodom Tour. Alors, Gérard, si tu pouvais quand même. Non, mais de toute manière, c'est même pas la peine qu'ils y aillent le 26 parce qu'il y aura rien, donc c'est pas la peine de vous déplacer. Attends, il y a la grosse de Gérard qui est en bas. Mais la grosse, ça t'emmerde, espèce de connard. Il est l'herbe. Oh, pardon. Et la tienne, elle est en train de se faire sucer. Oh, excuse-moi, je suis l'herbe. D'accord. En privé. Pardon. Donc, c'est terminé. Terminé les conclusions. Ah non, conclusion, excuse-moi, je peux encore t'en sortir quelques-unes. Conclusion de Snooze, un extraterrestre comme un ovni, c'est tout ce qui ressemble à un terrien avec un déguisement. D'accord. Bah moi, pour moi là. Tu mets un peu de musique pour la fin quand même. Vas-y, ta conclusion. Tu mets ton sang. Ok, on peut même pas se marrer quoi. T'as enduré une prison. Ma conclusion. Mais quoi? Éteins ça! Une fois! Ah, allez, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que vous foutez là? Tu demandes à... C'est la merde. Voilà, attends, on fait la conclusion, dis au revoir. Ah ouais? Dis au revoir, eh oh! Et refuse de se mettre. Ah ouais, Gérard, vas-y. Son conducteur. Certains. Fais gaffe, toi, parce que tu as morflé. Putain. Mais c'est pas moi. C'est pas lui. Il a. Mais faut éteindre ça. Ouais. Conclusion du débat, c'était le bordel avec Manu Fildar au standard comme à la Fildar. Demain matin. Avec Fildar au standard, c'est le bordel. À l'arrière, c'était le bordel. Manu qui a rien foutu, Noémie qui a pas voulu épauler Fildar, Manu. Donc c'est ça. Ça a été un vrai bordel, donc c'est terminé. Si tu veux chuchoter les pétons. Bien que Rick, on a fait bien le débat. Donc, Manu à tous, vous allez retrouver Rousseau. Au revoir. Si tu veux lui chuchoter les poils des Fildar, appuie sur la touche. C'est qui, connard? Quoi? J'ai pas de micro, moi. Allô? C'est qui est à l'aria? Bah, je sais pas, c'est moi. C'est qui prend après? Bah, c'est toi. Bah, ça dépend, ah, tu veux lequel. Eh, mais vous fermez vos gueules, vous savez pas qui c'est qui... Vous travaillez ici, vous savez pas qui c'est qui reprend. Mais y'en a plein qui sont chauds, là. Tu peux les prendre, C'est qui veut, là? Levez la main. C'est qui, espèce de connard? Les quatre, là, ils veulent te prendre, hein. Y'a pas de problème. C'est qui reprend, là? Bah, je sais pas, moi. Putain, vous êtes... Vous êtes des branleurs, hein. Bon, attends, on va se faire jouer à Pierre Ciseaux Feuille. Vas-y, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est moi, la nuit sans pub. Non, mais arrêtez, c'est qui? C'est qui? Hein? J'entends rien, ce que tu dis. Vous êtes bouchés. Olivier de la Pro, tu veux faire la nuit sans pub? La nuit sans pub. Tu peux pas, t'as des trucs à faire? Ouais. Mais il a les fun embrouillés. Mais quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est lequel alors, Manu? Mais je sais pas, moi! Bah attends, mais c'est. Y'a un animateur dans c'est le. C'est qui? C'est sûr, parce que ça l'énerve, ça le. Qui viennent, hein? Fille le taxi? Non, mais c'est qui? C'est quand même je incroyable, sais, les mecs. Je sais pas. Non, mais vous avez vu le bordel ce soir, l'émission? Bah attends, je vais me renseigner, je vais appeler la direction. Non, mais attendez, c'est pas du boulot, ça. Combien on finit sur internet? On a fini à 8800. Ah, on a monté entre temps, 8824. Ah, 8824. Non, mais c'était le bordel, alors c'est simple, je pense que le mois prochain, on verra. Ah Noémie, t'as rien foutu. Non. J'ai fait mon possible. Non, toi aussi, putain, tu fais pas ton... Voilà, c'est qui? C'est moi. Voilà. J'ai dit ton nom. Voilà. J'ai pas de nom. Voilà. Bah, il a pas de nom. C'est pour ça, on est emmerdé, quoi. Putain. T'as pas de nom. Ah non. T'es un mec qui vient faire la nuit sans pub, sans nom. Exactement. Eh ben, c'est bien. Alors, donc, c'est lui.
Conclusion, de manière, comme j'ai dit, ça a été le bordel. Donc, c'était le bordel avec l'autre à l'arrière qui a rien foutu. Rangé, hein, qui foutait sa merde avec les doubles sons. Au standard, c'est encore pire, c'est la catastrophe complète. Ça a été la catastrophe. Il n'y a que sur l'IRC que ça a bien fonctionné, c'est tout. Il n'y a que l'IRC qui fonctionne bien. Oui, ça parle pas, c'est normal. Au moins, ils sont moins cons que vous, parce que quand il y a des questions, ils nous les donnent. Ils s'amusent pas à faire des conneries comme toi. S'ils parlaient, ils te diraient tous que ta mère, elle va jumper. Bon, enfin, bref, on s'en fout. Alors, on va s'écouter le petit Roswell avec ils ont pris mes fesses pour un trou noir, c'est pas mal. Et les partouzes martiennes avec tes grosses antennes m'excitent la ma cochonne, bien sûr. Et donc, vous allez retrouver, donc, je sais pas qui pour la... C'est lui. Bah, c'est lui, on sait pas qui c'est, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière d'autre dimanche non, t'es où toi ce week-end? T'es à la loco, y'a rien? Dimanche, c'est soir. C'est quoi toi dimanche? Moi, on peut faire un truc si tu veux. Ouais. Dimanche, toi, tu vas venir bosser avec Max, ça va te changer un peu les idées, parce que comme invité d'honneur, t'as... C'est qui? William Beat. C'est moi. William Beat. Donc, pour la nuit éclectique... Il y a la nuit guest pour ça, sans et... T'as raison, on écrase. Et donc, Balam nocturne à minuit, ça sera... Balam. Le Larsen, merci. Et ça sera combien de... Oh ! Merci Manu, quand même, quand je parle, ça sera combien de... Manu ! Oh ! Hein, quoi ? Eh, gros con ! J'entends rien. Ouais, t'es bouché, ben t'as qu'à te faire déboucher les oreilles. Tu lui coupes son micro. Putain, j'ai écouté un canif. Noémie, je vais brûler le câble. Là, Noémie, tu m'éteins le micro, s'il te plaît. Je vais te l'éteindre, mais ça va être la 1036e mode éclectique. Combien ? 1036. 1036 déjà ? Attends, ça passe, hein, mon con. Hein. T'as bientôt 60 ans. Hein. Mon con, allô. Bon, Gérard, t'accouches ? Oh là là, hey, là, le micro ! Oh, le micro, Noémie ! C'est un an, putain ! Voilà, coupe le casque. Bon, ça m'étonnerait que ça soit la 1036e. Hein. Non, je sais plus combien c'est, n'importe quoi. Bon, enfin bref, donc... Ouais, puis... faut envoyer le 10 parce qu'on va au Queen, là. Bah ça y est, je te les ai annoncés, espèce d'andouille. Bah bientôt, on va au Queen, va te laver. Eh ben, va te laver les fesses toi-même, mes connards. Et donc, on salue, je salue particulièrement... Salut tout le monde, à part les deux branleurs qui ont rien foutu. Donc Rigo, ben, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci, bah toi et aussi. Et puis, hein. Donc, on a reçu un mot du cuistot du foyer qui passe le bonjour. On espère te revoir pour le réveillon de l'an 2000. Pour la fin mars, sur le débat qui va porter sur les routiers de la Sibylle, justement. Oh, ça pue, en espérant ça daube. Oh, les routiers, que les deux caves se calment, parce que les routiers vous emmerdent à tous les deux, vous êtes bien contents de les avoir pour avoir votre essence, d'accord? Ah non, moi alors, en de bon entendeur, salut. Attends, mais moi, je roule au GPL, j'ai rien à branler. J'ai rien à branler des routiers, je roule au GPL. Oh et ça sent. Les routiers, de toute manière, ils sont moins cons que vous. Et heureusement qu'on les a, parce que sinon, on n'aurait pas d'essence, d'accord? On n'aurait pas de grève, sinon, c'est vrai. Ouais, ben, heureusement qu'on les a. Donc voilà, donc, sur ce, bonne nuit à tous, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je sais pas. Peut-être dans la semaine, il y a peut-être des surprises. Hey yo, rude boy! All the girls them tune again, yo, go see me again. POS, Jaguar, Dog, and SB1. Chop! Hey, girl, all the girls are prostitutes. Eux deux là. Bah ouais, j'avais tout saboté, vous avez. Et je te préviens. Ouais, j'ai récupéré deux personnes qui écoutaient plein ce soir. Je peux être sûr que demain je vais. J'ai des échos. Hein. Pourquoi? Et Noémie, c'est la dernière fois que je te demande de participer au standard. Hein. Attends, je te demande de prendre des auditeurs. T'en as pris aucun, t'as laissé les lignes sonner. Comment ça se fait ça? Et pas assez rapide. Ouais, mais putain, c'est pas son taf. Eh oh, moustache. C'est pas son taf à la base. Hey. Bah ouais, mais quand même. Ouais. Et quand elle était avec toi pendant que Manu il était pas là, alors comment que ça se passait? C'était toi qui faisais tout. Bah oui, je faisais tout. Comme d'habitude, hein. Bah ouais. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a, moustache? Attends, il faut quand même trouver la solution, là. Parce qu'on n'y arrivera jamais, là, à faire un. Bah, la solution. Ouais. Elle est simple. Non, mais t'inquiète pas, ça passe pas longtemps. Il y a le disque. C'était vraiment une cape. Non mais... qu'est-ce que tu m'annonces là?
Bah quoi, le petit Roswell, il est partout de Marseille. Mais mets le son. Mets le son ici. Je peux pas. Mets le son ici, je te dis. Non mais attends, ce sujet, la semaine prochaine, on fait pas un même débat avec de la merde pareil, parce que là, ça... Bah, allez, moi, je comprends pas, c'est toi quand tu fais tes débats. Ça se passe bien, et quand c'est moi, c'est le bordel. Alors, je voudrais savoir parce pourquoi. Que tu sais pas, c'est incompréhensible. Ouais, mais attends, tu veux faire n'importe quoi, t'as mis une heure à te réveiller. L'autre, il faut que le dernier. L'autre. Le Manet, là, il est même pas capable de virer un auditeur qu'on lui dit. Mais toi, tu n'entendais rien ce soir. T'entendais rien, tu le faisais exprès. Je te jure. Tu l'as fait exprès ce soir. Tu lui dis, reviens, il va nous faire chier, ben je vais le faire chier aussi. C'est tout ce que t'as fait. Non, j'entendais pas. C'est tout ce que t'as fait, t'as voulu ça, vous avez cinqué l'émission. Hein, vous avez foutu votre merde, vous y avez réussi. À cause de moi, on a perdu. Ah bah là, non, mais là, de toute façon, on a fait, c'est une catastrophe au niveau de l'audience. Ah non, on a gagné, il y a un 0. On a rien gagné. Ah, la Pologne a perdu. Que ça a été à peu près bien parce que Max était là, mais aujourd'hui, vous avez merdé. Alors, c'est terminé, moi, si c'est des débats de merde qu'on fait, c'est plus la peine. La semaine prochaine. Ah, ta gueule. Ta gueule, toi, bah, dégage des studios, je veux plus te voir. Et toi, est-ce que les micros, ils marchent correctement? Parce que ce soir, c'était de la merde. Pas de merde. Ah, regarde les câbles, regarde ça, c'est ni fait ni à faire. C'est quoi là? T'es payé à quoi pour t'as branlé les couilles dans ton studio? Ouais, et par des hommes en plus. Ah, t'es même pas capable de... Sérieusement, c'est vrai. Mais c'est quoi le jingle là que tu nous as mis mardi? Ouais. Non mais c'est vrai. C'est quoi ce bordel, le jingle de débat, c'est quoi? Bah ouais, je sais. Bah, ah bah tu repais des jingles, tu te démerdes. Je vais bosser, ok. Ah bah t'as que ça à poudre toute une journée. Parce que là, quand on va faire le débat... Moi, je veux que le débat des routiers se passe mieux qu'aujourd'hui. Attends, ça va être la catastrophe. Hein. Mais je vais essayer, je peux pas. Non, mais y a pas, je vais essayer. C'est sûr. Et je veux que ça soit, qu'il soit impeccable. Pour le son, je peux impeccable. Moi, je veux plus de 10 000 personnes sur l'internet et je veux que l'audience, ça monte à 3 millions. Voire 5. T'as vu, toi, t'en as fait 17 millions, t'es tombé à 1 million, c'est minable ce soir. Ouais, mais j'en veux plus. Pour le débat des routiers, j'en veux plus. D'accord. Ce débat-là, je veux pas qu'il foire. En plus, il y a la Stevie, quoi. On fait les deux d'un coup. Je mélange les deux. Et là, avec les frères Pogdanov, vous allez pas la poirer, l'émission, parce que vous avez fermé votre gueule. Qui sera là, le chef? Avec qui? Avec Douchka et Vigor? Ouais, et puis Max, il sera là, donc vous fermerez votre gueule. Voilà. Et là, hein, on peut vous respecter. Mais quand c'est moi, vous foutez votre merde. Quand vous êtes deux branleurs. T'as fait une thèse, toi? Ta gueule. T'as fait une thèse ou pas, toi? Quand t'as fait ta thèse, on pourra en parler. C'est vrai, faut arrêter, quoi. Moi, je suis pas. Manière, c'est simple. On va réécouter la. Je vais demander. Les copies. Non, mais la copie avec toi, parce que j'ai quelqu'un que Sandia connaît, que ses parents ont écouté. Et ont écouté, parce que je passais ce soir, ça a été enregistré. Alors, fais-moi confiance que demain, on va avoir des nouvelles. Et le môme, il a 3 ans et demi. Je te signale, j'ai refait venir deux autres auditeurs encore que je connais d'où qu'on est. Ouais, moi, je vous fais ramener du monde et vous me saquez mon boulot. Et 3 ans et demi. Bah ouais, mais lui, il écoute parce qu'il il aime bien. Ce qu'on va faire, c'est. Mais dis-moi, moi, je le rappelle pour tes débats. T'as qu'à faire une réunion un week-end et puis tu réécoutes le débat. Hein. Ah, moi, je suis pas là le week-end, attends. Ah, moi non plus. Ouais, attends. Dimanche, si je dois faire une réunion, tu seras là dimanche. De toute façon, moi, je suis au 35 heures. Ouais, tu fais quoi le week-end? Je fais 35 heures, c'est tout. Voilà, non, mais de toute manière, toi, tu viens jamais le dimanche. Hein. Toi et ton bébé rose, ça va. Hein. Ouais, faut faire une réunion. Non, par contre, dimanche, je suis là, tu te démerdes, je viens, je fais une réunion. Non, tu viens pas, je suis pas là. Je m'occupe des Pogdanov pour la réunion, pour qu'elle soit bien. Je m'en fous, je viens lundi. Tu peux faire ça. Lundi, on fait la réunion. Non, mais non, viens dimanche, comme il y a William Beat, tu pourras faire le gland, toi. Et toi, tu pourras faire la pute chez toi avec ton bébé rose. Ah, j'y retourne là. Vas-y, t'as qu'à y aller. Il est l'heure là. Lundi, je viens, on fait la réunion lundi soir. Alors, tu peux venir lundi matin, ça m'arrange. Alors, prends mon casque. Vers 9h, tu vas gagner un lingot chez Bob. C'est ça. Tu vas nous poser un lingot. Lundi, comme ça, tu pourras rembourser tous les frais que t'as engrangés avec. Ouais, voilà. Après avec Iversen. Ouais. Il fait tard, attends. Non, moi je bouge. Je peux pas. Je bouge, mais attendez. Non, mais j'ai encore avec Phil. Ouais. On a pas que ça à branler, nous. Queen, ah, vous allez au pute? Ouais. Bah, c'est toi, j'irai tout de suite et je reviendrai pas du tout lundi. Bah, j'y vais. Parce qu'avec le silence, D'ailleurs, si tu peux demander à... Comment qui je s'appelle? Ah, je sais plus. Ouais, voilà. De m'attendre. Alors, attends. Espèce de connard. Attends. On va la chercher. Voilà, j'ai mon pote qui va te la chercher. Tanguy! Gérard, viens! Allégal de Pchoun a gagné, on peut citer à gagner. P.O.S. Jaguar dans un espiral. Tu es ton âme, tu poses aucune question. Tu sais ce que tu veux dans l'âme, il y a le temps, l'ambition. Tu te dépêches, tu vas la chercher, monsieur Foncalé. Elle a peut-être été prise en otage, on voit. Peut-être qu'il y a des extraterrestres. Je sais pas, mais là. Tu vas la chercher. Elle s'est peut-être fait enlever. Allez, va la chercher, putain. Ils vont lui mettre une sonde. Allez,
tu veux que je te mette un coton dans le cul pour regarder le public? Il est grave. Non mais attends, mais là c'est incroyable. Là. Tu parles pas de Sandy comme ça. Bah, je voulais lui dire au revoir avant de partir. Non. Laisse-la venir, tu vas voir comment qu'elle va te massacrer. Bah je voulais qu'elle m'attende pour lui faire un bisou. Ouais ouais, c'est ça, toi. Arrête de mettre une grosse une tarte dans ta gueule, ça va pas être pareil là. Manger de japonais. Y'a pas de problème, moi j'attends. Hein. Ouais, ben bah, elle va venir, tu vas voir. Donc on a fini à combien alors, à peu près 8000 On a fini à 8000 et quelques, je sais plus combien exactement. 8008 Ouais. Ah, bah. Par contre, faut qu'elle se réveille, je suis crevé, moi. Ouais, ben bah, t'as que tu fous rien de la soirée. T'as presque rien foutu. Alors, mais comment ça se fait ça alors? Tu fais un débat une fois par mois et t'es même pas capable de gérer ton équipe. Le mois dernier, t'étais pas là. Ouais, ils font exprès à chaque fois. Non, ils font pas exprès. Avant, t'as géré, avant t'arrivais, maintenant t'y arrives pas. Donc, mais comment que ça se fait que quand c'est toi, ils foutent pas la merde? Quand tu dis quelque chose, ils font tout de suite. Et dès que c'est moi, ils foutent leur merde. Pourquoi? Mais non. Bah si, ça a été le merde, le bordel. À quel moment? Bah, tout le long de l'émission, ils ont pas arrêté. Impeccable. Ils ont foiré les débats. Ils l'ont foiré, alors. Quand j'ai dit qu'il fallait virer Capitaine Flamme, il est revenu, on sait pas pourquoi. Bah, elle me passe un auditeur, Gérard. Je reconnais. Mais ouais, mais de toute manière, fallait pas qu'il s'amuse à mettre des disques. Jean-Pierre Sauzère, lui, va falloir qu'il scanne parce que... Faut pas le passer. C'est toi qui as voulu perdre le débat. Ouais, mais il voulait perdre le débat. Mais qui a voulu, on l'a rappelé. Hein. Quand on va faire le débat sur les routiers, sur les débats routiers. Mais bouche, il bug ou quoi là? Lui, il va se prendre une claque dans sa gueule. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, moi, je vais lui faire un bisou avant de partir et lui, t'as vu ce qu'il fait? C'est bien. Je sais pas, il traînait un truc par terre. Bravo. Ouais, mais c'est ta guitare, je te signale qu'il traîne par terre comme ça. Une vieille charogne. C'est ta guitare, hein? Un vieux canard. Il est en train de se faire sucer. Putain, c'est chaud. Cavale, viens, attends, laisse tomber. Elle est où? C'est bon. Elle est où? Mais non, mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie en boîte avec des copains à elle. Elle est partie à l'aquarium. Elle est où? Allez où, tu démerdes? Les vigiles m'ont dit qu'elle était partie. Non, tu vas la chercher. Mais reviens, attends, on va voir, on va la chercher. Va la chercher, Olivier. Tu vas la chercher. Mais elle est partie avec des copains, elle revient à 3h. Tu vas la chercher, t'as 5 minutes. Va la chercher, putain. Bagne-toi. Va chercher la grosse. Bagne-toi, t'as 5 minutes pour la ramener. Allez. Bagne-toi. Allez, Gérard, mais attends, on finit cette réunion, là. Putain. On sortira jamais, Sylvia, elle est où? Ouais. Et puis descends avec lui pour voir. Non, c'est la ramène. Bon, il est où l'autre PD là? Là. Reviens. Je suis fatigué moi. Allez, dépêche-toi. Allez, ramène ton Roswell. Après on y va là. Ah ouais. T'es engueulé, j'ai dépassé mon quota d'heure. Y aller là quand même, merde. Bon. Bah, Filda. Oh putain, il commence à me gonfler celui-là aussi. Hein? Ah bah tiens, la voilà. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est trop con. C'est bien pour toi, ça. C'est pour Sonny, tu pourras lui faire un gros câlin, elle. Oui. T'es content d'avoir saccagé les débats? Ouais, sympa, ouais. Ouais. Non, mais là, c'est pas drôle, pas. C'est bien parce que pour le retour, tu saccages tout. Ça a pas été saccagé, on a fait ce qu'on a pu, c'est bien. Oui, bien sûr. Avec des fils qui traînent partout, t'appelles ça pas saccagé, tu t'amuses à mettre des doubles sons, t'as pas saccagé l'émission. Non, au standard, t'as pas foutu ta merde. Non. Puis l'autre, ça va toi, on te paye à rien foutre quand t'es à l'arrière. T'avais besoin de te tirer comme un gros veau. Bah ouais, ça me faisait chier, t'avançais pas, tu gérais pas tes auditeurs, moi ça me grave. Mais de manière, c'est simple, moi si ça continue, Rigo il va plus perdre internet, il va perdre du standard. Hein. Bah les banco, moi je suis pour. Bah, le mois prochain. Levez la main, pour que Rigo fasse un standard, allez. C'est pas bon. Moi, je suis pour, hein. Ouais, mais... Moi aussi, je suis pour. Ouais, mais comment tu vas faire? Tout le monde est pour. Ah ouais. Allez où? Qui c'est que tu vas faire internet si je fais le standard, Gérard? Putain. Tu vas faire internet. Ah ouais, mais dans ce cas-là, y a que toi qui bosse bien, toi, à chaque fois. Alors... Attends, sinon, Rigo. C'est ça? Bah, attends, on peut te remettre standard au Rigo avec le standard. Regarde, on va mettre le standard à côté de l'AREA avec l'internet, il fait les trois, hein. Non, quand même pas, faut trouver quelqu'un pour l'arrêter. Et à la limite même, tu prends les questions et puis Gérard tu le tèges et puis tu fais les débats. Ah au moins je saurais ce que c'est un ovni, des trucs comme ça. Non mais ça... Le débat sur les routiers c'est un débat très délicat parce qu'on va aborder les 35 heures, on va aborder le chômage, on va aborder les putes, on va aborder tout ça. Et s'il y a une merde, la CB, tout ça, hein.
Là, s'il y a une merde, ça sera là. Vous avez Digo et compagnie. Non, inspiration, je m'appelle pas Jean-Pierre Stoser pour parler. Non, mais d'accord, on va en parler. Si t'es pas capable de gérer comme tu l'as fait ce soir, à te laisser déborder. C'est pas lui qui s'occupe du truc. Si tu te laisses déborder par les événements, là, on va parler de politique dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Bah non, mais forcément, on va parler des routiers, des grèves, des 35 heures. Ouais, mais ça, les 35 heures, c'est sûr qu'on va en discuter, ça. Je vais le voir. Probablement des responsables de syndicats qui vont appeler. Ah ouais. Et qui vont pas être d'accord. La CGT, l'IVG. Si tu te laisses déborder par deux mecs comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'ai dit les syndicats, la CGT, l'IVG. L'IVG, tu sais ce que c'est? C'est un syndicat? Non, c'est interruption volontaire de grossesse. Ah, excuse-moi. Ça a rien à voir avec les syndicats, ça. Faut pas confondre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai Olivier, là, qui a l'accueil. Ouais, t'as raison, il est dans son studio de pro. Mais non. Il est dans son studio. Olivier. Oui. T'es où, là? T'as l'accueil? Non, il est pas à l'accueil, il est dans son studio. Il est dans son studio, je l'ai vu dans son studio. Écoute-le. Il est passé dans son studio. Tu vas te faire foutre, t'es dans ton studio, tu te démerdes. Elle est en boîte. Elle est dans quelle boîte? Dans les sueurs. Ah, 69. Attends, il est dans le studio de prod. Fais gaffe, Olive. Ferme la clé. Olive. Oui. Barricade-toi. Barricade-toi. Mec. Fais chaud. C'est bon. Alors Olivier. Oui. T'es où, là? Je suis à l'accueil. Allez, vraiment, il est à l'accueil. Il est bien. Bon, Gérard. Là, je suis fatigué, moi. Moi aussi, là. Faut que je rentre, là. Gérard. GG, on m'attend, manque-toi. Moi aussi, hein. Il est à l'accueil. Il est à l'accueil. Il est à l'accueil. Il est de l'autre côté. Parle-lui. Ouais, bah c'est bien vu. Il est pas à l'accueil. Ah bon. Parce que j'ai vu passer, il est passé dans son truc. Elle est peut-être partie chez Monsieur Mazur. Non. Mais on fait le débat sur les routiers. On va aborder le sujet délicat de la politique. On peut pas se permettre d'avoir les mêmes débordements qu'on a eu ce soir. Mais pas d'auditeur naze. Non mais toi, tu n'as jamais les entrées, quoi. Non, mais moi je veux pas de bordel. Tu veux que ça déconne les routiers? Tu veux qu'on chie sur les routiers? Non, mais attention, là, si je fais ce débat-là, je veux pas des nazes au standard. Et puis venez avec des modes d'emploi de Sibi parce que. Oui, mais ça, j'en ai. Je vais en avoir. Ouais, c'est comme pour les ovnis, hein. Préparer, hein. Les ovnis, de toute manière, je vais regarder ce que ça veut dire et ça m'étonnerait que ça veut dire ce que tu m'as dit. Ah non, mais c'est pas mal, c'est pas à 2h48, 2h18 après le débat qu'il faut regarder, c'est avant. De toute manière, vous allez pouvoir le débat, c'est simple. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le mois prochain, on verra. Voilà, exactement. On verra ça, c'est quand le dernier. Sinon, mais lundi, on va peut-être faire une petite réunion mardi dans la salle. Ouais. On verra dans justement, si tu viens pour la réunion, tu pourrais voir la compta pour mon augmentation, quoi. Tu vois? T'étais où, toi? T'étais pas en bas? Non. T'es un menteur, Elle est où? J'en sais rien, elle est partie depuis 3 quarts d'heure, les vigiles m'ont dit. Ils sont là, que c'est pas vrai. À payer. Je te dis que c'est pas vrai. Je te dis que c'est pas vrai. Il vient de me le dire. C'est quoi le numéro, Olivier? C'est pas vrai. Mais non, mais de manière. Non, laisse tomber. Regarde, tiens. Ah, j'irai moi à l'accueil. Elle est vraiment partie, non, mais. Non. Attends, j'appelle la sécu. Ah, je veux dire des conneries. Allô? Oui, la sécurité d'RTL? Oui. On voulait savoir si Sandy était sorti. Oui, il est sorti. Voilà. À quelle heure? Il a quoi? Il a eu un peu plus d'une heure en fait. Je te le dis. Et avec qui? Je te le dis. Pardonne-moi, la seule. Oui, moi je vais sortir tout seul. Hein. Elle est partie, Gérard. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Au revoir. Voilà. Venir à la porte. Tu vois, mais non, mais elle est partie avec des copains qui sont passés à la porte. De toute façon, il n'y a pas de porte. Bon, bah, besoin de clé, hein. Bon, c'est. Bah, voilà. Bah,